Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat. Bonsoir le public, vous êtes merveilleux, très heureux de vous accueillir dans cette belle émission. Bonsoir tout le monde. Bienvenue pour cette émission Backseat, une émission très particulière puisque c'est la dernière de la deuxième saison. Oh. Mais vous inquiétez pas, il y aura peut-être une saison 3. Très content de vous accueillir les amis. On va parler de politique ce soir comme d'habitude. On va faire le bilan de l'année, on va faire le bilan de la saison. Ça va être formidable. Mais comme d'habitude, on va commencer en toute décontraction cette émission avec un before. Le before de Backseat, vous le connaissez. C'est l'occasion d'avoir des sponsors qui participent au financement de cette émission. Et quand on n'a pas de sponsors, on en profite pour inviter d'autres acteurs de l'actualité, notamment des acteurs associatifs, pour parler de leurs actions. Et on a décidé ce soir de faire un before pour parler d'une question assez essentielle, celle des libertés publiques et des libertés associatives. Est-ce qu'elles sont en danger, ces libertés? Comment est-ce qu'elles évoluent ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines? Ça a été au cœur des discussions avec la question des libertés de manifestation, on en parle notamment beaucoup en ce moment, de liberté d'expression, et plus encore ces derniers jours, puisqu'on a appris pêle-mêle, coup sur coup, les annonces de la dissolution des soulèvements de la Terre et de la perte de l'agrément d'Anticor. Donc là, il y a quatre gros mots. Dissolution, qu'est-ce que c'est que ce truc? Soulèvement de la Terre, qu'est-ce que c'est que ce truc? Perte d'agrément, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et anticorps, qu'est-ce que c'est que ce truc? Quatre choses que dans une heure vous saurez tout. Vous inquiétez pas, le but du jeu c'est qu'on en parle et qu'on n'en parle pas tout seul, puisque je suis accompagné de Latifa. Salut Latifa. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah ouais, écoute, Latifa, tu es la présidente, fondatrice de l'association Le Mouvement. Pas fondatrice, mais ouais, directrice du mouvement. Directrice du mouvement, excuse-moi. Tu es chroniqueuse pour Backseat et tu connais bien ces sujets, donc je t'ai proposé de venir avec moi pour animer ce before. Donc voilà, merci à toi. Et on est avec deux intervenantes ce soir. On est avec Léna Lazare. Salut Léna. Bonsoir. Bienvenue sur Backseat, merci d'avoir accepté de venir dans le before. Léna, toi tu es membre et porte-parole de Feu les soulèvements de la Terre. Oui c'est ça, des soulèvements de la Terre administrativement dissous mais toujours présents. Et on va l'expliquer, on espère. On va en parler, ouais, on va en parler. Merci à toi Léna, on va discuter de cette dissolution et des soulèvements de la Terre. On est aussi avec Élise Van Beneden, salut Élise. Salut. Bonsoir, merci d'avoir accepté de venir dans Backseat. Avec grand plaisir. Élise, toi tu es la présidente de l'association qui s'appelle Anticor. Absolument. Merci d'avoir accepté de venir à nouveau et on sera rejoint dans la deuxième partie du Before. Maintenant il y a des parties dans les Before, c'est incroyable. Par Thibaut Mullier qui est professeur constitutionnaliste, maître de conférence en droit public, qui nous rejoindra pour venir aborder avec nous les aspects juridiques en termes de liberté, des sujets qu'on va aborder. Justement, on va commencer avec toi, Élise, si tu le veux bien, on va parler d'Anticor. Anticor, c'est une asso anticorruption, comme son nom l'indique assez bien finalement, qui a été fondée il y a 20 ans, maintenant c'était en 2003, joyeux anniversaire. Oui. Merci. Et à votre actif, vous avez un certain nombre d'affaires que vous avez soulevées. Je pense au sondage de l'Élysée, notamment sous Nicolas Sarkozy. Il y en aura d'autres, on va en parler. Vous vous étiez aussi assuré il y a plus de 10 ans que le procès de Jacques Chirac se tiendrait bien dans l'affaire des emplois fictifs, pour parler des affaires les plus célèbres. Association anti-corruption. Moi, la corruption, j'ai à peu près l'idée, c'est-à-dire filer un bifton à un fonctionnaire pour qu'il nous foute la paix ou qu'il fasse avancer un dossier. Mais ça désigne quoi, pour vous, Anticor, le phénomène de la corruption? Alors, il y a une signification juridique et il y a une signification plus commune. En fait, la corruption, c'est un abus de pouvoir. C'est prendre le pouvoir qui nous a été donné pour le détourner de sa finalité, à des fins personnelles, pour aider des proches, pour essayer d'avoir un retour d'ascenseur, un de ces quatre. D'accord. C'est ça, la corruption. Mais il y a un sens beaucoup plus technique qui a un sens juridique. La corruption, au sens juridique, c'est le fait de demander ou d'accepter un avantage quelconque pour faire ou ne pas faire quelque chose dans le cadre de ses fonctions. Donc, et ce n'est pas spécifiquement public, du coup, parce que tu parles de fonction, ça peut être dans le privé. Publique. Oui, c'est alors, ça. Il y a de la corruption privée, hein, mais à Anticor, on ne travaille que sur la corruption publique, parce que finalement, ce qui nous fait rager, c'est qu'il y a des personnes qui reçoivent la confiance des citoyens en étant élus, ou alors ont des responsabilités publiques qui fait que leur mission est hyper importante, et qu'eux, ils détournent cette mission-là à des fins personnelles. D'accord, ok. Ok. Je comprends mieux, mais du coup, quand vous parlez du phénomène de corruption, ça recouvre beaucoup de délits différents, en fait. Oui, c'est ça. Détournement d'argent. Parce qu'on les entend souvent quand on voit les articles de journaux, etc. Même quand on n'est pas juriste, on voit parler de beaucoup de choses. Tout ça, ce sont des phénomènes de corruption. Qu'est-ce qu'on a comme délits? Oui, alors c'est ce qu'on appelle la corruption au sens large. Mais si on regarde le code pénal, donc il y a la corruption, ça je viens de vous en parler, il y a le trafic d'influence, c'est presque la même chose, sauf que c'est pas pour faire ou faire quelque chose, c'est pour
jouer de son influence pour que quelqu'un d'autre fasse ou ne fasse pas quelque chose. Je peux donner des exemples, comme ça sera peut-être un peu plus concret. Vas-y. La corruption, ça va être, par exemple, une entreprise du BTP qui veut construire un rond-point. Il y a énormément de rond-points en France, c'est une spécificité française. Après, j'en déduis absolument rien. Le maire va demander ou alors faire comprendre que si l'entreprise de BTP veut un marché pour construire un rond-point, bah, c'est 10 000 euros dans sa poche à lui. Ça, c'est la corruption au sens pur, c'est le bakchiche. C'est filer du pognon pour avoir un marché public qui va rapporter de l'argent à l'entreprise. Oui, ok, d'accord. Après, il y a le trafic d'influence. Ça peut être aussi recevoir un avantage. Et ce n'est pas forcément que de l'argent, l'avantage. Hein. Ça peut être, on peut même aller jusqu'à parler de faveur sexuelle, pourquoi pas, c'est un avantage. Ça arrive. D'accepter un avantage pour jouer de son pouvoir, pour influencer, pour que quelqu'un d'autre fasse quelque chose. Par exemple, au hasard, influencer pour que quelqu'un trouve un HLM ou obtienne l'effacement de son casier judiciaire. Ça pourrait être qualifié de trafic d'influence. Après, il y a la prise illégale d'intérêt, ça, il y en a énormément. Je pense qu'on pourrait avoir 500 dossiers par an à Anticor, tellement il y en a, et on n'y va plus tellement il y en a. Dans ces cas-là, on essaye de jouer au niveau de la loi pour rendre plus solides les mécanismes qui font que ça n'arrive pas. La prise illégale d'intérêt, c'est le fait d'avoir un intérêt personnel dans la décision publique qu'on doit prendre. Là, par exemple, prendre un dossier au hasard, on a fait condamner un maire parce qu'il avait embauché sa sœur pour travailler à la mairie. Il avait un intérêt personnel à ce que sa sœur trouve du boulot et il avait le pouvoir d'embaucher quelqu'un à ce poste-là. Ouais, okay. Donc c'est une interférence. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui disait « Ouais, j'aimais bien Anticor, mais depuis quelques années, j'ai l'impression qu'ils sont rentrés dans un combat politique, ils s'en prennent qu'à la droite. » C'est vrai, ça ? C'est quoi la droite ? Ah, t'es chiante. Alors, Est-ce qu'il y a une couleur... Attends, je vais poser la question différemment. Est-ce qu'il y a une couleur politique à Anticor ? Est-ce qu'Anticor, c'est une association de gauche ? Non. C'est une association qui est transpartisane. C'est pas une association qui est apolitique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient en des partis politiques chez nous. Il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il y en a d'à peu près tous les courants politiques. C'est pas notre combat. Le combat partisan, c'est surtout pas notre combat. Surtout que la corruption, ça se situe clairement au-dessus de tous les combats partisans, en fait. Et c'est vrai qu'on nous reproche souvent de porter plainte contre la droite, disons contre LREM en ce moment. Mais en fait, la corruption, je l'ai dit au départ, c'est un abus de pouvoir. Donc, ils sont au pouvoir. Il faut avoir du pouvoir pour abuser du pouvoir. Donc, mais la gauche au pouvoir et Anticor les poursuivra, t'inquiète pas. on l'a déjà fait d'ailleurs. On a porté plainte contre Hidalgo, on a porté plainte contre M. Mélenchon, on a porté plainte contre le maire de Givors, Martial Passy, on a porté plainte contre Guérini qui est de gauche, contre Agnès Sall. On ne porte pas plainte que contre des personnes qui sont au pouvoir, forcément, enfin, au parti politique qui est à la présidence. Moi, sur cet aspect politique, j'avais une question. C'est juste, du coup, comment on se, entre guillemets, protège des possibilités, enfin, entre guillemets, de récupération d'un opposant qui va venir vous dire, parce que je ne sais pas comment fonctionner, est-ce que c'est des sources qui viennent vous dire, vous signaler une situation potentielle de corruption. Comment on navigue ? C'est souvent la presse. Souvent, c'est la presse qui va dénoncer un scandale. Et nous, on va prendre le dossier, regarder le dossier, voir s'il y a une qualification pénale qui est envisageable. Parfois, c'est de lanceurs d'alerte. C'est vrai qu'il y en a qui sont intéressés, qui, eux, sont dans quelque chose qui est partisan. À moins que ce soit vraiment de la manipulation, l'instrumentalisation, où là on va dire bah non, en fait on n'est pas à vendre, on n'est pas instrumentalisé, on n'y va pas. Mais sinon, le fait que la personne qui dénonce ait elle-même un intérêt, ça arrive. Il y a des conseillers d'opposition dans les mairies qui dénoncent des faits. Bah, ils sont d'opposition et ils dénoncent le parti, l'équipe qui est au pouvoir. Nous, notre intérêt, c'est d'être sûr que juridiquement il y a quelque chose. Notre promesse, c'est la rigueur juridiquement, on fait un travail qui est nickel. Depuis 10 ans, depuis 2013, vous aviez un agrément qui vous permettait de faire des trucs en justice que les autres assos sans agrément ne peuvent pas faire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'agrément ? Ça vous permettait quoi ? C'était quoi ? Alors, c'est très important cet agrément. D'ailleurs, ça s'entend dans les médias depuis quelques jours. Pour expliquer pourquoi il est important, il faut que j'explique un peu comment ça fonctionne, parce que, mine de rien, je vais beaucoup à la fac, un peu partout, et ce n'est pas toujours très clair. Non, ça ne l'est pas du tout, non. S'il te plaît. Ok. Donc, quand il nous arrive quelque chose et qu'on pense que c'est une infraction pénale, on va à la police. Si on se fait cambrioler, piquer son sac, on va à la police porter plainte. Ouais. En fait, on va à la police, mais on porte plainte entre les mains du procureur de la République. Et c'est le procureur de la République qui va décider ou pas d'ouvrir une enquête préliminaire et éventuellement de saisir un juge d'instruction. Un juge d'instruction, c'est un juge qui est indépendant. Son indépendance est garantie par la Constitution. Il ne peut pas se faire virer, il ne peut pas se faire placardiser, il ne peut pas être envoyé à 3 000 km de sa famille.
C'est pas le cas du procureur de la République, qui lui a un statut beaucoup plus fragile, parce que sa carrière, elle dépend du ministère de la Justice. Donc c'est pas grave quand on parle de « ça te fait piquer son sac » ou de « ça te fait cambrioler », parce que, bon, bah, il risque rien en ouvrant une enquête préliminaire ou en poursuivant. Mais quand on parle de corruption, on peut comprendre qu'un procureur n'ait pas un intérêt personnel à poursuivre des personnes puissantes, puisque sa carrière peut potentiellement en dépendre. Il peut absolument craindre que sa carrière soit entravée si lui déclenche des poursuites contre quelqu'un qui est au gouvernement ou proche du gouvernement. Okay, et ce même proc, il a autre chose qui est spécifique à certains pays. Tous les pays ne fonctionnent pas comme ça. Il a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Traduction, il peut classer son suite. Donc il peut enterrer une affaire et personne ne peut rien faire sauf la victime. Sauf que sur les sujets de corruption, il n'y a pas de victime. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est l'intérêt général de la victime. Ouais. Ouais, je vois et ce du que tu veux coup, dire. C'est pour ça que des associations se sont montées en disant bah, « nous, on lutte contre la corruption. Du coup, s'il y a de la corruption, on est victime de la corruption et on veut intervenir dans ces litiges pour contourner la décision de classement sans suite qui met fin au dossier et saisir un juge d'instruction pour que ces personnes qui ont énormément de pouvoir répondent à la justice comme tous les citoyens. » Et qu'on arrête finalement l'impunité, parce que c'est ça qui s'est passé pendant des années et des années, il y a eu un phénomène d'impunité dans la corruption. Ok, et donc c'est pour ça qu'on a inventé en France un système d'agrément qui permet à des associations de se porter victime, ce qu'on appelle partie civile en droit, mais de dire, nous, même si le procureur ne le veut pas, nous, on va saisir le juge et on veut aller jusqu'au bout. C'est en fait assez important, cet agrément et cette possibilité pour des associations de pouvoir saisir la justice. Ok, d'accord. Ouais, donc ça, je comprends. Donc ça, je comprends bien. Cet agrément, pour l'avoir, il faut montrer patte blanche. Il faut remplir un dossier. Alors justement, explique-moi. Comment est-ce qu'on obtient cet agrément? Est-ce que demain, si je monte une asso, je peux avoir un agrément? Il faudra attendre un peu, parce qu'il faut au moins 5 ans d'existence pour pouvoir prétendre avoir l'agrément. Au départ, c'est la justice qui a dit que les associations pouvaient se considérer comme victimes, parce qu'elle a compris que c'était important. Et puis après, il y a un agrément qui a été créé en 2013. Nous, on l'a eu en 2015, on l'a eu en 2018, on l'a eu en 2021, après une bataille qui nous a tous épuisés, en fait. C'est tous les 3 ans, je précise qu'il faut le renouveler. C'est tous les 3 ans qu'il faut renouveler cet agrément. Et les conditions, c'est d'exister depuis plus de 5 ans, avoir suffisamment d'adhérents, même si on ne sait pas combien, avoir une activité publique contre la corruption, avoir un fonctionnement conforme à ses statuts et avoir une activité indépendante. Donc, être une association indépendante. Et en l'occurrence, donc, 2021, c'était Jean Castex, le Premier ministre. Et effectivement, on en avait parlé dans les médias à l'époque, je m'en souviens. Mmh. Votre demande d'agrément a été renouvelée par le gouvernement. Est-ce que c'est bien une décision gouvernementale? C'est ça la particularité aussi de l'agrémentation des associations, c'est que c'est une décision administrative Gouvernementale, ministérielle, ministérielle. En fait, dans l'agrément, il est prévu que la personne qui donne l'agrément aux associations anticorruption, c'est le ministre de la Justice. Ok. Donc, c'est potentiellement quelqu'un qu'on peut attaquer. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans notre dossier en 2021, parce qu'on a porté plainte contre Éric Dupond-Moretti en 2020 pour prise illégale d'intérêt. Ah. Donc, intérêt personnel qui interfère avec la décision publique qu'on doit prendre, parce qu'il avait attaqué, demandé une enquête sur des magistrats contre lesquels il avait porté plainte quelques semaines avant d'être devenir ministre. Ça pose un énorme problème. C'est un paradoxe total de devoir demander à une personne qu'on peut potentiellement avoir à attaquer en justice l'autorisation de l'attaquer. C'est un paradoxe total. Oui, c'est absurde. D'où le fait que c'est remonté au niveau du TU, le Premier ministre. Voilà, au début, Éric Dupond-Moretti n'a pas lâché l'affaire. Et puis après, Castex a fait un décret en lui ordonnant de se déporter. Et il a récupéré le dossier. Et il a accordé l'agrément anticorps. Et ce qui se passe... Oui, Latifa. Moi, j'avais une question pour juste prendre la portée du non-renouvellement de cet agrément. C'est le seul, entre guillemets, moyen de pression que le gouvernement ou l'État peut avoir sur vous, ou pas, étant donné que vous êtes complètement même indépendant financièrement, puisque vous êtes rare association, être complètement financée par vos membres et vos adhérents et tout, et c'est quand même quelque chose d'assez important. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que c'est vraiment pour qu'on mesure les principaux coûts, entre guillemets, qu'on peut vous porter sur un plan administratif? Oui, absolument. On est complètement indépendant, donc on n'a pas de subvention publique, pas de dons des entreprises. Les dons des personnes morales, des associations, il faut l'autorisation du CA. Même les dons des personnes physiques sont limités. Mmh. Si ça dépasse un certain montant, il faut l'autorisation carrément de tous les adhérents en Assemblée générale. Donc on a un contrôle financier qui est assez extrême. Donc on ne peut pas nous retirer de subvention.
Et est-ce qu'on peut nous dissoudre ? Bah, ce sera peut-être la question d'après. On va en parler après. Ils nous ont retiré cet agrément. Ça veut dire que, par exemple, là, on a porté plainte il y a quelques jours dans une affaire des concessions d'autoroute, qui est un véritable scandale d'État. Ouais. Et du coup, on a porté plainte devant le procureur de la République. Aujourd'hui, si le procureur de la République classe sans suite ce dossier, on ne pourra rien faire. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi c'est aujourd'hui alors que comme c'est tous les 3 ans, ça aurait dû être en 2024. Tu as parfaitement raison, tu es bon en maths, mais justement, on va y revenir. Puisque dès l'acquisition de votre agrément, donc le renouvellement de votre agrément en 2021, il se trouve qu'il y a d'anciens membres de votre association qui ont contesté et qui n'étaient pas d'accord avec le fait que vous obteniez ce renouvellement d'agrément. Ils vous reprochaient le fait que les conditions, selon eux, n'étaient plus remplies pour Quanticor et cet agrément, caractère indépendant et désintéressé des activités, information de ses membres sur la gestion, etc. Ces gens-là, donc d'anciens membres de votre association, ont décidé de poursuivre en justice, enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais le gouvernement, en leur disant, mais non, ils n'auraient pas dû leur donner l'agrément, les conditions n'étaient pas remplies. Et donc, c'est ce qui s'est passé en 2023, c'est que la justice a tapé sur les doigts de Jean Castex en disant, vous n'auriez pas dû donner l'agrément à Anticor, les conditions n'étaient pas réunies. Ah non, 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 c'est pas ce que le tribunal administratif a dit. Alors, ils ont dit quoi ? Je me suis Moi, c'est dit, comme ça que je l'ai compris. J'ai bataillé avec l'AFP parce qu'ils ont envoyé une dépêche vendredi en disant ça, que le tribunal administratif avait dit qu'on n'était pas indépendant, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas du tout ce qu'il a dit. Le tribunal administratif, il a annulé l'agrément pour une question de rédaction de l'agrément. Parce qu'en fait, dans l'agrément, il y a écrit qu'il y a des gens qui contestent en interne les questions de transparence, d'indépendance. Et après, il dit, mais Anticor a dit qu'ils allaient changer leur statut. Ils ont dit qu'ils allaient prendre un commissaire aux comptes qu'on avait déjà par ailleurs. Il y a des erreurs manifestes sur le texte. D'accord. Et après, il dit, on vous donne l'agrément. Et le tribunal, il n'a pas vérifié lui-même si Anticor remplissait les conditions. Il a juste dit que Castex ne pouvait pas se contredire dans le texte qu'il a écrit. C'est une question de régularité administrative. Ah. Dans un texte administratif, on ne peut pas dire « ils n'ont pas fait ça, mais je leur donne quand même parce que je ne sais pas précise, pour être précis, Élise, la justice n'a pas considéré qu'Anticor ne réunissait pas les conditions pour avoir l'agrément. Pas du tout. D'accord, la justice a considéré que Jean Castex, pour des raisons administratives, n'aurait pas dû ou pas pu... Ok, d'accord. Mais ce n'est pas sur le fond, en tout cas. Non, non, c'est ça qui est important. Nous, on leur a demandé, en fait, de juger sur le fond. On leur a apporté toutes les preuves, on a fait un mémoire de quasiment 50 pages. Okay. On leur a demandé de prendre position sur le fond, ils ne l'ont pas fait. Du coup, vous n'avez plus votre agrément, vous ne pouvez donc plus vous pourvoir... donc, vous portez partie civile jusqu'à un hypothétique renouvellement d'agrément si vous le réobtenez dans de meilleures conditions, du coup. Quel impact ça a sur l'activité de votre association ? Parce que c'est quand même le cœur de votre association de vous porter partie civile. Oui, notre association, elle fait 80% de judiciaire, en fait. Hein. Ouais. Parce qu'on considère que c'est le meilleur moyen de se battre contre la corruption, en fait. C'est que les personnes qui sont soupçonnées de corruption rendent des comptes à la justice et aux citoyens. Mmh. Donc, c'est 80% de ce qu'on fait. Ça ne nous empêchera pas de porter plainte, puisque ça, c'est... Ou ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Mmh. Par contre, on ne pourra plus contourner la décision du proc de classer sans suite. Ce qui était bien le problème, et c'est bien pour ça que l'agrément a été créé, c'est qu'il y a des classements sans suite. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'il y a ou non une transparence sur les donateurs d'Anticor ? Parce que j'ai aussi vu des articles de journaux qui expliquaient que l'une des bisbilles en interne avec les anciens adhérents de votre association, les anciens membres, c'était le financement, et ils trouvaient que ce n'était pas très transparent, qu'il y avait notamment une personne très riche qui voulait rester anonyme tout en donnant du pognon, etc. Qui vous finance ? D'où vient l'argent ? Est-ce que c'est transparent ? Ok. Alors, qui nous finance ? Du coup, c'est les personnes physiques, soit avec les cotisations, soit avec les dons. Okay. On a, je crois, environ 2000 donateurs. Mmh. Et on a eu, en 2020, un donateur qui donnait plus d'argent que les autres. Je crois qu'en 2020, il a donné 64 000 euros. C'est beaucoup quand même pour une personne seule. Ah ben, il a beaucoup d'argent, oui. Okay. Il aime vraiment pas la corruption, quoi. Il aime vraiment pas la corruption. Non, non. Bah, oui, heureusement qu'il y a des gens qui n'aiment pas la corruption. Hein. Ça représentait pour nous 17% de notre budget en 2020. Et non, il n'a jamais influencé Anticor, il n'a jamais appelé pour dire « faites ci, faites ça » ou « ne faites pas ça ». De toute façon, il aurait pris la porte tout de suite, hein. C'est une évidence. Même à 20%, même à 17% de votre budget Parce que c'est dur de résister à quelqu'un qui peut avoir une influence par l'argent, même dans une association. En fait, nous, on est structurés de telle manière que, il faudrait vérifier, c'est encore vrai cette année, mais normalement, les dons couvrent tous les salaires en Anticor et tous les frais fixes. Donc, en fait, on n'a aucun problème à dire à un donateur de prendre la porte. Au contraire. D'ailleurs, il a arrêté de nous donner de l'argent. Et, je vais dire, on n'a pas vu la différence. La trésorière va m'embêter, mais en soi,
Il y a quelqu'un qui dit pour une fois qu'un riche fait quelque chose d'utilité publique. Oui, oui, c'est une autre manière de voir les choses. Non, mais c'est sûr. voilà, salut. C'est oui, non, mais je pense que c'est quelqu'un qui avait. Bon, après, moi, je suis pas son avocate, hein, mais je pense que c'est quelqu'un qui était sincère dans son engagement contre la corruption. Et sur la transparence, c'est un sujet qui est compliqué. Mm-hmm. Effectivement, nous, on ne publie pas le nom de nos adhérents, certainement pas. Et on. Je crois même que c'est interdit. Hein, je veux pas dire de bêtises, oui, mais c'est interdit de. On publie pas le nom de nos donateurs non plus. Sauf ceux qui donnent plus de 7% de nos rentrées d'argent de l'année précédente. Donc, là, lui, on le connaît ? Eh ben, il n'y en a plus. Il n'y a plus personne. Vous... Mais on a mis en place ce mécanisme-là. C'est-à-dire que maintenant, on n'aura pas l'identité de ce donateur en question ? Ce donateur-là, son identité, elle est sortie dans la presse et il ne nous donne plus d'argent depuis. Hein. C'est Hervé Vinciguerra. Hervé Vinciguerra, oui, bah, il a arrêté. Il s'est retrouvé au milieu d'une tempête médiatique. Les gens qui disaient qu'il jouait au bridge, qui buvaient ça à l'apéro, enfin... Le gars, il s'est fait harceler, quoi. Là, tu avais une question à poser ? Non, mais justement, c'est sur ça. C'est pour savoir, je ne sais pas combien de temps ça vous a pris, justement, pour ça, pour les dons, pour être à l'équilibre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu un regain avec ce qui s'est passé dans l'actualité, bah, de dons, d'autres dons, de soutien de la part des gens ? Là, on a eu quasiment 1000 adhésions ces 30 derniers jours. Donc, c'est super. Il y a vraiment un soutien. Je pense que les gens n'y croient pas trop à ce qui est véhiculé, malgré la gaffe de l'AFP qui nous a fait du mal, mais bon... Et sur la transparence, en fait, nous, c'est vrai qu'on ne publie pas ces données-là. De toute façon, la CNIL nous l'interdit totalement. On a demandé à la CNIL parce qu'on était un peu perturbés d'être accusés et en même temps de dire en fait, c'est des données personnelles, c'est même des données sensibles. C'est encore une autre catégorie, encore plus à protéger que les données personnelles. Du coup, on a demandé à la CNIL et la CNIL nous dit non, vous ne donnez pas le nom de vos donateurs, vous ne donnez pas le nom de vos adhérents. La seule chose qu'on a faite, du coup, c'est que quand on donne plus de temps d'argent, il y a une petite truc d'information où on doit cocher pour dire j'accepte que mon nom soit publié dans le rapport financier d'Anticor. Mais comme je vous disais, personne ne le fait. Dernière question et après on va parler des soulèvements de la Terre. Est-ce que vous avez bon espoir de retrouver votre agrément ? Oui, moi je pense qu'on l'aura parce que mine de rien la situation est tellement ubuesque. Enfin, un gouvernement avec toutes les affaires qu'il a, qu'on voit ces dernières années, qui refuse à une association citoyenne de bénévoles hyper indépendante de porter plainte, ça n'a pas de sens. Je vois pas comment ils peuvent tenir cette position-là. Après la dernière fois, ils ont fini par nous le donner et puis finalement c'était un cheval de Troie parce qu'il était mal rédigé cet agrément. Donc on va être très attentif au texte. Ok, d'accord. On continue à discuter avec toi, Élise, des libertés publiques, mais je me tourne vers Léna. Léna, donc toi, tu es membre et porte-parole des Soulèvements de la Terre, donc qui a défrayé la chronique ces derniers temps lorsqu'on a appris sa dissolution en Conseil des ministres. C'était la semaine dernière, ou il y a 10 jours, que l'association a formellement été dissoute par une décision prise en Conseil des ministres. C'est effectivement seul le Conseil des ministres peut prendre la décision de dissoudre une association. Les Soulèvements de la Terre, vous avez été créés en 2021 à Notre-Dame-des-Landes. Et, je cite, c'était, à ce moment-là, vous définissiez comme une coalition qui regroupe des dizaines de collectifs locaux, de fermes, de sections syndicales, d'ONG à travers le pays. J'ai jamais rien compris. C'est très écolo, ça, c'est hyper brumeux. Qu'est-ce que c'est, les Soulèvements de la Terre ? Je comprends rien. C'est une assoce ? C'est un film fédé ? En effet, on n'est pas une association de loi 1901. C'est pour ça que dans le décret, ils nous qualifient de groupement de faits, ce qui est quelque chose d'extrêmement flou. Mais c'est pour ça que la dissolution des Soulèvements de la Terre est assez inédite. C'est qu'il y a 150 000 personnes qui ont rempli le formulaire d'adhésion au mouvement sur notre site internet et qu'on ait une coalition d'organisations qui décide en fait de porter des actions nationales ensemble. Et parmi ces associations, il y a plein d'associations très connues. Il y a ATTAC, Extinction Rebellion qui n'est pas une association, Youth for Climate, il y a le syndicat solidaire, il y a des comités locaux de la CGT et il y a un certain nombre d'organisations paysannes comme la Confédération. Et du coup, attends, parce qu'il y a 150 000 personnes qui ont signé pour rejoindre le mouvement, donc ont adhéré, mais il n'y a pas de structure administrative juridique derrière. Non, c'est totalement informel. En fait, c'est qu'on est une dynamique d'action. C'est que tous les 6 mois, on se retrouve, on décide de faire des actions ensemble donc contre l'agro-industrie et l'artificialisation des terres. Ouais. Mais en effet, c'est quelque chose d'extrêmement gazeux, en fait, les soulèvements de la terre. À chaque action, il y a des collectifs différents. Si je puis me permettre, c'est pratique pour ne pas avoir à rendre compte de ces actes. En tout cas, c'était on pas... On ne peut pas poursuivre les soulèvements, parce que ces soulèvements n'existent pas. On ne peut pas poursuivre les soulèvements. Par contre, il n'y a aucun souci pour criminaliser les activistes qui participent aux actions. Et là, justement, mercredi, il y a eu des gardes à vue pour l'organisation d'une manifestation interdite, donc celle de Sainte-Soline, du 25 mars. Eh bien, les organisations qui avaient déposé la manifestation et celles qui se revendiquaient
de l'organisation de la manif ont été convoquées. Donc, c'est-à-dire les trois personnes qui sont considérées, selon le ministère de l'Intérieur, comme dirigeants des soulèvements de la Terre, bon, ce qui, voilà, je pense, juridiquement est assez contestable, mais aussi voilà, des délégués syndicaux de la CGT, de Solidaires et de la Confédération Paysanne, donc, qui ont été en garde à vue. Je pense que pour moi, ce n'est pas un frein à la répression, à la criminalisation. Par contre, en effet, on n'attaque pas l'entité des soulèvements de la Terre directement parce qu'elle n'existe pas. Mais nous, si on a décidé d'avoir cette forme-là aussi, c'était pas pour justement rajouter une nouvelle organisation. L'idée, c'était d'avoir une composition, une collaboration plus efficace entre des collectifs, justement, pour porter des sujets qui était trop peu connu dans le mouvement écolo. Quoi. Alors, tu as parlé de Sainte-Soline, oui. Contre la méga-bassine. On a tous vu les images, on en a parlé ici dans cette émission. Ça a été un peu le déclencheur, parce que vous étiez déjà dans le collimateur du gouvernement depuis un bout de temps, mais là, Sainte-Soline, ça a été un déclencheur, puisque c'est suite aux échauffourées qui ont entouré cette mobilisation que le gouvernement a pris la décision de dissolution. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui d'être dissous? Je comprends pas très très bien, vous, vu que la structure juridique n'a jamais existé, vous avez plus le droit d'utiliser le nom, vous avez plus le droit de parler, vous avez plus le droit à des réseaux sociaux, vous pouvez plus organiser quoi que ce soit. Je comprends rien en fait. Ouais, non mais c'était difficile pour nous aussi de comprendre ce qu'on avait le droit de faire. En fait, ce qui est puni, c'est le maintien ou la reconstitution de ligues dissoutes, bon, comme on dit dans. Donc c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit d'organiser d'actions ensemble au nom des soulèvements, on n'a plus le droit d'avoir une activité. Sauf si cette activité, elle se fait dans le cadre de notre défense, dans la procédure juridique qui est en cours, donc pour contester la dissolution. Parce que la dissolution, c'est une décision qui est uniquement politique. Bien entendu, dans le décret, ils ont essayé d'avoir quelques éléments juridiques, parce qu'ils savaient, je pense, très bien qu'on allait les attaquer ensuite en justice. Alors c'est le principe, si tu me permets de préciser, effectivement, oui, bah. Tu as dit que c'est une décision politique. En fait, c'est une décision en Conseil des ministres, oui. Et comme toute décision de l'administration ou du Conseil des ministres, un décret de dissolution peut être attaqué devant la juridiction administrative, ce que vous avez bien évidemment fait, oui. Et c'est en cours, mais un juge va être amené à se prononcer sur ce décret de dissolution pour savoir s'il est légal ou pas. C'est ça. Dans le cadre, on en parlera avec Thibault Mullier tout à l'heure, pour savoir voilà, si c'est respectueux des libertés publiques, notamment de la liberté associative. Et donc, du coup, le gouvernement, dans son décret, a effectivement présenté un certain nombre d'éléments justifiant, selon lui, la nécessité de dissoudre. Et en l'occurrence, ça tournait autour des violences que, selon le gouvernement, les soulèvements de la Terre auraient incitées, permises, rendues possibles, etc., etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec le gouvernement pour dire que les soulèvements de la Terre ont participé à l'organisation de mouvements violents, notamment à Sainte-Soline et pas seulement? Non, je suis pas d'accord. Et en fait, il parle de deux types de violences dans le décret. Il parle de violences envers les biens, ce qui pour moi n'existe pas. Enfin, la violence, c'est envers les êtres vivants et les dégradations matérielles. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut qualifier de violence. Ça, juridiquement, si. Enfin, on peut détruire une bagnole, c'est une violence envers les biens. C'est une violence, ok. Bah, c'est un délit. Sûr que c'est un délit, mais pour moi, la violence, c'est envers les êtres humains, les êtres vivants. Mais en tout cas, c'est sûr que les actions avec dégradation matérielle, nous, ça, il n'y a pas de problème, on les revendique. Revendiquez la destruction de matériel comme méthode Oui, c'est d'accord, ça, le débâchage de la méga-bassine légale il y a un an et demi, de démonter des tuyaux aussi d'une méga-bassine. Et en fait, ce n'est pas quelque chose qui est rare dans les mouvements sociaux, qu'il y ait des actions comme celle-ci. Je pense notamment au démontage du McDonald's de Millau sur le plateau du Larzac par José Bové, au fauchage du GM. Et il y a de nombreux mouvements comme Extinction Rebellion ou même AEDV COP21 qui revendiquent le fait de faire des dégradations dans le cadre d'actions de désobéissance civile. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, d'appeler à des manifestations armées, il n'y a aucun texte, aucune communication des soulèvements de la Terre qui montre cela, et pour moi, ça ne fait pas partie des modes d'action qu'on défend. J'ai l'impression qu'on est dans une situation aussi absurde que si on voulait dissoudre l'intersyndicale parce qu'il y a eu des affrontements avec la police lors de manifestations qu'ils ont organisées. Ok. Voilà. Quand on dit décision politique, est-ce que, voilà, pour ça, du coup, comme c'est difficile d'un peu d'y voir clair, selon toi, la motivation derrière ça réelle, c'est quoi d'un point de vue purement politique ? J'ai l'impression que, en fait, moi, j'ai commencé à beaucoup m'engager au sein des jeunes en grève pour le climat en 2019, et donc j'ai fait toutes les manifs climat, beaucoup d'actions de désobéissance civile, etc. Et je considère que le mouvement écologiste a beaucoup changé, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était plus suffisant de juste demander au gouvernement d'agir, et que la situation est de plus en plus dramatique.
Et que voilà, les conséquences du dérèglement climatique, on les ressent de plus en plus. Et donc forcément, on passe à la vitesse supérieure en termes de modalités d'action. Et on est dans une optique maintenant de contraindre le gouvernement à agir sur plein de thématiques. Et je pense que c'est pas du tout quelque chose qui leur plaît, et que comme on commence à avoir une certaine efficacité, et aussi qu'on refuse de se faire récupérer, comme ça a été le cas à un moment où on se dit bon, bah, peut-être que d'aller rencontrer le gouvernement, de prendre des photos avec eux, voilà, d'alimenter une politique de greenwashing d'une certaine manière, ça va peut-être nous permettre de faire en sorte qu'ils acceptent d'agir. Mais là, on n'est plus du tout dans la même dynamique. Vous refusez d'échanger avec des responsables publics? Oui, de mon côté, ça a été toujours le cas à l'échelle nationale. Mais par contre, au niveau local, les soulèvements de la terre, c'est différent. Parce que certes, on est connu pour nos actions coup de poing, je dirais, mais on met en avant des luttes contre des projets polluants et imposés. Et il y a toute une complémentarité des tactiques autour de ces luttes-là. On fait des recours en justice. Il y a des élus qui nous soutiennent, bah, notamment la NUPES nous a quand même largement soutenus dans ces luttes locales et aussi contre la dissolution. Voilà, c'est plutôt le pouvoir en place, le gouvernement Macron, avec qui je ne souhaite pas discuter, parce qu'en fait, j'ai très bien compris, notamment lorsque je faisais les grèves pour le climat, que c'était uniquement de la récupération et qu'ils n'allaient pas agir en fait pour l'écologie. Est-ce que tu as l'impression que le gouvernement aussi est davantage conscient, tu as parlé du fait que le mouvement écologique avait beaucoup changé, il y a une nouvelle génération évidemment, et parfois aussi plus consciente d'autres thématiques sociales, etc., avec les soulèvements de la terre aussi sensibles à ça, une dimension voilà, de violence à l'égard du vivant de manière générale, donc forcément là il y a une actualité autour des violences policières, etc. Est-ce que tu penses que le gouvernement craint aussi ça dans ces nouveaux mouvements écologiques? Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a dans la note des renseignements de la Direction nationale des renseignements territoriaux à notre égard. Ils se disent, mais en fait, ils disent très clairement ce qui est intéressant, parce qu'à côté, il y a tout un récit disant qu'on est un petit groupuscule d'ultra-gauche très violent, mais en fait, dans la note, ils disent... Les soulèvements de la terre sont très représentatifs en fait du mouvement écologiste aujourd'hui, qui a conscience que on ne va pas assez vite et que les industries polluantes, il va falloir aussi les arrêter par nous-mêmes, et ça passe donc par les actions qu'on prône de démantèlement d'infrastructures écocidaires. Enfin, c'est ce qui est quand même assez parlant, et j'aime bien parler de la méga bassine de Cranchaban qu'on a débâchée. C'est que cette méga bassine, elle était interdite depuis des années et elle était encore en fait en fonctionnement. Et on parle beaucoup de la désobéissance civile des militants, mais les grands pollueurs, en fait, ils outrepassent les lois, mais régulièrement, et il y en a plein qui préfèrent payer des amendes plutôt que d'arrêter leurs activités. Et donc voilà, il faut aussi se questionner je pense pas du tout qu'il y ait que les militants qui décident de désobéir aux lois. On a vu une crispation du gouvernement autour des mouvements écolos. On a entendu notamment un champ lexical qui est monté d'un cran. Ils ont parlé d'éco-terroristes, de factieux, pas spécifiquement pour les soulèvements de la terre, mais d'une manière générale. C'est vrai qu'il y a un raidissement du gouvernement face aux organisations et aux contestations. Selon toi, un gouvernement dans un monde idéal devrait réagir comment face à des associations qui contestent la politique? Parce que on va pas vous mettre d'accord, hein, c'est sûr, mais... Oui, oui. Parce que, bon, tu veux pas discuter avec eux et tu veux dégrader du matériel. Un gouvernement... Enfin, j'essaie de chercher qu'est-ce qu'un gouvernement devrait faire. Bah, ce que je veux dire, c'est que de tout temps, on a toujours été criminalisés, réprimés. Et en fait, là, quand il y a une action de désobéissance civile, c'est très rare qu'il n'y ait pas de procès. Donc en fait, on peut pas dire la dissolution, elle est là pour pallier justement au fait que qu'il y a pas de répression possible, comme je le disais au début. Mais par contre, bon, on va peut-être en parler après avec l'autre invité. C'est intéressant de voir ce qu'a dit l'ONU sur la dissolution des soulèvements de la terre. Le rapporteur spécial sur la liberté associative l'a fait remarquer. La dissolution, normalement, c'est en dernier recours. De base, c'est un processus qui a été créé pour dissoudre des organisations dont le mode d'action, c'était la lutte armée. Notamment voilà, dans les années 70, il y a eu beaucoup de dissolutions, qu'elles soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, parce que c'était des personnes qui prenaient les armes et qui, pour le coup, faisaient vraiment des attentats terroristes. Et là, on voit qu'il y a un glissement en fait, qui fait que des contestations sociales qui sont importantes, selon moi, en démocratie, en fait, se...
sont obligés totalement de se taire ou de s'organiser autrement parce qu'il y a des dissolutions. Je suis d'accord avec toi, effectivement, on en a souvent parlé sur ce plateau, il y a un raidissement aussi des conditions du gouvernement. Quand il utilise le vocable d'éco-terroriste, il ne se limite pas seulement aux mots, il utilise aussi les lois antiterroristes contre des organisations écolos, ce qui du coup pose la question que je pourrais retourner au gouvernement, la même que je t'ai posée, en disant mais pour vous c'est quoi une association qui a le droit de... Enfin, comment est-ce qu'on peut contester votre politique si dès qu'on sort du cadre que vous avez vous-même défini, on est hors la loi ou hors de l'arc républicain, appelle ça comme tu veux. C'est, en fait, il y a le même problème. Il y a exactement le même problème du côté du gouvernement qui ne laisse plus la porte, la TIFA. Oui, mais c'était la crainte au moment du vote de la loi séparatiste. Bah effectivement, ouais. Il y a plein d'associations qui sont antiracistes ou par exemple de lutte contre l'islamophobie qui alertaient là-dessus en disant non, mais ça va être utilisé là pour, dans ce contexte particulier. Et d'ailleurs, c'était très flou même au moment de du vote de la loi séparatisme et du contexte, parce qu'il y a plein de choses que le gouvernement d'éléments qui manquaient en fait sur des lieux de radicalisation, oui ou non, des données chiffrées en fait sur ces questions-là. Et à l'époque, ouais, c'est ça, c'est pas mal d'associations et de militants avaient alerté là-dessus. En prévenant de ce qui allait se passer maintenant, qu'il allait y avoir des associations complètement différentes et que cette loi, et en fait, et même auprès de l'opinion, c'était plus facile de la faire passer en parlant de terrorisme, en parlant de séparatisme islamiste réel ou supposé. Ça, effectivement, d'un point de vue de l'opinion, ça passe mieux. Et la crainte, ouais, c'est que ce soit utilisé. Enfin, il y a plein d'autres associations, structures qui ont été dissoutes et dont on peut se poser la question des raisons aussi. Élise, toi qui es présidente d'Anticor, une association qui a des méthodes très différentes, mais qui elle aussi, du coup, a maille à partir avec le gouvernement actuellement, comment est-ce que tu regardes la situation des soulèvements de la Terre, toi ? Je crois qu'il faut laisser effectivement au monde associatif porter des revendications sociales, sociétales. C'est leur rôle aussi, en fait. Hein. Les associations, elles sont faites pour réunir des personnes qui ont une même vision de la société. Et elles ont une importance énorme en France. C'est pour ça aussi que la liberté d'association est une liberté fondamentale. Donc moi, je suis d'accord que ce glissement vers un empêchement assez généralisé de l'expression des associations, il est hyper inquiétant. Ce que disait de dire, en fait, la dissolution, c'était pour la lutte armée des associations ou des groupements, et aujourd'hui, c'est pour une contestation qui peut passer par la destruction de biens. Mais en fait, quand on détruit un bien, on est responsable, on est assigné en justice et on rend compte. Et généralement, c'est le président de la structure qui rend compte des faits répréhensibles qui peuvent être faits par une association. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va vers une dissolution qui, pour le coup, là, est carrément une opération bâillon. Pour continuer nos échanges, on a proposé à un autre invité de venir nous rejoindre pour éclairer nos échanges. Je vous propose d'accueillir sur ce plateau Thibaut Mullier. Salut Thibaut, merci. Bonjour. Merci de revenir sur le plateau de Backseat, ça fait plaisir de te revoir. Thibaut, tu es juriste constitutionnaliste, tu es maître de conférences en droit public et tu vas essayer de nous aider à comprendre les tenants et les aboutissants en termes de liberté publique des échanges qu'on vient d'avoir sur Anticor et les soulèvements de la Terre. On aborde depuis tout à l'heure, sans trop la nommer, cette liberté, la liberté associative. Mmh. De quoi est-ce qu'on parle ? D'une liberté assez importante, puisque... elle date de la Troisième République et qui permet, eh bien, alors depuis la loi de 1901 sur simple déclaration, eh bien de se regrouper sous une forme juridique et d'obtenir un certain nombre d'attributs qui vont lui permettre, eh bien, d'exister, si je puis dire, juridiquement et pour défendre, eh bien, une cause, des intérêts qui peuvent être particuliers ou qui peuvent poursuivre un intérêt plus général. Bon, et qu'est-ce qui se passe là ces derniers temps ? Pourquoi est-ce qu'on en parle de plus en plus ? Est-ce qu'il y a une volonté politique de ce gouvernement-là en particulier de s'attaquer à ces libertés ? Ou est-ce que c'est nous qui sommes paranoïaques ? Comment tu regardes ça, toi ? Je pense pas que ce soit un caractère qui caractérise l'action du gouvernement. Depuis plusieurs dizaines d'années, on a quand même des lois, de manière générale, qui sont assez restrictives au nom d'une protection de l'ordre ou au nom d'un impératif de sécurité et qui vont consister à limiter les droits et les libertés fondamentaux et donc qui affectent, in fine, la liberté d'association. Et dans ce contexte-là, il faut relativiser, je pense, l'atteinte qu'il y a
de la part de, du gouvernement Macron 1 ou Macron 2, enfin de son premier ou de son second quinquennat, même si la loi séparatisme, et ça a été mais oui, c'est plus ou moins dit, voilà, elle est quand même, rien que le nom déjà, est assez intéressant, confortant les principes républicains, bon, qu'il ait défini le législateur, pourquoi pas, mais c'est, on peut en discuter, mais le fait de pouvoir, par exemple, dissoudre administrativement une association qui commettrait ou qui inciterait ou qui serait le relais de discours violents, mais sur des biens, c'est quand même quelque chose de particulièrement intéressant. Et on a un c'est tellement universitaire. Intéressant, et on a un conseil constitutionnel qui, bon, censure certaines dispositions, mais qui ne joue pas un rôle de filtre très satisfaisant, manifestement. Enfin, il l'a montré, hein. Il ne faut jamais rien attendre de cette institution. Et... Tu étais déjà venu redire la même chose la dernière fois, et c'est marrant. Hein. C'est... Non, mais on va continuer à le dire. Thibaut, ça veut dire quoi, une dissolution, d'un point de vue juridique? Qu'est-ce que... On a parlé des soulèvements de la Terre, qui est une organisation, association de fait, d'après groupement le gouvernement, de groupement de fait, pardon. Pas de structure juridique. Ça implique quoi, une dissolution? Bah, une dissolution administrative d'une association, c'est pour être un peu réducteur, mais c'est simplement ne plus la faire exister avec ses statuts juridiques et les conséquences qu'il y a derrière, c'est-à-dire ce qu'on appellerait sa personnalité juridique et donc sa capacité eh bien, à avoir un compte bancaire, mais aussi à ester en justice, à accéder à un juge, pardon, pour c'est une disparition pure et simple. Il y a quelqu'un dans le chat qui pose la question pour toi, Élise. Est-ce qu'il existe d'autres associations qu'Anticorps qui ont cet agrément? Oui, absolument. Il y en a deux autres. Il en faudrait 50. je ne les connais pas du tout. Alors, il y en a une qui s'appelle Sherpa, okay. Qui est une association qui, elle, a l'agrément anticorruption, mais finalement, travaille énormément, beaucoup plus sur la responsabilité sociale des entreprises. C'est-à-dire qu'elle va attaquer la Farge pour les conditions de travail des travailleurs au Moyen-Orient, par exemple. Donc elle fait des actions hyper importantes, mais elle cible pas tellement la corruption ces dernières années. Et il y a Transparency International France, qui pour le coup est un réseau international d'associations, qui est finalement plus focalisé sur le plaidoyer. C'est-à-dire qu'eux, ils ont, je crois, moins de 10 procédures en cours, là où nous, on en a 159. Donc, moi, je parlais des 80% d'action, 80% de notre activité qui est sur le judiciaire. À Transparency, ils mettent beaucoup plus d'énergie sur le plaidoyer, donc à essayer de changer la loi, ce qui est aussi très important. Est-ce qu'une association dissoute a le droit de se reformer sous un autre nom? Il y a quelqu'un dans le chat qui prononçait les soulèvements de l'alter. Ou comme non. Ça avait été fait avec le CCIF, qui est devenu le CCIE en Europe et qui est maintenant basé en Belgique, je crois, ouais. Mais qui continue d'opérer sur des sujets qui concernent la France. Donc, je ne sais pas si il y a quelque chose peut-être de... Thibault, monsieur le juriste. À ma connaissance, la dissolution administrative n'empêcherait pas en soi une reconstitution sous un autre nom, avec un objet qui pourrait être proche. La difficulté, c'est que encore faut-il que l'association qui se reconstituerait soit considérée comme licite. Alors, a posteriori, hein, parce qu'une association... Oui, parce que tu peux tomber dans le délit dont parlait tout à l'heure Léna, reconstitution de Ligue dissoute. Voilà. Ça ne peut pas être les mêmes dirigeants. Ça ne peut pas être les mêmes dirigeants. Oui, oui. Mais au demeurant, d'ailleurs... sur le nom, l'objet peut revivre d'une autre façon. Même si là, c'est un groupement de faits qui n'a rien décrit, en fait. Ils peuvent juste se constituer en assaut loi 1901. Oui, mais le groupement de faits, alors c'est dans la jurisprudence de la Cour de cassation, sauf erreur, mais c'est un groupement donc, mais qui n'a pas de personnalité juridique, mais où on peut considérer comme tel. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, okay. Sauf erreur, que les deux sont envisagés, association et groupement de faits. Il y a des gens qui font remarquer assez justement dans le chat que Génération Identitaire, une autre organisation qui avait été dissoute par le gouvernement, n'a pas eu de difficulté à se reformer ou à continuer ses actions via le biais d'autres véhicules associatifs, organisationnels, divers et variés. D'où ma question, ça sert à quoi? Est-ce que c'est efficace, la dissolution d'une organisation, pour lutter contre des phénomènes? Parce que la dissolution des soulèvements de la Terre, à part avoir fait connaître à tous les Français ce que c'est que les soulèvements de la Terre, parce que franchement, à part les écolos, personne ne connaissait... est-ce que ça va empêcher les écolos de se mobiliser? Franchement pas, voire même au contraire, ça aura foutu de l'adrénaline dans les cœurs des militants.
je sais pas, à part donner des gages à un électorat qui est content, genre oui, c'est bien, le gouvernement agit, c'est important, j'ai vraiment pas l'impression que politiquement, il y a une... Je sais pas, j'ai... Ça ouvre la voie à d'autres poursuites pénales, en fait. C'est ça le gros problème. Moi, je fais partie des personnes qui sont très identifiées dans ce mouvement. Et je me demande, en fait, à quel point le fait de me retrouver avec des personnes avec qui j'avais l'habitude de militer dans les soulèvements de la Terre, dans des actions, bon, typiquement, voilà, on fait un convoi de l'eau en tracteur et à vélo de Sainte-Soline à Paris cet été. Est-ce qu'on va nous dire que c'est reconstitution de Ligue dissoute parce qu'on retrouve des personnes qu'ils ont observées dans les soulèvements de la Terre et que c'est les mêmes objets? Enfin, je... Ah oui, d'accord. Mais du coup, t'as peur pour toi, juridiquement, Léna? T'en as parlé à des avocats, ça, de ouais, est-ce que je risque, est-ce que j'ai le droit d'aller... On a des bons avocats, mais c'est vrai qu'on est dans le flou parce qu'en fait, c'est une situation totalement inédite de dissoudre un mouvement dans lequel 150 000 personnes se reconnaissent. On rigolait un peu en disant, mais est-ce que Annie Ernaux, qui a dit qu'elle faisait partie des soulèvements de la Terre, et Alain Damasio, s'ils prennent un café ensemble et qu'ils montent une petite action de désobéissance civile, est-ce que c'est une reconstitution de Ligue dissoute? Mais ce qui est sûr, c'est que ça va accentuer d'autant plus le fait qu'on va être mis sous écoute, tout le processus répressif en fait, auquel sont de plus en plus confrontés les militants écologistes, même si en effet, on l'a rappelé, ça ne date pas d'hier, tout ça, ça a concerné d'autres organisations avant, et les militants écolos, depuis la COP21, quand même, avec le tournant de les lois antiterroristes suite aux attentats, ont fait qu'il y a eu quand même de nombreuses perquisitions, arrestations totalement arbitraires, etc. Donc, mais c'est sûr qu'on va être de plus en plus surveillés et que c'est intéressant ce qui est en train de se passer aussi. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le fait qu'il y a plein de mises sous écoute ces derniers temps qui ont été contestées par, j'ai oublié son nom, désolé, mais la personne qui est normalement chargée au sein de l'administration de... Défenseur des droits, c'est pas ça? C'est pas le défenseur des droits. C'est... Elle est venue en interne. Oui, lanceur d'alerte. De l'administration qui doit valider les écoutes, parce que les écoutes, elles sont très réglementées. Donc c'est quelqu'un dans l'administration. Qui a dit, je ne savais pas du tout, non, ça je n'avais pas suivi. Donc en tout cas, oui, donc ça participe ça de ce climat. Mais d'ailleurs, ce climat, donc on en parle, et c'est un peu pour ça qu'on voulait faire ce plateau ce soir. Il y a la situation de la dissolution des soulèvements de la Terre, il y a l'association Anticor qui a des problématiques avec le gouvernement sur le renouvellement ou non d'un agrément, il y a l'affaire Nahuel avec des marches blanches qui sont organisées sous un truc très spontané, là pour le coup, avec là aussi une criminalisation de la part du gouvernement sur ces organisations-là de marches blanches. Est-ce que c'est spécifique à la France, ce qu'on est en train de vivre? Est-ce que c'est un recul historique? Est-ce que tu peux nous donner un peu de prise de distance, Thibault? De manière générale, le fait qu'il y ait des dérives autoritaires dans ce qu'on appellerait les démocraties libérales, ou en tout cas des législations autoritaires ou des pratiques autoritaires du pouvoir, n'est pas propre à la France. Quand on voit les législations antiterroristes, il n'y a pas qu'en France où il y a eu des adoptions et ce genre de choses. Ce qui me paraît pas propre à la France, mais je travaille trop sur le cas français, donc j'ai un biais, mais c'est que le système politique va, dans une certaine mesure, garantir une certaine aggravation de la dérive autoritaire. On l'avait vu pendant... la crise de la Covid-19, il y avait eu un article d'une politiste, Brigitte Gaïti, qui montrait qu'au niveau de l'Union européenne, il y avait eu une sorte de raidissement au profit de l'exécutif, de la pratique du pouvoir. Mais que pour ce qui était du cas français, eh bien, ce raidissement était un peu plus forcé ou un peu plus important, si je puis dire, du fait d'un système politique qui le permet. Ou en tout cas qui laisse la main à un décideur qui est irresponsable constitutionnellement et décide de beaucoup de choses qu'il ne devrait pas décider, le président de la République. Mais de fait, la dérive autoritaire, la pratique autoritaire du pouvoir dans les démocraties libérales n'est pas propre au cas français. Alors on utilise souvent le terme de démocratie libérale qui serait une forme de démocratie où... la forme démocratique serait respectée, c'est-à-dire un principe d'élection... Tu parles de démocratie illibérale, je précise. J'ai dit quoi? Parce que tu l'as dit un peu vite, du coup... Illibérale, pardon. Illibérale. Qui consisterait, sur la forme, eh bien, à être
respecter les standards démocratiques, des élections plus ou moins libres, avec un renouvellement des élites politiques à échéance régulière. Mais il y aurait par contre des atteintes plus franches aux droits et libertés, ou une réduction des pouvoirs des juges, des tiers censés être impartials pour contrôler l'application de la loi et des règlements. Et ce genre de notion, bon, qui peut être discutée, qui est discutée dans la littérature, à raison, elle réapparaît souvent dans ce genre de situation. Ce n'est pas anodin quand même dans le discours public. Et même un professeur comme Paul Cassia, qui n'est pas un grand défenseur de la Ve République, certes, mais dans la tribune qu'il fait à la suite de la perte d'agrément d'anticorps, il parle d'une construction illibérale ou quelque chose comme ça. Enfin, il reprend la terminologie selon laquelle, il y a un raidissement du pouvoir et une dérive autoritaire. Et les lois antiterreaux, qui sont ensuite des dispositifs exceptionnels et qui vont être inscrits dans le droit commun, montrent aussi que il y a une acceptation du pouvoir législatif. Mais au-delà de l'aspect aussi juridique, etc., c'est vrai qu'on a un gouvernement ou un président, l'impression qu'il a du mal avec la contradiction, ou même le gouvernement de manière générale, même les organes internes. Parce qu'on voit, par exemple, l'Observatoire de la laïcité, ça leur plaisait pas le travail qui était fourni par des agents de l'État. D'accord, là, on peut rien dire, en fait. C'est une autorité administrative, donc c'est l'État qui décide de cette politique-là. C'est des attaques, en fait, quand on prend un peu de recul, qui s'enchaînent, même pour les déclarations sur la LDH, qui est une association historique. La Ligue des droits de l'homme. Menacée de dissolution par une sortie du ministre de l'Intérieur, je crois. Ce qui est quand même assez incroyable. La LDH, c'est une institution en France. Qu'elle a été menacée, c'était sous Pétain. Voilà. Donc, il y a une dérive claire, même dans les paroles, évidemment, les actes juridiques. Et où on se demande quelle est la finalité, finalement. Est-ce que l'objectif, c'est d'éteindre tout propos, toute action qui serait contraire à la politique mise en place? Si je peux réagir, je crois que le pouvoir a une tendance au tout pouvoir et à l'abus de pouvoir. En fait, la question, c'est l'équilibre entre les pouvoirs et l'existence de contre-pouvoirs. Et en fait, c'est très clair qu'il ne faut pas confier au pouvoir la possibilité d'autoriser ou pas un contre-pouvoir, parce que on a tendance à pas en vouloir de contre-pouvoir quand on en a. Donc les contre-pouvoirs, faut permettre qu'ils existent et il faut les protéger, et il faut surtout pas permettre que dans une démocratie, d'ailleurs ce serait la fin d'une démocratie, qu'on criminalise l'exercice de liberté fondamentale, parce que si on n'a pas de liberté fondamentale, on n'est plus dans une démocratie. Et c'est vrai qu'on a énormément de signaux qu'on perçoit beaucoup plus ces derniers jours, parce que ça s'intensifie, mais ça fait longtemps. Et la loi séparatisme, avec la création du contrat d'engagement républicain, était déjà un signal d'alerte énorme, puisque cette loi-là, elle demande aux associations qui ont des subventions, ce qui n'est pas le cas d'Anticorps, mais qui ont un agrément prévu par la loi, ce qui est notre cas pour le coup, de signer un contrat d'engagement républicain qui, grosso modo, dit que les associations doivent respecter l'ordre public. C'est pas nouveau, tout le monde doit respecter l'ordre public en France. Le problème, c'est que l'ordre public, il faut 12 heures de cours de droit pour le définir, et encore. C'est-à-dire même que, le Conseil d'État n'est pas trop sûr. Il y réfléchit. C'est une notion tellement vague, et ça veut dire qu'il va y avoir des actions, il y en a déjà eu, puisqu'il y a des actions contre Alternatiba aussi, qu'on n'a pas citées, je crois. Oui. Sur la base du non-respect de l'ordre public, et que Alternatiba est en train de se défendre devant le tribunal administratif, et que ces procès-là, ils vont durer des années. Donc en fait, pendant des années, les associations vont devoir se défendre de leur action, de leur identité devant les tribunaux administratifs, et entre-temps, elles seront en partie entravées dans leurs actions. Et ça, ne serait-ce que ça, c'est grave. C'est un vrai sujet. Non, parce que tout on parlait de la criminalisation, qui est au-delà de l'aspect juridique, mais une mécanique éternelle, finalement, de ces rapports de force, que ce soit dans l'histoire de violence policière ou de mouvements écologiques, etc., c'est de directement inverser la violence et de dire qu'elle se trouve finalement toujours de l'autre côté, et jamais du côté de ceux qui ont le pouvoir. Or, plus on a de pouvoir, plus on peut faire des choses positives, mais plus aussi on peut être nuisible de manière générale pour les libertés. Et puis, Thibault. Non, mais aussi, je souscris, mais en plus de ça, le problème, désolé, je tourne autour de ces institutions, mais quand on a des autorités juridictionnelles de contrôle, comme le Conseil d'État,
Je vise plus le Conseil d'État que les tribunaux administratifs et cours administratifs d'appel, mais elles sont quand même irradiées par la jurisprudence du Conseil d'État. Ou le Conseil constitutionnel, dans leur composition, dans leurs habitus, dans leur trajectoire de formation, et qui sont en charge de mettre en balance, ce qui est propre à toute démocratie libérale, de mettre en balance un impératif, là, le maintien de l'ordre public, et une possibilité d'une limitation d'un droit ou d'une liberté fondamentale. Jean-Denis Combrexel parlait, je me rappelle, pendant la période Covid de 2020, de le Conseil d'État est sur une ligne de crête. Ouais. La ligne de crête, elle penche souvent quand même au profit de l'exécutif. C'est pas systématique. La décision d'aujourd'hui sur le port du voile dans les compétitions sportives footballistiques, montre quand même qu'il statue non pas sur le principe de neutralité du service public, mais sur le bon fonctionnement du service public. Bon, juridiquement, ça se tient, mais la justification est quand même curieuse. Ah non, c'est étrange, un rapporteur public qui est favorable à l'interdiction, favorable à l'annulation justement de l'interdiction du port du voile, un ministre de l'Intérieur qui dit qu'en fait, non, lui, il n'est pas très d'accord avec et puis un rapporteur public qui a une réputation de bien travailler, savoir ce qu'il raconte quand même, un minimum. Et hop, quelques jours après, en plus très rapidement, je ne m'attendais pas à ce que ça tombe aujourd'hui, on a cette confirmation d'interdiction. Je ne m'attendais pas à ce qu'on pose la question du Conseil d'État dans cette émission, mais c'est bien, un jour, il va falloir qu'on l'aborde, cette question, très sérieusement, dans le débat public, le Conseil d'État, est-ce qu'on peut en parler, est-ce qu'on peut commencer à discuter deux minutes. Et effectivement, tu l'as dit, Thibault. Est-ce qu'on peut le dissoudre il va peut-être falloir le réformer, ce merdier aussi, un jour. Mais non, enfin, ça fait partie des sujets. Et merci d'avoir fait le lien avec les institutions, parce que parfois, j'ai l'impression de pisser dans un violon quand j'en parle. Ça fait plaisir. Indépendamment de ça, on arrive dans les dernières minutes. Quel conseil, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui nous écoutent, qui ont probablement appris énormément de choses de par nos échanges, parce qu'ils connaissaient encore, il y a une heure, assez mal Anticor, les soulèvements de la Terre, ce fonctionnement des libertés publiques. Est-ce qu'il faut continuer à rejoindre des assos? Est-ce qu'il faut continuer à se mobiliser? Est-ce qu'on a raison d'avoir peur? Là, il y a l'état d'urgence qui est réclamé par la droite dans le cadre des violences urbaines depuis 48 heures. Quel message est-ce que vous auriez tous envie d'envoyer aux gens, notamment aux jeunes qui nous regardent? On commence avec toi, Élise. Oui, moi je dirais que la démocratie n'est jamais acquise. Il faut arrêter de le croire, il faut s'intéresser à ces sujets. Et quand on a un gouvernement qui est inquiétant par son action, même si on n'est pas un fanatique de politique, il faut se réintéresser à ça parce que finalement, c'est les citoyens qui pèsent le plus. Et il faut se réunir et s'organiser pour peser et récupérer un pouvoir citoyen qui finalement nous a été un petit peu confisqué. Si vous voulez adhérer à Anticor, vous êtes les bienvenus. S'il y a des gens de droite qui veulent adhérer, je vous confirme que vous êtes les bienvenus. Vous ne serez pas seuls. Franchement, avec un immense plaisir, c'est vraiment pas le sujet pour nous. Et défendre et peut-être s'intéresser à ce que c'est que les libertés fondamentales, toutes, parce qu'on en a beaucoup. Et puis les défendre, les faire vivre, les exercer. C'est normalement comme ça qu'on vit dans une démocratie. Merci beaucoup, Élise. Léna. On a demandé avant si on se mettait dans la merde, nous, Brexit, en invitant une organisation dissoute. Et après, Yuri, non. Non, tu l'as dit aussi toi-même. Tout va bien. Non, on a le droit de se défendre suite à la dissolution. S'il y a un message, c'est que je sais, et puis j'en ai fait partie, on se sent tous un peu écrasés par ce qui se passe au niveau du dérèglement climatique. Mais en vrai, la violence qu'on constate tous les jours, je pense notamment à ce qui s'est passé il y a deux jours avec l'assassinat de Naël. Il est toujours très... qui est assez sidérant pour beaucoup de personnes, mais en fait, quand on est un peu submergé par toutes ces émotions négatives, ce qui est important, c'est de s'engager, c'est de faire collectif, et c'est de rejoindre des collectifs qui se battent pour la justice sociale et écologique. Les soulèvements de la Terre, c'est plus possible officiellement de nous rejoindre, mais il y a plein d'organisations... Vous avez le droit de garder vos réseaux sociaux, d'ailleurs, On a le droit de les utiliser uniquement concernant la procédure. On ne peut pas dire « Allez à cette action, c'est super ». D'accord. Oui, c'est pour ça que je me suis demandé, j'ai vu votre compte Twitter qui était toujours actif, je me suis posé la question. Ouais, on l'avait suspendu, on avait hyper peur. Oui, nos avocats nous ont dit « Mais non, en fait, communiquez sur les rassemblements de soutien, vous avez totalement le droit de le faire ». Puis il y a toujours ce qu'on a le droit de faire et ce que le pouvoir se sent encore de mettre en place comme répression, en sachant qu'on est quand même très soutenu et que ça a choqué énormément de gens. Mais voilà, il y a plein d'organisations écologistes et de manières de militer. Il n'y a pas que la désobéissance civile.
Et du coup, voilà, j'encourage tout le monde à rejoindre la lutte. Latifa, toi ? Oui, évidemment, c'est important à tous les égards. Déjà, on a évidemment parlé de menaces liberté publique, mais le tissu associatif en France, il a largement diminué ces dernières années pour suite à plein de décisions politiques, enfin des emplois aidés, plein de mesures de politique publique qui ont été complètement pas du tout à la hauteur. Donc c'est possible de faire plein de choses. Évidemment, c'est possible de s'engager, de se renseigner, etc. Cet après-midi, j'étais à Nanterre justement pour la marche blanche par rapport à la mort de Naël. Et il y avait plein de gens, il y avait plein de jeunes, moins jeunes, etc. qui se demandaient qu'est-ce qu'ils pouvaient faire et comment on pouvait agir. Il y a des actions qui sont possibles. Il y a plein de collectifs et d'associations qui existent suivant les causes qui vous tiennent à cœur. En fait, on peut pas être sur tous les fronts, évidemment, mais il y a plein de choses qui existent. Mobilisons-nous. Les réseaux sociaux sont une magnifique mine d'informations et de possibilités de se mobiliser sur plein de questions. Et voilà. On voit les images de la marche blanche cet après-midi à Nanterre. Pourquoi il y a écrit Chloé Ridel en bas à gauche? Ah, c'est elle qui a envoyé les images. C'est peut-être pour ça. Non, mais il y avait vraiment beaucoup de monde. C'est les images de Chloé. Merci Latifa. Thibaut. Alors, moi, je souscris à ce qui a été dit, mais je vais me permettre quelque chose. Il y a aussi, pour celles et ceux qui veulent faire des études, eh bien, rejoindre les facultés de droit, l'université publique. Alors, elle est sous-investie et c'est de pire en pire, mais elle est composée de brillants collègues qui formeront à la maîtrise de certaines connaissances juridiques qui ne seront pas inutiles. Et puis aussi, je pense, en tant que citoyen, jamais oublier un auteur, Montesquieu, qui est classique, hein, mais qui disait peu ou prou tout homme ou femme, d'ailleurs, qui a du pouvoir et disposé à en abuser. Et donc, il faut toujours se méfier, notamment dans une Ve République très hypercratique, avec un trop de pouvoir permanent dans les mains de l'exécutif. Eh bien, il faut toujours se méfier et être vigilant. Absolument. Faites du droit. Vous finirez peut-être sur Twitch. Mais en vrai, faites-en, c'est chouette. Merci à vous quatre. C'est la fin de ce Before the Backseat, chers amis. On se met en générique. On se retrouve juste après. Bonsoir le chat, bonsoir si vous nous regardez sur Twitch, bonsoir à vous si vous nous regardez en replay sur YouTube, bonsoir aussi si vous nous écoutez en podcast. Très heureux de vous retrouver pour cette émission Backseat, une émission très particulière puisque c'est la dernière de la saison, de cette deuxième saison de Backseat, une émission spéciale du coup. Après ce Before, on a décidé qu'on allait discuter avec les chroniqueurs et les chroniqueuses que je vais présenter dans un instant, de l'actualité de l'année carrément, pour discuter, de faire un petit peu un bilan politique de cette année avant les vacances d'été. Avant ça, je tiens à vous rappeler, chers amis, que nous sommes dans la dernière ligne droite du financement participatif de l'émission. Il ne reste que 9000 euros à récolter en financement participatif pour qu'on arrive enfin à rentrer dans notre budget, pour boucler le budget, pour pas être en déficit. Plus que 9000 euros, vous pouvez y arriver, on peut le faire au cours de cette émission. Je vous rappelle qu'à la fin de cette émission, pendant le quiz à la con, il y aura un tirage au sort qui sera réalisé parmi les donateurs de Backseat, qui vous permettra de remporter un t-shirt Backseat dédicacé par l'ensemble des chroniqueurs et des chroniqueuses. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me les apporter en plateau, s'il vous plaît, les t-shirts? Il y a quelqu'un du côté de la région? Je peux y aller. Non, mais il y a Laurent arrive, qui est en train de courir. Il va nous apporter les t-shirts. Non, parce que du coup, vous allez signer pendant l'émission. Hein, parce qu'on s'est dit que voilà, vous alliez bosser au moins pour une fois. On a 10 t-shirts à signer, du coup. 10 t-shirts à signer. Ouais, si vous avez un marqueur ou un truc qui y ressemble. Non, mais il faut justifier les salaires, t'as raison. Ouais, non, là, c'est un problème. Ça va, toi, la grève? On va en reparler. Donc du coup, voilà, ces t-shirts-là, ils vont être dédicacés par tous les chroniqueurs et vous allez le recevoir chez vous. Ce sera un tirage au sort qui sera effectué parmi les donateurs et les donatrices de Kiss Kiss Bang Bang. Donc allez-y, faites un don. Si ce n'est pas encore le cas, faites un don. Et j'en profite pour vous inciter à faire un don régulier. C'est ce qu'il y a de mieux pour financer Backseat parce que ça nous permet d'avoir de la prévisibilité sur le budget et par exemple de préparer une saison 3 dans de bonnes conditions, par exemple. Donc voilà, je suis autour de la table avec que des belles personnes. On est avec Malek. Salut Malek. Salut Jean. Comment salut tu vas? Salut tout le monde. Malek. Ça va très bien. T'as galéré à arriver? Problème J'ai de transport galéré. En commun? Ouais. Tu peux expliquer pourquoi pour les non-parisiens qui nous écoutent? Pour le banlieusard que je suis, en ce moment les transports c'est compliqué avec les révoltes urbaines là qu'on voit depuis deux jours. Et j'ai clairement mis 2h30 pour venir. Mais tout va bien. Ouais. J'ai un truc à proposer au chat.
On arrive à notre petite boucle du financement participatif. Tu proposes quoi ? Je me propose de faire une petite contrepartie, hein, c'est cadeau. Je me propose d'écrire une petite lettre d'amour à Aurore Berger. Ah oui ! Ça me coûte, mais je suis prêt à le faire pour le chat. Oh, wow. Donc voilà, je compte sur vous. Ok. C'est engagé. Hein. Eh ben, écoute, c'est engagé de ta part. Mais donc, si on arrive à 9000 euros à boucler notre financement participatif de la saison à la fin de cet épisode, à la fin de cette émission, Malek écrira une lettre d'amour à Aurore Berger. Malek, ce délégué. Sera posté sur Twitter et sur Instagram. Ouais. Tu es conseiller en communication politique et chroniqueur d'actualité, notamment sur Backseat. Exact. Très heureux de t'accueillir pour cette dernière émission de l'année. On est aussi avec Sacha. Salut Sacha. Salut Jean. Sacha, tu es journaliste au JDD. Absolument. Comment ça va? C'est la grève. Bah, c'est la grève, ouais. Je précise qu'il y avait une soirée, un meeting de soutien aux journalistes en grève du JDD qui était organisé il y a deux jours. Que tu as accepté d'animer sur ta proposition, dans ta grande bonté, ouais. Oui, non, j'étais très content de l'animer. C'était, sache-le, Sacha, très émouvant de te voir avec tous tes collègues de la rédaction du JDD sur scène dans ce moment de solidarité, parce qu'il y avait beaucoup de monde, hein, plus de 1000 personnes qui étaient là. Vous étiez très nombreux aussi sur Twitch à suivre ce meeting de soutien aux journalistes du JDD et pour l'indépendance des médias. Donc ouais, en ce moment, j'imagine que ça ne doit pas être facile. Non, je découvre la grève du coup et je découvre à quel point la grève est épuisante. Ouais, c'est fatigant, je ne le savais pas. Je pense qu'on bosse plus maintenant que... Rigole pas. Ça te fait marrer, Usul. Toute l'année, c'est la grève, c'est des branleurs. Non, c'est pas vrai. Ah, non, j'ai jamais dit ça. La grève. Jamais. Non, j'ai jamais dit ça. Je réfute complètement. Mais voilà, du coup, on découvre les AG, on découvre les décisions qu'on prend tous ensemble, les commissions, les sous-commissions, les 55 conversations WhatsApp, etc. Non, c'est... En fait, ce qui est bien, c'est de voir qu'on a tous le même objectif. Et en fait, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais juste qu'on aime ou pas le JDD, je pense qu'on est dans un combat qui est un peu plus haut que le nôtre et un peu plus avec, prenons un peu plus de recul sur nos emplois. Enfin, je pense qu'on fait pas grève pour sauver nos emplois. Je pense qu'on fait grève pour l'indépendance de la presse. Pour la France même. Et pour la démocratie, pour la liberté de la presse. Oui, non, mais tu... Non, voilà. Donc, du coup, donnez à Backseat. Mais si vous pouviez donner aussi à la caisse de grève, c'est super cool. Parce que, voilà, il faut que nous riscotte tous les mois. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, le journal du dimanche est actuellement... En tout cas, la rédaction du journal du dimanche est actuellement en grève suite à l'annonce de la nomination par Arnaud Lagardère, l'actionnaire principal, de Geoffroy Lejeune à la tête du journal. Geoffroy Lejeune, une personnalité médiatique d'extrême droite qui, jusque-là, dirigeait l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles. Condamné pour incitation à la haine, etc., qui a fait ce fameux dossier avec des dessins de Daniel Obono en esclave, etc. Voilà, on est sur... Juste, si tu veux pas te prendre un procès pour diffamation, c'est la rédaction, enfin c'est Valeurs Actuelles qui a été condamnée sous la direction de Geoffroy Lejeune, mais Geoffroy Lejeune a été relaxé. Très bien. Voilà, non, c'est pour t'éviter un procès. Oh bah oui, je peux éviter les procès, c'est pas plus mal. Ouais. Tu fais bien. Donc voilà, on est aussi avec toi, Usul, du coup. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va, moi j'ai signé la pétition pour le JDD aussi, parce que bon, un journal de plus dans les mains de l'extrême droite, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? C'était pas, voilà, le JDD, pour les gens qui connaissent pas, c'était un journal, qui est plutôt identifié comme très proche du pouvoir. Quand le pouvoir était aux sarkozystes, il était très proche des sarkozystes. Quand le pouvoir était à Macron, il était très proche de la Macronie. Hollande, je parlais de Sarko, moi, vraiment. Ah, pardon, non. Ouais. Et du coup, il n'a pas été proche d'Hollande. Un peu moins, mais c'est plus de droite, quoi. Mais le truc, c'est que... Non, mais je me dis, tu t'imaginais, il y a une semaine, que tu allais signer une pétition pour soutenir le JDD un jour dans ta... Non, mais la pétition, ça va, tu vois. Mais j'ai lu le texte, j'ai fait oui, c'est vrai. Ouais, non, c'est chaud, quand même. Voilà, ouais. Et puis, j'étais pas le seul, il y avait la SDJ de Mediapart. Enfin, il y a plein de personnalités de gauche. Il y avait Claire, il y avait Antoine, il y a eu Léa, il y a eu Lionel Jospin. Il y a eu Lionel Jospin. Il y a eu Bernard Cazeneuve et on a eu des nouvelles de Jean-Marc Ayrault aussi. Donc Jean-Marc Ayrault est toujours vivant. Ah, putain, c'est bien. Il a signé. Il signe des pétitions. Est-ce qu'il y avait Juliette Binoche qui a signé la pétition?
Que normalement, oui, hein. Elle signe toutes les pétitions, enfin, Juliette Binoche. Il me semble que oui. Je crois que c'est que dans l'Obs qu'elle signe. Bon, à vérifier. Bon, ouais. En tout cas, oui, plus de 400 personnes qui ont signé cette pétition. Donc, Usul, toi, la dernière, d'ouvrir les guillemets, ta chronique pour Mediapart, c'est la semaine prochaine qu'elle ça sort. Ça sort lundi, absolument. Ce sera la dernière de cette. Voilà, on en avait parlé déjà la semaine dernière sur le plateau de Blacksit. On fait, alors, on va faire de la. Plutôt que de faire un bilan, on a déjà fait un bilan l'année dernière. Des 5 ans là, donc comment Macron c'est chaud et tout là, tu vois, bon je pense tout le monde est au courant, donc on va on fait plutôt de la prospective en utilisant l'IA et des NFT. Je lui ai dit mets-moi des NFT dedans là. Il me dit mais tu sais bien ce que c'est que les NFT, je m'en branle, tu mets des NFT du Web 3 là, c'est ça le futur, c'est, oui. C'est le turfu, c'est l'avenir, donc c'est voilà un épisode plein de NFT et de Bitcoin. Et ben on a hâte de le voir, donc ça sortira lundi, ce sera le dernier épisode d'OLG sur la chaîne YouTube de Mediapart. Oui. On est aussi avec toi Latifa, oui. Donc on te retrouve, Latifa t'étais avec moi pendant ce Before. Tout à fait. Toujours directrice de l'association Le Mouvement et ancienne du Bondi Blog. Tout à fait. Ça va toi? Ouais, ça va super. Ton actu, donc tu nous as dit tout à l'heure, tu étais à la marche blanche à Nanterre. Oui, j'en veux. À la mémoire de Naël. J'en venais. Ouais, effectivement. Donc j'ai passé l'après-midi là-bas. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Il y avait du monde? Ouais, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et puis surtout que ça fait bizarre de voir ces lieux-là investis par des manifestations et par ces drames-là, même quand on sait ce qui se passe. Parce que j'ai. Habité longtemps en fait dans le quartier Pablo Picasso, etc. Donc c'est un endroit que je connais bien. Et ouais, c'est un peu la première fois que ça arrive aussi, ça, de se dire ah bah c'est ouais tous ces lieux qu'on connaît avec autant de personnes forcément tristes qui demandent juste justice. Et c'est quelque chose d'extrêmement violent. Donc effectivement, il y avait Monia, la mère de Naël, et c'est tellement en fait dur de se dire qu'une personne qui a perdu son fils il y a moins de 3 jours et qui est obligée de manifester en fait. Obligé dans cette période de deuil, en fait, pour s'assurer que la justice soit faite, parce que, voilà, le contexte étant ce qu'il est concernant les violences policières, mais la violence que ça représente de ne même pas pouvoir faire son deuil dans des conditions normales, en fait, et de pouvoir se dire « je fais confiance à la justice de mon pays » et qu'on soit obligé de descendre dans la rue pour s'assurer, autant en soutien pour la famille, mais aussi pour s'assurer que... et montrer à l'État que en fait on est là, il y a des gens qui réclament que la justice passe comme elle passe pour n'importe qui. Et je précise pour les non-parisiens que donc Nanterre, lieu où a eu lieu le drame donc de la mort de Naël, le meurtre de Naël par un policier, c'est une ville d'un quartier, enfin d'un coin populaire de l'ouest de Paris, derrière le quartier de la Défense. Ouais. Et donc c'est là où tu as grandi, ça je savais pas. Non, j'ai pas grandi là-bas, non. Mais j'y habitais. Mais tu habitais le quartier Pablo Picasso. Très, ouais. Ok, d'accord. D'accord. Bon, les amis, c'est une émission spéciale de Backseat ce soir. On a décidé qu'on peut parler de ce qu'on veut, hein, comme d'habitude sur Backseat, mais qu'on a décidé d'aller prendre un petit peu de recul, vu que c'est la dernière de la saison. On s'est dit qu'on n'allait pas tant parler de l'actualité de la semaine que de l'actualité de l'année. Donc c'est parti pour l'actualité de l'année. Alors, si on prend un petit peu de recul sur cette année 2023, depuis janvier dernier, depuis qu'a repris la saison 2 de Backseat, il s'en est passé des choses. On en a vécu des moments assez impressionnants. Les 3 premiers mois ont été quasi intégralement consacrés à la réforme des retraites et aux mobilisations du mouvement social opposé à cette réforme, avec moult péripéties d'union et de désunion syndicale et politique, de cheminement chelou d'un point de vue de la procédure parlementaire. Ça nous aura quand même pas mal occupé. Et puis ensuite, il y a eu les 100 jours d'Emmanuel Macron qui a voulu tourner la page. Pendant tout ce temps-là, en toile de fond, il y avait la guerre en Ukraine. Il s'est passé quand même énormément de choses. On vous a demandé, pour préparer cette émission, chacune et chacun, de nous dire quel a été l'événement ou le fait d'actualité qui vous a le plus marqué cette année et dont vous vouliez parler à l'occasion de cette dernière émission de la saison. Qui est-ce qui veut commencer? Usul, si tu veux. Tu voulais parler des méga-bassines, c'est ça? Je voulais parler de l'eau en général. Je me suis dit, je vais prendre un contre-pied parce qu'évidemment, j'ai parlé des retraites toute l'année. J'ai parlé de... Enfin, voilà. Mais parler de l'eau, pourquoi? Parce que, alors, il y a Sainte-Soline, en effet, mais Macron avait parlé de fin de l'abondance. Mais oui. Qu'est-ce que ça veut dire la fin de l'abondance? Ça donne les méga-bassines. Donc les méga-bassines, c'est une réponse qui a été soufflée par les agriculteurs qui ont besoin de privatiser l'eau pour leur récolte. D'ailleurs, la FNSEA, qui est le syndicat des exploitants agricoles, n'est pas étrangère à la dissolution des soulèvements de la terre. On en a parlé la semaine dernière.
Mais en gros, on rentre dans un moment de pénurie qui va, à mon avis, durablement changer la société. Là, on est au début de l'été. Oui. Mais cet été, on va avoir encore à nouveau des bleds. Comme l'année dernière, il y en avait déjà quelques dizaines. Vous, je ne sais pas ce qu'on oubliait l'année dernière, on discutait des golfs qui étaient arrosés pendant que les maraîchers, ils avaient des flottes et tout. Ça nous avait amusé aussi pendant un bout de l'été. Amusé là-dessus. Oui, mais je dis on, c'est moi, je faisais partie de ceux qui faisaient des blagounettes, simulateurs, machin, on rigolait, tu vois, en stream, mais... Mais c'est pas drôle. c'est pas drôle, mais en tout cas, ça va agir en effet comme un révélateur sur dans quelle société on est, qu'est-ce qui est prioritaire. Parce que quand on fait croire que, de toute façon, le gâteau, le fameux gâteau qui est toujours plus grand, c'est pas grave si les riches s'enrichissent et peuvent toujours faire plein de trucs, puisque de toute façon, regardez, on a réglé le chômage, ils vont nous dire Macron. Là, on rentre dans un truc où il n'y aura pas plus d'eau chaque année, il va y en avoir de moins en moins. Donc on va regarder les usages d'un petit peu plus près. Et on va, en fait, ce qu'on va regarder, c'est les rapports de force de qui a le droit de faire quoi, qui a le droit de comment. Et en effet, l'année dernière, il y a eu des trucs non seulement des golfs qui continuaient d'arroser, mais parce qu'ils avaient, avec des paysans qui, eux, commençaient à se priver, et puis des bleds entiers donc, dont l'eau courante était coupée. Et les golfs avaient des dérogations. Voilà. Donc, est-ce qu'on est dans une société de classe ? Moi, à mon sens, oui, avec des privilèges de classe, etc. Bah, ça va se voir particulièrement quand il y a des ressources fondamentales qui vont commencer à manquer. Notamment l'eau. Notamment l'eau. Et vous connaissez l'adage, hein, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Elle est connue, celle-là, oui, oui. Elle est connue, celle-là. Yannick Jadot avait répondu, c'est bien le jardinage. Donc, c'était intéressant. D'ailleurs, je vais avoir... Attends, c'était pas sur le plateau de Baxit qu'il a dit ça ? Non, c'était chez Hugo Décrypte, mais bon, tu t'es confondu avec Hugo Décrypte. Bien joué Hugo. C'est des trucs qui peuvent arriver. Oui, même à des gens bien. Voilà. D'ailleurs, cet été, aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts, je vais avoir une discussion avec la tête de liste aux européennes. Normalement, c'est en discussion. On va parler. Qu'il n'y a pas de liste unique. Eh bien, t'as bien vu que c'était mal barré. Oui, j'ai cru. Et on va parler écologie et lutte de classe. Et moi, c'est le moment où ça converge. Moi, ça m'obsède un peu, l'idée de faire converger un petit peu les luttes. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, hier, j'étais à un rassemblement des soulèvements de la Terre et je suis allé leur parler de Naël et des violences policières et de la dissolution du CCIF. En disant, et des perquisitions qu'il y a eu à la suite des attentats de 2015. Hein. Voyez, ça vous intéressait peut-être pas à l'époque, mais voyez qu'aujourd'hui, les questions de liberté publique, là, qui à la base vous concernaient pas, aujourd'hui ça vous concerne maintenant. Donc arrivez à faire les ponts, arrivez à... De toute façon, le gouvernement n'a qu'une trouille. Il y a une note, il y a un article de Mediapart qui vient de sortir sur une note des RG, enfin des renseignements territoriaux, qui parle de ces agitateurs sur Internet, là, donc sont cités... Oui, non, c'est pire que toi. Je me doute. C'est Kylian Mbappé. Ah, des mecs vénères, ouais. La note s'inquiète de gens qui sont populaires dans les quartiers sensibles, etc. Et Omar Sy, tiens, on voit qu'il y a un prisme un peu, voilà. comme quoi ils ont peur qu'il y ait une convergence des luttes. Et là, ils citent des influenceurs islamistes, des trucs comme ça. C'est-à-dire genre Siham Asbagh, qui juste est une journaliste qui travaille sur les violences policières depuis des années, mais qui là, du coup, est repeinte en influenceuse islamiste. D'accord. Donc, la convergence des luttes, ça se construit. Ça se construit en écoutant les luttes des uns et les luttes des autres. Lisant les rapports des RG. En lisant les rapports des RG. Et moi, c'est vrai que j'ai envie de parler... j'avais envie de parler de l'eau. C'est intéressant. On fait des liens aussi, et moi, ce n'est pas ma formation première que de venir parler d'écologie, mais je pense que ça va être crucial dans les années à venir et que l'été, là, il va être horrible. Qu'est-ce qu'on en fait de ça politiquement ? Comment on politise ces questions ? Comment on fait des liens ? Voilà. Merci, Usul. J'avais une question. On signe devant ou derrière ? Parce que devant ? Le chat, vu que c'est vous qui allez le gagner, vous voulez que les autographes soient devant ou derrière ? Parce que derrière, il n'y a rien, c'est juste blanc. Non, donc, si l'idée, c'est de ne pas le porter, parce que qui a envie de porter un t-shirt avec des signatures dégueulasses partout ? Personne. C'est l'encadrer, va le mettre quelque part. Derrière, mais derrière, il n'y a pas de logo. Ça veut rien. Alors pour les maillots de foot, devant. Mais c'est derrière, normalement. Plus portable, non ? C'est pas plus portable dans le dos ? Vous savez quoi ? Est-ce que les modos, vous pouvez faire un sondage dans le... Faites un sondage. Moi, je fais rien. Faites un sondage. Non, mais nous, on obéit à la populace. Moi, je ne touche pas tant que. Vous nous disiez et on fait. Et je serai aussi aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts. Moi, je ne sais plus de quoi j'ai parlé. Ils m'ont foutu sur. Ils t'ont mis sur la soirée NUPES. Yes. Moi sur la plénière, avec des gens de la NUPES. Bah écoute, j'ai mes sources. Pourquoi ils m'ont mis là-dessus ? J'en sais rien, moi. Je parlerai des jeunes et d'Internet, parce que de toute façon, je parle que ça. Donc voilà. Ok, d'accord. L'histoire, il y a karaoké. Je sais pas si. Ah. Je suis chaud de ouf. Ça nous intéresse. Vous nous en tirez des vidéos ? Si t'es sage. On fera un best-of à la rentrée. Si t'es sage. Viens couvrir pour le. Ah bah non.
Qu'est-ce qui veut continuer? Qui parmi vous avait aussi un sujet dont vous vouliez parler en particulier sur cette année? Malek, toi, qu'est-ce qui t'a marqué cette année? Moi, alors il y a un truc qui me marque, c'est qu'on est à l'année 2 du deuxième mandat Macron. Ouais. Et il y a une odeur de fin de quinquennat qui est incroyable. Oui, c'est vrai. On a l'impression que ça va imploser à tout moment. Et il y a deux choses qui me viennent en tête, qui sont pour moi les deux chantiers qui font que c'est sur le point d'imploser. On a vu donc avec l'examen de la réforme des retraites que cette fameuse phrase de « la démocratie est malade », en fait, pour moi, elle est dépassée. Elle est déjà, la démocratie a agonisé, elle est déjà peut-être même morte. Et je pense que plus personne ne se reconnaît dans ce modèle-là, et c'est palpable. Et je pense qu'il va falloir y remédier. Je pense que plus personne ne peut entendre que face à un exercice de démocratie, on peut sortir plein de petites armes de la besace. Si ce n'est pas 49.3, c'est 47.1. Si ce n'est pas 47.1, c'est article 40. Si c'est pas... Bref, on est fatigué. Et c'est peut-être un des chantiers d'Emmanuel Macron pour la fin de quinquennat. Peut-être qu'il en sortirait par le haut en proposant, parce que moi j'appelle à ça, mais plein de gens appellent à ça aussi, à une convention citoyenne sur la démocratie, histoire qu'on puisse avancer sur des propositions. Et puis ouais, pourquoi pas qu'on puisse soumettre ça aussi à référendum, histoire que le peuple décide de quelles règles pour l'avenir de la démocratie. Et dans un deuxième temps, ce qui fait aussi que pour moi le pays va imploser. Et là aussi, malheureusement, l'actualité récente de cette semaine nous le montre, mais on l'a vu aussi avec la réforme des retraites. Mais comme je dis très souvent, c'est un sujet qui dure. C'est les violences policières. Des violences policières systémiques. On n'a pas découvert ça là. Il y a eu 2005 avant, il y a eu plein de choses avant. Mais en 2005, tout le monde disait « Oui, mais c'est propre qu'au quartier, c'est les gars des quartiers qui cherchent. » Et puis ensuite, il y a eu Nuit debout. Et puis ensuite, il y a eu les Gilets jaunes. Il y a eu l'examen de la réforme des retraites en début d'année. Et puis là, on a eu l'actualité tragique avec le petit Naël à Nanterre. J'ai l'impression que les limites sont repoussées. Et je veux qu'on sorte en fait de ce schéma qui me saoule un peu, des ministres de l'Intérieur qui sont nommés et qui, après avoir rencontré tous les directeurs généraux de la police, de la gendarmerie, rencontrent les syndicats et décident de se soumettre aux syndicats policiers parce que c'est la condition pour garder leur place et pour ne pas sauter. Et ça, c'est vraiment un truc qui me gonfle. Donc, et ce n'est pas anti-flic de dire qu'en fait, je voudrais qu'on fasse un grand chantier et qu'on retape la maison police du sol au plafond. Et qu'on décide de construire une police saine un petit peu à l'image. C'est Jean-Luc qui a dit ça, fort taper du sol au plafond. Ah ouais, là, tu as cité du Jean-Luc. Oula, notez ça. Tu rends à César ce qu'il y a à César. Hein. et voilà, parce qu'il y a un vrai problème. Pour moi, voilà, il y a une gangrène de l'extrême droite. Il y a un vrai problème de discrimination. Il est prouvé, c'est pas moi qui le dis, c'est la défenseure des droits qui le dit. Quand on est perçu comme noir ou nord-africain, on a 20 fois plus de chances de se faire contrôler par la police. Et on voit dans quelles conditions on peut se faire contrôler. Et au-delà de ça, l'abus de la force, l'abus de l'usage de la force, on l'a vu pendant l'examen de la réforme des retraites avec des coups qui étaient donnés à de simples manifestants. Et là, on l'a vu avec un gamin qui roulait peut-être sans permis, mais qui méritait absolument pas de mourir. Voilà. Merci Malek, effectivement, je te rejoins complètement sur ces deux points, sur la crise de la démocratie et sur le côté fin de quinquennat. Il y a quelqu'un dans le chat, quand tu le disais, qui disait « est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une ambiance de fin de République ?» Aussi. C'est intéressant parce que tu vois, parce qu'on pourrait personnifier facilement autour de Macron, on l'a déjà dit mille fois sur ce plateau, Macron c'est Giscard, fin de septennat, personne n'en peut plus, c'est vraiment vieux et ronflant. Mais le côté fin de République est aussi intéressant et il y a un petit côté aussi clair-obscur qui n'est pas très très rassurant. C'est-à-dire que la fin d'une république, si c'est pour la naissance d'une nouvelle, ça peut être excitant, ça peut être intéressant, mais ça peut aussi être très flippant, parce qu'on est nombreux, je pense, à anticiper avec trouille un avenir pas forcément glorieux politiquement, avec potentiellement l'élection de Marine Le Pen à la présidence de la République en 2027, comme ça je dis les termes. Et donc c'est des enjeux que je trouve très intéressants, et tu l'as dit sur la police, je suis d'accord avec toi, la refondation d'un service public de la police est un enjeu qui va prendre énormément de temps, qui va demander de la méthode, qui va demander du courage politique, qui va demander un travail de fond, parce qu'on ne change pas en claquant des doigts une maison police dont tu parles, qui en fait depuis 20 ans, et ça a été long, ça s'est mis en place doucement par plein de petits effets, c'est pas que les méchants syndicats de police qui ont fait ça, c'est pas que les méchants ministres de l'Intérieur, c'est pas que la méchante opinion publique et les méchants médias, c'est un peu tout ça en même temps. Ça traîne. Et voilà, c'est ça. Donc ça va prendre du temps, et c'est pas en claquant des doigts. Et c'est pour ça que dans la dernière émission Backseat, sous forme de blague, je disais « Ouais, mais ce sera quoi un maintien de l'ordre de gauche le jour où la gauche arrivera au pouvoir ?» C'est une forme de pantalonnade de ma part de dire ça. Mais en fait, ce n'est pas faux. C'est que c'est des questions auxquelles il faut réfléchir. C'est-à-dire qu'arriver au pouvoir, on ne change pas en claquant des doigts des services publics. Mais on a des exemples.
Mais non, mais j'allais dire que surtout la loi dont on parle dans le cas du petit Naël, c'est vraiment une loi qui a assoupli les conditions de recours aux armes à feu dans le cas de refus d'obtempérer automobile, etc. Et c'est une loi qui a été votée sous Hollande, c'est la loi Cazeneuve, donc c'est une loi votée par une majorité socialiste. Ça, quand on dit à quoi ça ressemblait et qu'on se rend compte que cette loi-là a été votée sous un gouvernement de gauche, bah, c'est pas un bon présage. Donc ouais, c'est vrai que ça... Au boulot. C'est fou, ouais, au boulot. Hein. Vous faites passer... vous non, mais regardez. La gauche a déjà fait... Tu dis que la gauche... Non. On file des t-shirts à signer. Non, mais je reviens sur ce que tu dis pour dire, tiens, tu vois, c'est un très bon exemple. L'assouplissement des règles d'usage d'armes à feu dans le cadre de légitime défense des policiers, c'est typiquement le bon exemple d'une politique publique qui ne porte pas les fruits qu'on en attendait, qu'il s'agirait de changer. Ça ne me paraît pas impossible à faire, ça ne me paraît pas délirant pour un député, même de la majorité, de le dire, que tiens, il faudrait peut-être réfléchir à ce que cette législation qui date de 2017 n'était peut-être pas une très bonne législation, peut-être qu'on pourrait la changer. Peut-être, enfin voilà, j'ai même pas l'impression que ce soit radical de dire ça. Enfin, en fait, juste, il y a une loi qui n'est pas bonne, on la change. Ciao, bye, en fait. On a un peu de mal avec ça, je m'en rends compte. Mais c'est fou. C'est vraiment quand il y a un truc qui ne fonctionne pas, mais bordel, tout à l'heure, tu as listé plein de petites conditions qu'il faut pour qu'on puisse changer de modèle. Mais je crois que la condition première, c'est le courage politique. Et purée, qu'est-ce qu'on en manque sur le sujet. Quand tu dis qu'on a du mal avec ça, il y a d'autres services publics sur lesquels j'en entends matin, midi et soir, qui, sur le moindre petit dysfonctionnement, vont te réclamer une réforme de grande ampleur du truc et tout. Bon, bah, pour une fois, tu vois, il y a un côté merde. Je sais pas, c'est un manque de courage. Je pense que c'est un manque de courage, oui. Mais c'est pour ça que je m'en suis pris sur Twitter cet après-midi aux députés de la majorité en disant mais là c'est votre moment les gars, enfin ouais, clairement c'est le moment de lever la main en disant bon bah moi je suis député, ça va être mon rôle, je vais le dire, voilà, je pense qu'il va falloir un peu bouger sur ce sujet-là. Il y a un rapport de force avec les syndicats de police. Bon là en l'occurrence en 2017 avec Cazeneuve, on sortait de Magny-en-Ville et de cette séquence aussi de 2015 des attentats, etc. Je crois qu'à un moment il y a eu un chèque en blanc qui a été fait en mode oui ok c'est chaud, on vous donne ça. Les syndicats étaient en position de demander et puis les autres ils ont cédé. Et entre temps on s'est retrouvé avec la fameuse séquence avec évidemment gilets jaunes, etc. Et on se retrouve avec Castaner qui dit bon quand même après l'affaire Chouvia, je crois, la clé d'étranglement, ouais, on arrête. Et là, les syndicats de police, justement, montent au créneau de malade, ils jettent leurs menottes par terre, ils font des manifs sauvages. Ils font des manifs non déclarés. Non déclarés. Faut envoyer qui dans ce cas-là, hein? Faut envoyer qui? Et donc, du coup, le truc, c'est que bon, Macron s'est mis dans la main des syndicats de police à partir du moment où la police a été, de toute façon, la seule réponse à tous les autres mouvements sociaux. Donc, il ne peut pas se passer de la police, il ne peut pas se payer le luxe d'une fronde policière. Il y a déjà eu des frondes policières. Il y en a qui ont été calmées aussi. Hein. Il y en a qui ont été calmées. C'est ça aussi la République. La République, c'est de calmer ses flics. Puis quand Pierre Jox... Alors, on remonte un petit peu, mais quand Pierre Jox impose une charte déontologique, c'était la première fois. Ouais. Première fois qu'on impose aux policiers d'avoir de la déontologie. C'était sous Mitterrand. Sous Mitterrand, on remonte dans les années 80. Là. Ouais. Mais il impose une charte de déontologie, quoi. Et les flics sont pas contents. Et qui a été supprimée depuis, bien sûr. Il y en a plus. Et les flics, évidemment, n'étaient pas contents. Mais bon, au bout d'un moment, y a plein de... Vous voyez, là, les retraites, on n'est pas contents. Et puis, ça passe quand même. Voilà, est-ce que les flics sont au service de la République ou est-ce qu'ils sont au service de leurs petites corporations et de leurs petits avantages? Ouais, d'ailleurs, là, on dit que la loi Cazeneuve, elle a été obtenue justement par pression en fait, des policiers pour, entre guillemets, les récompenser parce que c'est compliqué, etc. Et en tout cas, ouais, je crois qu'il y a déjà la NUPES qui a demandé à ce qu'elle soit supprimée et qui se mobilise. Et alors, à la marche, il y avait Olivier Faure, d'ailleurs. Qui était présent, mais au demeurant, je note que dans l'immédiate après... Olivier Faure qui était présent aussi à la manif de flics devant l'Assemblée nationale où Alliance a gueulé le problème de la police, c'est la justice. Et c'est comme Fabien Roussel, tout à l'heure était là, mais il s'est fait très vite, il est reparti. Il a fait une photo, il est reparti. Ouais. Parce que ça gueulait, non, Roussel n'est pas un camarade. Mm. Ah ouais mm, mm, mm. Mais donc, je note quand même sur cette affaire Naël que les premières prises de parole, que ce soit celles du gouvernement ou du président de la République, sont pour le coup plutôt à noter, je trouve. On en est à se féliciter de ça. Je trouve plutôt à mettre à leur crédit. Oui. J'ai trouvé qu'Emmanuel Macron avait condamné assez rapidement en des termes assez clairs. Sans, alors, il nous en a fait des conneries Macron en 6 ans là, et on l'a entendu des fois dire des conneries dès le début, etc. Là,
C'était une condamnation claire, unanime, c'est inexcusable ce qui s'est passé. Ce n'est pas, il n'y a pas terre, c'est pas, à réfléchir et tout. Ensuite, évidemment, quand il y a eu des échauffourées, il est revenu dans son rôle classique de condamnation, appel au calme, etc. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est quand tu es au pouvoir, c'est un peu un principe élémentaire. Mais les premières prises de parole étaient celles-ci. Pareil pour Gérald Darmanin, qui lui aussi a condamné assez clairement l'acte, qui a saisi l'IGPN. Le policier a été placé en détention. C'est juste le côté inexplicable que Macron a utilisé qui n'est pas... le mieux. C'est inexplicable, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est ça. Non, c'est malheureusement pas inexplicable. Malheureusement, il y a des sources et on pourrait en parler si d'aventure. Moi, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est que, alors je suis d'accord avec toi, j'ai trouvé la... Mais c'est fou qu'on doive s'en étonner. C'est la parole de Gérald Darmanin plus mesurée, en tout cas, que son préfet de police, Laurent Nunez, qui la veille au soir sur BFM TV, et pourtant, il a été mis dans les cordes par BFM TV. Attention, il faut aller loin. Quand on lui a demandé les conditions de suspension des policiers, qu'est-ce qu'il fallait attendre ? Est-ce qu'il fallait attendre une mise en examen ? Laurent Nunez, non, il était dans quand même une petite protection de ses fonctionnaires de police en disant, alors c'est ses mots, que lui, pour le coup, la vidéo l'avait interpellé. Voilà, il l'a répété à plusieurs reprises. Il est interpellé par la mort d'un gamin de 17 ans, tué à bout portant par un flic. Ça l'interpelle, en tout cas. Il y a un truc sur le on parlait de République. C'est vrai qu'il y a un discours d'habitude sur vous envoyez un pavé à un flic, c'est à la République que vous attaquez. Et là, quand c'est un flic qui tire... non, c'est pas la République, en fait. C'est un individu isolé, etc. Donc, quand on parlait de inexplicable, il y a ce truc de dépolitiser au maximum la question, individualiser le truc. Non, il faut politiser. C'est le mouton noir. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Non, je vois très bien. On politise quand ça les arrange et on dépolitise quand ça les arrange pas, quoi. C'est très interpellant. Je note sur France Inter, vous l'avez peut-être vu passer, la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Qui m'a soufflé par très sa hauteur de vue, par son calme olympien, par sa mesure, par... Je me suis dit, putain, mais elle aurait été ministre, ça m'aurait fait plaisir. Enfin, tu vois, il y a un truc... Elle a pris, je trouve, alors qu'elle est porte-parole du ministère. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, les porte-parole de ministère, c'est des postes qui ne sont jamais invités dans les médias parce que c'est le ministre qui porte la parole du ministère, c'est normal, c'est lui qui fixe la ligne et tout. Bon, là, elle était invitée sur France Inter et je l'ai trouvée impeccable sur la réponse à la question. Quand Léa Salamé lui a demandé, parce que c'est en train de faire polémique un peu partout sur le casier judiciaire de Naël et tout, quand la question est posée à la porte-parole, est-ce qu'il avait un casier judiciaire ou pas, et qu'elle répond, c'est pas le sujet. Là, on parle d'un gamin qui est mort, en fait. On s'en fout. Quand bien même, il aura un casier judiciaire. Et alors, tu dis, waouh, putain, la vache, c'est impressionnant, quoi, de mesure, de prise de distance, de waouh. Mais c'est qu'on n'est pas habitué à c'est ça, c'est ce que fait. J'allais dire. Mais c'est ça qui est triste, en fait. C'est qu'on n'est pas habitué à ce genre de discours. C'est ça qui est assez impressionnant. Donc, c'est aussi à noter dans ces moments de clair-obscur. Il y a des prises de parole à noter. En tout cas, on continue. Qui d'autre parmi vous avait des sujets dont vous vouliez parler ? Sacha, toi, tu voulais parler ? Oui, mobilisation. D'une séquence qui nous a quand même pas mal occupé tout au long de l'année, qui est la séquence des mobilisations contre la réforme des retraites. Moi, j'ai pu couvrir la première sur le terrain. Je me souviens, c'était le jour de la première de Baxit aussi. On recevait. Regarde, on a retrouvé nos archives. On a retrouvé nos archives. C'est ces images qui ont été prises par notre reporter Jean Massier sur place. C'était le 30 janvier, c'était la première de Baxit. Ouais, c'était la première de Baxit. On recevait Philippe Martinez dans la foulée. Et surtout, ça a été le début de plein de choses. Ça a été le début de l'intersyndicale. Ouais. Ça a été le début d'un mouvement qui a duré 13 ou 14 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été le renouveau, entre guillemets, des syndicats. Mais oui. qui nous avaient, entre guillemets, un peu déçus pendant la crise des Gilets jaunes, parce qu'ils n'avaient pas su un peu saisir le mouvement. Mmh. Et là, on s'est dit, punaise, enfin, les syndicats sont à la hauteur et surtout sont capables de s'unir. Voire même sont les seuls à la hauteur. Enfin, exactement. Quoi, on l'a dit sur ce plateau. Oui, oui, bien sûr, qu'ils ont été bien plus à la hauteur que les députés, etc., etc. Donc je pense que c'est un moment important. Et moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est la suite. Sophie Binet, quand elle était ici, elle nous a dit on ne va pas s'arrêter là. On va continuer à mobiliser l'intersyndicale, on va continuer à se mobiliser. J'ai pas l'impression que les contacts avec Marie-Lise Léon, qui a remplacé Laurent Berger pour l'instant, soient ultra... ultra poussés. J'ai l'impression qu'ils sont même un peu froids. Mais voilà, je trouve que ça a ouvert une séquence qu'il va falloir suivre de près dans les prochains mois et même jusqu'à la fin du quinquennat, parce que si les syndicats sont capables de se mobiliser à chaque fois pour le vote de la loi immigration ou pour les votes des budgets ou des choses comme ça jusqu'à la fin du quinquennat, ça va être une fin de quinquennat qui va être ultra mouvementée sur les mobilisations sociales.
Et ça nous a aussi montré que les corps intermédiaires, le président de la République, on n'avait toujours pas grand-chose à faire, quoi. Ouais. Puis est-ce qu'ils vont être là au rendez-vous des luttes climat, au rendez-vous des... Parce qu'il n'y a plus jamais ça, c'est très bien. Est-ce qu'ils vont être là au rendez-vous des luttes là, contre les violences policières, le racisme dans la police? Est-ce que c'est débile ou pas de s'imaginer que, quand je parlais de convergence, s'agirait aussi de les retrouver là? Ça pourrait être intéressant, parce que je crois que Martinez, là-dessus, il a plutôt été réglo. Oui. Puis les syndicalistes voilà, ont une expérience aussi du maintien de l'ordre. T'en as parlé, Marie-Lise Léon, que j'aimerais bien recevoir dans une hypothétique saison 3 de Backseat, faites des dons. parce que justement, ces questions-là, effectivement, sont intéressantes sur la suite. Et je suis d'accord avec toi, Sacha, effectivement, 2023 aura été l'année du retour en force des syndicats que l'on disait morts hein, depuis les Gilets jaunes. Enfin, morts, évidemment, expression de plateau, ce que je viens de faire, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. On avait l'impression que le dépassement macronien était aussi passé par là, et en réalité, non. J'ai dit retour en force, et en force en demi-teinte, puisque un capable de faire un échec à une réforme, quoi, malgré des manifs monstres. En force, mais en échec. Et après, je pense qu'ils ont beaucoup gagné au niveau de l'image. Qui renvoyait aux yeux des Français. Et je pense qu'à défaut, ils ont montré... En fait, de l'organisation des manifestations qui se sont toutes super bien passées, oui, pour le coup, avec un service d'ordre qui était vraiment impeccable, à la manière d'aller parler dans les médias et parfois même de taper sur certains députés, notamment au moment des débats à l'Assemblée nationale. Je pense que les syndicats ont pris énormément de grandeur sur toute la séquence. Et vraiment, ils vont je pense, à mes yeux en tout cas, qu'ils en ressentent ultra grandi. Et que ça va redevenir, enfin, peut-être, une force qui va pouvoir peser encore plus dans le débat politique et social et sociétal. Absolument, à suivre de près. Latifa. Moi, c'était mon sujet, c'est quelque chose que vous avez tous remarqué par rapport à l'inflation et évidemment pour les gens qui sont les plus en difficulté d'être tombés dans la pauvreté parce que nous au mouvement on a demandé à nos membres etc de témoigner sur quel était l'impact concret parce que c'est ça aussi on parle beaucoup de chiffres et de choses qu'on a qui sont difficilement palpables mais les conséquences concrètes en fait sur la vie des gens de cette inflation et de vraiment l'absence de politique publique réelle pour lutter contre ça et je pense qu'elle parle. Oh, wow. Je pense qu'elle, quand elle va au supermarché, si elle y va, parce que là, c'est pas Merkel, mais elle a la goutte, quoi. Elle a pas la goutte, pardon. Elle a pas la transpiration des gens qui se disent comment je vais faire pour payer, je dois pas dépasser tel montant. Et est-ce qu'on a eu des industries agroalimentaires, des grands groupes, Carrefour, etc., qui ont fait des profits records? Et j'ai été très choquée que le gouvernement n'avait même pas honte de dire « on a essayé de leur demander de diminuer leur marge, alors là, on va voir, on attend pour voir ». Et comme s'ils avaient envoyé un mail, s'il vous plaît, c'est incroyable en fait d'arriver à ce stade, c'est d'imaginer le rapport de force entre eux. Pendant ce temps-là, les gens, enfin nous, les témoignages qu'on a reçus, c'est une dame qui dit « moi j'ai perdu 5 kilos parce que cet hiver, j'ai dû choisir entre ma fille et moi ». C'est des gens qui vous disent « oui, parce qu'en plus, comme si ça ne suffisait pas ». On baisse le taux de remboursement des soins dentaires pour les gens. De 70 à 60%, l'assurance maladie décide de faire ça, comme ça, apparemment. Et voilà, nous, on a des gens qui disent « moi, je vais faire un crédit pour avoir des implants dentaires ». Est-ce que c'est, je sais pas, la société dans laquelle on a envie de vivre, ou ne serait-ce que le pays dans lequel on a envie de vivre, si on se limite à ça? Mais en vrai, c'est terrible que... Parce que les gens qui sont les plus pauvres, ils n'ont pas le temps d'aller manifester. Souvent, ils n'ont pas le temps de se mobiliser. Ils ont d'autres urgences. Et c'est très dur en fait, de dire qu'il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait. On a limite presque plus l'impression qu'ils font la guerre aux pauvres que le contraire. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup choquée. Et je me suis dit, donc ça veut dire que j'en attendais encore de ce gouvernement. C'est quand même quelque chose. Parce qu'à la fin, je me disais, ils n'ont vraiment rien fait. Alors qu'au début, je me suis dit, quand même, là, c'est vraiment galère pour beaucoup de gens. Et j'espère qu'ils vont s'en rendre compte. Mais alors, dans le meilleur des cas, ils ne s'en sont pas rendus compte. Et dans le pire, ils s'en sont rendus compte et ils s'en fichent. En tout cas, 2023, tu l'as dit, aura été aussi l'année de cette inflation. On en a parlé plein de fois sur ce plateau, sur les causes de l'inflation, sur effectivement les marges records que se sont reconstituées les groupes, mais aussi la crise. Le CAC 40 va très bien. Très, très, très bien. C'est ça qui est énorme. C'est jamais porté aussi bien, profit record encore plus que l'année dernière. C'est-à-dire à un moment où les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Le problème, c'est que ça va être à nous de les abattre. Les ratiboiser un petit peu, tu vois. Parce que de même, c'est pas au gouvernement qui, comme tu l'as très bien dit, est un gouvernement de guerre de classe depuis 6 ans, d'une guerre frontale et victorieuse de classe, vraiment.
Je parlais de phénomène de l'inflation dont on avait déjà eu l'occasion de parler, entre la guerre en Ukraine, les tensions sur les prix de l'énergie partout en France, la question climatique aussi qui a joué, et au bout du bout, du coup, la difficulté d'agir pour le gouvernement, même si le gouvernement se gargarise d'avoir réussi à agir mieux que nos voisins européens. C'est terrible en France, mais c'est pire ailleurs. Je n'ai toujours pas compris en quoi c'était un très bon élément de langage, ça, mais il continue à le dire à chaque fois. Bon, pourquoi pas. Pourtant, Olivia Grégoire continue de l'utiliser. Hein, elle veut pas le laisser. Ouais. Olivia Grégoire, qui, je le dis, parce qu'il faut balancer aussi des petites insides, elle m'a pas salué en repartant de l'émission. Voilà. Ouais. Et je l'ai mal pris. De quoi, Olivier Grégoire, quand t'étais là? Mais non. On a plein de petites anecdotes comme ça, si vous voulez. Sur qui c'est qui était sympa et pas sympa. Dans la deuxième partie de l'émission, on en parlera peut-être, si vous êtes sage. Ah bah oui. Et si vous donnez de l'argent, je précise qu'on est arrivé à 80% de la barre de financement, chers amis. C'est énorme. Merci beaucoup. On va y arriver. On va y arriver et vous allez voir, je vous en parlais juste après une chronique que vous attendez tous. C'est parti pour le PowerPoint de Vincent, mesdames et messieurs. Bonsoir, salut Vincent. Oh, ma voix. Comment ça va? Écoutez, ça va, mais ça me fait bizarre quand même parce que c'est quand même la dernière de la saison, quoi. Ouais. Et je commençais à peine à moins bafouiller. Donc je me dis, bon, dommage. Après... Voilà, même si ça me rend triste, je suis quand même content d'être là parce que je vais pouvoir vous parler d'un sujet qui me tient un peu à cœur à titre personnel. Il n'y a pas de vanne, hein. Vraiment, genre, je mets mon cœur sur la table ce soir, hein, vraiment. En fait, lundi soir, j'ai eu la chance d'être accrédité pour aller voir l'émission Zen en direct du Zénith. Donc de Maxime Biaggi, Grim Cujo, je le prononce comme Léa Salamé, mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai une question, est-ce que ça s'appelle Zen par rapport à son nez? Oui, bah le logo, oui, bah, ouais. C'est dans le logo. Nouveau sur Internet. Non, vraiment, je me suis posé la question. Oui, c'est... Et le logo Carrefour, okay, boomer, c'est un des deux Maxime. Ouais, non, je débarque, pardon. T'étais usule du 36-15, toi, c'est on, ça on l'avait reçu dans Backstage, c'est ça. Mais oui, Maxime, ouais. Bien sûr. Non, mais attends, il a rempli le Zénith, il a fait 200 Zénith, joueurs. Mais oui, mais tout est... Mais oui. Une semaine après. On peut laisser Vincent, peut-être. Vas-y, je t'en prie. Non, mais viens dans le wagon, il n'y a pas de problème. Je suis vieux. Donc c'était un vrai spectacle, hein, faut le dire, quand même, c'était assez impressionnant. Les gens avaient l'air très très contents dans la salle, pour le coup. Moi aussi, même si j'ai quelques regrets, et notamment l'absence totale de femmes parmi les invités, mais bon, ça c'est un sujet général, d'Internet, on en reparlera un jour. Moi, en fait, je vais vous parler d'un passage qui m'a interpellé. On a une petite vidéo, j'ai un petit extrait très précis. Squeezie, vu que tu fais partie des premiers, t'as aussi très vite connu l'engouement médiatique, notamment celui des médias plus traditionnels, on va citer personne, mais on sait que ça n'a pas toujours été ça. Ardisson, waouh là là, ah, là, là c'est... Non, on s'en fout, Ah non, Ardisson qui se fait huer au Zénith. Ouais. Oh. Ça dénonce. Ardisson, pour ceux qui connaissent pas. Oui. On le déteste. C'est un présentateur de ce qu'on appelait la télévision, donc un média du 20e siècle, et il faisait des émissions dans ce qu'on appelait la télévision. C'est marrant, t'as le même type de vanne que dans l'extrait de France Info, du portrait de toi de France Info. On en reparlera après. Ouais, on en reparlera. Et je me suis dit que, voilà, parce qu'en fait, c'est marrant qu'il parle encore d'Ardisson aujourd'hui, alors que l'interview de Squeezie là-bas, ça remonte à longtemps. Et alors qu'en plus, cette année, mine de rien, il y a eu beaucoup d'expériences médiatiques pour les influenceurs et de différents types. Et je me suis dit que ça serait sympa de faire un petit bilan sur le traitement médiatique des influenceurs par les médias traditionnels. Moi, je suis passé assez ce soir. Ah, c'est bon, ah, c'est vrai. Tu l'avais mis dans ta chronique. Ah, mais je ne savais pas ça. Ouais, t'en as pas parlé. Avec Karim Rissouli. C'est fou, il n'en a pas parlé. Donc aujourd'hui, pour cette dernière chronique, voici mon ultime bafouille, j'ai envie de dire. On a la ref. On a la ref, elle est bonne. On a la ref. Donc voilà, ma question aujourd'hui, c'est. Voilà, donc je la lis parce que je m'en souviens plus. Et les médias et les stars d'Internet, comment ils vont? Dis donc, alors en ce moment, c'est love ou bien? Voilà. J'essaie de faire un peu condensé. Donc il faut dire. Pour un petit rappel, quand même, au début, c'était très compliqué. Hein. Si on monte un peu dans le temps, donc il y a eu effectivement Squeezie chez Ardisson, il y a eu Natou chez Ruquier. Ah ouais, c'était bien. Il y a eu Decaune qui moquait les streamers. Il y a aussi des reportages un poil condescendants à la vidéo City Paris, pour ceux qui se souviennent, et notamment cet extrait de 66 minutes avec Enjoy Phoenix, et c'était en 2017, si je ne me trompe pas. À l'intérieur, tout le monde attend la star depuis 20 minutes. Oh, putain, cette voix. Mais Enjoy prend son temps pour faire sa petite vidéo perso. La remise est belle.
J'ai chaud. J'ai très chaud. Tiffany, tu as chaud? J'ai très très chaud. Tiffany, elle a très très chaud. Voilà, donc on sent le petit somme du journaliste. Hein, c'est quoi ces stars? Je comprends pas. Je vais être une voix off un peu piquante et méprisante. Et puis en plus, avec une jeune femme qui à l'époque subissait, voilà une petite bafouille, déjà beaucoup de harcèlement en ligne. Alors après, voilà, une petite précision sur les caps écran. Si vous posiez la question, chaque cap écran, chaque arrêt sur image est volontaire. Hein, vraiment. Ah ouais, c'est du travail de pro, ça, bravo, bravo. C'est vraiment avec deux points et point virgule sur le clavier pour vraiment trouver la bonne frame. Je connais ça. Je connais, on a tous fait. Alors, il y a eu du mieux hein, depuis, évidemment, grâce à des médias qui visent les jeunes. Hein, je pense notamment à Click ou France TV Slash, qui ont proposé beaucoup d'interviews super intéressantes, même si je trouve que des fois, on tombe un peu dans l'excès inverse. C'est-à-dire que on les flatte peut-être un peu trop, alors que, rassurez-vous, les influenceurs, ils ont besoin de personne pour se flatter entre eux. Hein, vraiment, il y en a, ils s'en sortent très, 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 très bien. Ouais. Alors, malgré ces évolutions positives, ça reste encore délicat dans les médias mainstream. Et j'en veux pour preuve les interviews de Zerator et de Maxime Biaggi réalisées à un an d'écart pile par Léa Salamé sur France Inter. Donc, j'ai fait un petit montage comparatif. Voilà, donc c'est les extraits, vous allez voir, 2022 versus 2023. Expliquez-nous, à nous pauvres boomers, c'est quoi votre métier? C'est quoi un streamer? Mais d'abord, par exemple, pour Dominique Seux, ici présent, notre chroniqueur économique qui ne connaît pas Twitch, est-ce que vous pouvez lui expliquer ce que c'est que votre métier? Comment vous arrivez à lever 10 millions en 2 heures ou 3 heures? Alors, pour faire très court, bon, déjà, c'est un week-end entier. Hein, donc. Squeezie, c'est la plus grosse star des réseaux sociaux. Quasiment 2 millions d'abonnés. Tous les journalistes du web, notamment, qui ont moins de 30 ans, et les techniciens qui sont derrière la vitre, étaient comme des fous ce matin parce qu'on vous recevait. Il faut vraiment que vous compreniez que c'est pas un petit truc. Il y a plein de stagiaires qui sont en régie, là, et qui sont complètement fans de vous. Donc, ils vous attendent depuis ce matin. C'est gentil. C'est gentil. Alors oui, faut le dire, c'est normal qu'il y ait beaucoup de pédagogie sur ce genre de plateau, parce que voilà, c'est des personnalités qui ont trop peu de place encore dans les médias, et le public de radio, qui a une moyenne d'âge plus élevée que celle de Backseat, hein, clairement, n'est pas familier de ces univers-là. Mais on remarque toujours voilà, des approximations. Squeezie, il a 2 millions d'abonnés. Pas du tout, il en a presque 20 millions. Une forme de légèreté aussi dans la façon de les recevoir, les décrire comme des phénomènes un peu étonnants, qu'on regarde un peu comme des ovnis, plutôt que des acteurs à part entière d'une culture nouvelle. Oui, mais ils gagnent combien? C'est une question qui avait été posée à... À tout le monde. À tout le monde, ouais. Oui, et à Maxime Biaggi récemment dans un portrait aussi. Donc voilà, donc pour moi, il y a plusieurs raisons qui expliquent un petit peu ça. Donc, les influenceurs, ils ont peur des médias, faut le dire, à juste titre, hein, parce qu'ils ont longtemps été maltraités, mais aussi parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque d'être parfois mis face à leurs contradictions. Hein, on se rappelle du passage de Capucine à Nave sur BFM TV, qui est quand même assez lunaire. Ouais. Ensuite, il y a les créateurs de contenu qui sont déjà leurs propres médias, en fait. Donc, ils peuvent produire leurs propres émissions, faire leurs propres promos, souvent inspirés de la télé, contrôler le message, entretenir leur propre entre-soi et s'auto-alimenter avec la plus grande facilité. Voilà, il y a une journaliste américaine qui en parlait très bien récemment dans une interview. Et enfin, raison toute bête, mais les médias, ils sont portés par des gens, portés et dirigés par des personnes qui ne font pas forcément partie de la génération des subs et des fit and fun. C'est un univers qui les observe plutôt de l'extérieur par le prisme des polémiques ou de leurs enfants ou de leurs collègues ou de leurs stagiaires et des plus jeunes, etc. Et tout. Donc forcément, ça crée un décalage. C'est en partie pour ça qu'on retrouve les créateurs de contenu dans des médias traditionnels, principalement parce qu'ils doivent faire la promotion de quelque chose qui n'est pas totalement lié à leur quotidien de créateur sur Internet. Quelque chose que les médias et leurs lecteurs et téléspectateurs peuvent mieux appréhender. Michou et Noxtag, ils sont allés sur France Inter à la base parce qu'ils avaient une série Amazon Prime à promouvoir. Maxime Biaggi, il a fait Libération pour son Zénith. Seb a fait plusieurs médias, non pas pour ses vidéos habituelles, mais pour son gros documentaire où il y avait quand même des codes quand même assez télévisuels. Et quand il y a Michou qui va parler d'un vrai sujet qui le concerne de son quotidien, qui va parler de son passage vers Twitch sur le plateau de Quotidien, ça donne un moment vraiment pas ouf avec un Yann Barthès qui est quand même assez largué, hein, Duhamel qui, rappelez-vous, avait parlé d'hygiène. Hein, il regarde pas Twitch pour des questions d'hygiène. Les émissions politiques sur Twitch, pour être précis. Voilà. Ouais. Mais ça, c'était super pour moi, ça m'avait donné de la matière à vanne pendant des semaines, donc c'était vraiment génial.
Moi, en fait, j'ai l'impression que les créateurs de contenu, ils doivent traiter de sujets sérieux ou venir de médias traditionnels comme Samuel Etienne pour être considérés comme des invités qui méritent de revenir régulièrement sur les plateaux avec d'autres personnalités, d'autres milieux, d'autres générations. On le voit avec Jean, t'as un très bon exemple de ça. Je suis un très bon client. T'as été convié dans quelle époque, dans C'est à vous. Le regard qu'on a sur toi et ton travail, il est globalement quand même assez... assez différent, même si France Info, on le rappelle, a insisté sur le fait que tu streamais depuis une chambre d'ado et que tu animais une émission qui s'appelle Backstep. Backstep, on n'oublie pas Backstep, faites des droits à Backstep. Voilà. Ouais. Sujet noble. Hein ? Toi, tu as un sujet noble. Oui, c'est ça. C'est-à-dire la politique. Oui, c'est vrai. Oui, c'est totalement ça. C'est... Et, bah, Hollande, voilà. Et Hollande, il avait dit backchiche. Oh putain. Waouh. Backflip. On avance. En tout cas, voilà, moi, je trouve ça dommage de pas avoir plus de créateurs dans les médias, quel que soit leur domaine de prédilection, que ce soit Fortnite ou d'autres choses, pour acculturer toujours plus de monde sur cet univers, mais aussi pour banaliser leur présence et asseoir l'intérêt de leur production dans toute leur variété, pas seulement quand ils font des gros projets. Alors oui, là, je défends totalement ma croûte. Hein, vraiment, j'essaie de vivre de tout ça et tout. Mais c'est aussi parce que je pense que les médias, ils ont tout à y gagner pour toucher un public plus jeune, qui n'arrive plus à atteindre, et aussi parce qu'il y a tout un tas de jeunes journalistes aujourd'hui qui ont les mêmes envies, qui n'attendent que ça, qu'on leur donne de la place et qu'on leur fasse confiance. Et moi, pour conclure cette dernière chronique, je voulais juste vous remercier de m'avoir permis de me faire cette petite place justement ici sur Backseat pour parler de ces sujets qui sont très importants à mes yeux. Donc voilà, je voulais juste dire merci à l'équipe, merci à Jean, merci à toutes les personnes qu'on ne voit pas en plateau et qui sont vraiment au top. Et merci juste de m'avoir écouté cette saison, d'avoir pris mes PowerPoint moches au sérieux et d'avoir ri à mes blagues un peu bancales. Donc prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Bravo Vincent. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir le public. Merci du fond du cœur. Bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver. Vous êtes extraordinaires. Merci. Bonsoir. C'est la dernière fois de cette saison qu'il y aura un jingle avec une reprise. Ça fait super plaisir, merci à vous qui nous regardez sur Twitch, bonsoir le chat, bonsoir les gens qui nous regardent sur YouTube, bonsoir ceux qui nous écoutent en podcast. Chers amis, on va discuter de plein de choses dans cette deuxième partie de l'émission. Cette semaine, on s'est dit, ça va, c'est la dernière, pas besoin de se coltiner un invité ou une invitée politique. On va rester entre nous et on va parler de Backseat et parler, on va faire le bilan de la saison et on va parler de l'avenir. L'after de Backseat, c'est parti pour l'after Backseat. Comme je le disais, donc on va faire le bilan de la saison ici en plateau avec les chroniqueurs, mais sachez-le, vous aussi, vous qui avez participé au financement de Backseat, vous allez recevoir un questionnaire aussi par mail, ça nous intéresse d'avoir votre avis sur cette saison, d'avoir vos retours, ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait changer, ce qu'on pourrait garder, ce que vous avez aimé, moins aimé, etc. Dites-le nous, ça nous intéresse vraiment. Voilà, merci d'ailleurs et bienvenue aux 133 nouvelles et nouveaux donateurs qui nous ont rejoints en cours d'émission. Si toutes les personnes présentes dans le chat donnent 1 euro sur KissKissBankBank, je crois qu'on peut boucler cette saison en financement participatif. Ce serait vraiment super. 1 euro, allez-y, la team des 1 euro, c'est votre moment. Allez-y. Chers amis, je n'ai pas vraiment de tour de table prévu. Hein. Vous me dites un petit peu, voilà, Backseat, une émission un peu particulière. Et si on donnait la parole à Latifa pour commencer, toi, c'était ta première saison de Backseat. Tu es arrivée là cette saison. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cet exercice? Oui, ouais, en plus, je suis arrivée récemment. En plus, ouais. Troisième fois, ouais. L'exercice en tant que tel... L'émission, même. T'en avais entendu parler avant. Oui, je connaissais en tant que... Est-ce qu'on dit téléspectatrice? Vieweuse. Ouais, mais non, moi, je parle pas anglais. Non, non moi, j'ai dit des courriels. Non, mais ouais, de l'autre côté, c'était... moi, c'est une émission qui m'intéressait dans le sens où j'avais l'impression que ça me permettait de garder un lien avec le droit. Parce que j'ai étudié le droit. Ouais. Et donc, c'est pour ça, en fait, d'avoir cette perspective présentée de manière moins chiante, je pense, comme plein de gens qui regardent, en fait. Et de pouvoir après se dire, ça, peut-être que je vais l'approfondir un peu plus, ça, c'est une bonne piste, etc. Donc, de l'autre côté, ça, c'était agréable. Et de ce côté-ci, j'espère que déjà, j'ai pu apprendre une ou deux choses aux gens ou avoir, permettre d'élargir un peu l'horizon des opinions qui peuvent exister. Est-ce que tu t'es sentie à l'aise dans l'exercice? C'est pas facile, hein, chroniqueuse sur un plateau comme ça avec d'autres personnes et tout. Est-ce que tu as été à l'aise dans l'exercice? Oui, surtout que je connaissais pas, en dehors des réseaux sociaux, spécialement les gens qui étaient là. Le seul truc, c'est quoi? Moi, j'aime bien vanner beaucoup. Et j'ai levé un peu le pied parce que je me suis dit, quand même, je sais pas si les gens. Ici, tu peux, hein.
pas attends. Je sais pas si les gens ils sont. Mais fallait pas le. Tu nous as jamais dit ça que tu levais le pied, mais Latifa, mais lâche-toi. Non, non, mais voilà. Non, mais là-dessus, sinon. Non, ouais, franchement, c'est une super expérience. Ouais, ouais, ça permet de parler de plein de sujets différents et d'avoir des avis qui sont différents, d'entendre des avis différents d'une autre aussi et de questionner plein de choses. Donc, ouais, franchement, moi, j'ai un super bilan. Eh ben c'est cool, mais ça fait plaisir de t'avoir eu en tout cas Latifa pendant cette saison, d'être venue autour du plateau, nous apporter aussi ton regard. Les autres, qu'est-ce qui vous a marqué cette année ? Parce que pour le coup, ouais, vous trois, vous étiez déjà là sur la saison, sur la première saison. Qu'est-ce qui vous a marqué cette année ? Est-ce qu'il y a un souvenir particulier ou est-ce qu'il y a, je sais pas, Sacha ? Moi, je sais pas si c'est. Je pense que c'est pas un souvenir en particulier, mais c'est la hauteur qu'a pris l'émission en 6 mois. Et qui est la professionnalisation, la qualité des invités, les before, les parties actu, parce qu'on s'est dit, l'année dernière, on était très orienté présidentiel quand même, et là, on s'est dit qu'on allait élargir vraiment à toute l'actu, et je pense que ça nous a permis de traiter un panel de sujets. On était un peu frustrés l'année dernière de ne pas pouvoir en traiter certains, et cette année, on a du coup traité un panel de sujets ultra élargi. Et j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Et c'est aussi grâce à toute l'équipe, donc François, Quentin, qui sont en backstage, Pemf, etc., etc. Et enfin, c'est aussi grâce à eux. Donc voilà. Je pense que et Laurent, pardon, excuse-moi, je t'oublie pas. Et tout le monde. Et donc voilà, la professionnalisation de l'émission est quand même assez impressionnante. Et je pense qu'on n'a rien envié à certains plateaux télé. Ouais, est-ce qu'on a besoin de se comparer ? C'est toujours la question. Moi, je compare, moi. Toi, tu compares ? Ouais, par rapport à tu peux nous comparer à C'est ce soir. Par rapport à C'est ce soir de Karine Vistouli. Ah, j'allais rager sur les informés de France Info, moi. Mais, ouais, j'ai un truc avec les informés. On en a déjà parlé ici. Mais tu peux, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as avec les informés que t'as pas ? Je sais pas, j'aime pas. D'accord. Je savais même pas que ça existait encore. Hein ? Mais si, ça existe encore. C'est pas bien. Ça a pas changé. Toujours pas bien. C'est pire en pire, même, j'ai envie de dire. Alors que Backseat, sympa, franchement. Bilan globalement positif. De mieux en mieux. Bilan globalement positif. Oui. Je passe tout le monde à la ref. Rêve de vieux, oui. Moi, je compare parce que, du coup, je viens de la télé à la base. Ben oui, c'est fou, hein. T'es PMP pour ne pas les citer. Balance ton poste. Balance ton poste, pardon, c'est pas pareil. Je voulais pas débattre de politique vaccinale avec Benjamin Castaldi, donc... donc j'étais sur Balance ton poste. Et donc, du coup, moi, je fais le comparatif. Ce qui est cool, c'est que j'ai le temps ici de m'exprimer. Et qu'est-ce que ça fait du bien, purée. C'est incroyable. Et surtout, beaucoup de gens n'ont pas compris, même parmi mes proches, le fait que je quitte une émission qui était en prime time devant 2 millions de téléspectateurs pour un live Twitch et des retransmissions YouTube qui sont moins regardées que par 2 millions de personnes. Mais en réalité, on m'en parle beaucoup plus dans la rue. Ah ouais ? Et ouais. Bah ouais. Je fais un salut à un copain que j'ai vu à la salle de sport. j'étais en pleine séance jambes et il est venu me voir et il m'a dit... Excuse-moi, je kiffe Backseat. Pareil dans le métro. Et après, ça donne des discussions qui sont trop cool. Ouais, ça m'arrivait cette semaine dans le métro aussi. Tu vois, c'est fou. Ah, hein, t'es la fille de Backseat. C'est fou. Ouais, entre autres. Dingue. Non, mais écoute, non, mais tant mieux. Oui, effectivement. Enfin, après, je sais pas, j'ai jamais fait de. Si, j'ai fait de la télé. Et ça m'a dégoûté aussi. Télé. Justement, pour se couper la parole. Couper la parole, etc. Ah oui. Si on s'est payé le luxe de s'offrir, grâce à vous, une très belle émission sur Twitch, c'est aussi pour se laisser le temps de parler, en fait, dire les choses. Parce que c'est une des grosses frustrations que j'ai dans les médias traditionnels. C'est la pensée courte. Et moi, je lis pas mal les commentaires, que ce soit dans le chat ou sur YouTube. Et peut-être que parfois, je ne devrais pas le faire. Mais, disons qu'il y en a un qui revient souvent, qui est « ça fait du bien de voir qu'on laisse parler nos invités ». Ouais, alors ça aussi, oui, c'est vrai. En fait, on se rend pas compte. Ouais. 45 minutes de. Sauf quand c'est François Hollande. où là, on nous engueule de le laisser parler. Ah ouais, il aurait fallu qu'on lui casse physiquement la gueule, il paraît, ouais. On peut en parler de ça, on peut en parler. Mais on peut en parler, parce que moi, j'ai pris cher dans ce truc de Hollande. Ah ouais, quand on a décidé de pas refaire la sempiternelle élection du bilan du quinquennat, ça nous a été reproché. Moi, par je les gens, qu'on parle de tout ce soir, les amis. Ah bah vas-y, on parle de tout. Toi, t'étais pas là avec Hollande. Si t'étais là, juste. Ah ouais. Il était en face de c'est toi. C'est dire à quel point ma présence l'a marqué. Vraiment. Et d'ailleurs, je veux pas dire, mais ce soir-là, on a parlé quartier populaire. Ouais. Et qui est redevenu donc, le sujet là avec quartier 2030 avec Emmanuel Macron en début de semaine. Et malheureusement, avec l'actualité autour de Naël, voilà.
Ah bah, Baxi, t'en avant sur la cul. On en avait parlé bien avant. Non, je trouve que Usul en a pris beaucoup pour pas grand-chose. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait un exercice contraint, comme tu l'as dit. L'exercice contraint, c'était on revient pas sur le bilan. C'est l'exercice qu'on s'est imposé nous-mêmes. Mmh. C'est l'exercice que j'imagine les équipes de Hollande aussi ont plus davantage accepté que si on disait bah, on va vous faire le procès de François Hollande aujourd'hui. Non, mais j'imagine. Tu ne prépares jamais une interview sous forme de procès. Mais en tout cas, c'est jamais comme ça que j'ai préparé mes interviews. Mais en tout cas, il y avait l'idée de on parle de François Hollande, la jeunesse, l'avenir. Ce qui est déjà relativement incongru dans la même phrase, tu vois. Mais pourquoi surtout que c'était une émission qui venait en conclusion d'une journée complète de Libération. Qui avait fait le bilan de Hollande dans toutes ces tables rondes les unes après les autres. Oui, c'est vrai. Donc nous aussi, on voulait pas. C'était aussi la raison pour laquelle on voulait pas revenir, parce que il y a un moment, il va falloir que la gauche elle dépasse ça aussi. Le quinquennat Hollande, il va falloir construire autre chose dessus. Donc on voulait aussi aborder différemment les choses et pas refaire la sempiternelle émission qui a déjà été faite 1000 fois du bilan de Hollande et de le mettre face à son bilan. Et il y a des gens qui attendaient ça. Et bah, qui attendaient ça à la sauce Baxit. Et ils n'ont ni ça, ni la sauce Baxit, en fait, quelque part. Oh si, il y a eu la sauce Baxit. Je ne sais pas, il y avait 2 journalistes de Libération, c'était un petit Thomas peu plus... Thomas Legrand, ce n'est pas le pire. Non, mais tu vois, par exemple, en termes de relance, on pouvait faire moins de relance. On était 5 chroniqueurs comparé à quand on est à 3. Ça, c'est vrai. Voilà, non, on était contraints de ce point de vue-là, oui, voilà. Ça, c'est vrai. Et puis, par ailleurs, François Hollande, quand il tient le crachoir, il ne le lâche pas. Hein. Oui, et puis pour dire du rien, donc il y avait une frustration. Non, puis encore une fois, je veux dire, faire le bilan du quinquennat Hollande, moi je suis le premier, encore une fois, j'ai l'impression de l'avoir vu 1000 fois cette émission, mais on peut la refaire encore une millième fois. Je pense que les personnes qui attendaient ça de la part de Baxit n'auraient pas été satisfaites si on l'avait fait. Parce qu'il aurait répondu. Enfin, je veux dire, on aurait eu du Hollande qui défend Hollande, hein, ça aurait pas été. Très bien, on aurait re-répondu. Non, mais puis faire une interview, c'est pas faire le procès de quelqu'un, c'est à la rigueur le mettre face à certaines contradictions. Mais c'est pas faire le procès de quelqu'un. J'ai pas l'impression qu'on ait déjà fait le procès de quelqu'un dans cette émission. On a été plus ou moins virulents avec certains et certaines. Et virulents est pas le bon mot, mais il y en a certains et certaines qu'on a un peu plus poussé dans leur retranchement. Si, oui. Malek, il a été méchant avec Barbara Pompili. Alors, je note, hein, parce que on m'a fait la petite liste avec Barbara Pompili, avec Olivia Grégoire, avec Naïma Moutchou, avec beaucoup de monde apparemment. T'as mis que des marcheuses, toi. Je suis devenu la terreur. Non, juste moi, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que dans les commentaires, Usul a pris cher. On lui a reproché donc d'avoir laissé parler François Hollande. Personne ne nous a fait le reproche d'avoir laissé parler Philippe Martinez, Laurent Berger, Naïma Moutchou. C'est normal. Et on a laissé parler Naïma Moutchou et c'était long. Et pourtant, personne ne nous en a fait le reproche. Donc c'est juste ça en fait qui m'a saoulé. Et que ce soit visé contre le camarade Usul, ça m'a encore plus saoulé. Mais voilà. Je crois qu'il y a un truc qui passe pas avec Hollande. Quoi. Il y a une. Et puis quoi qu'on fasse. Encore une fois, il y avait tellement une attente, à mon avis, autour de cette interview et de ce que, notamment toi, Usul, tu pourrait lui balancer dans la tronche que... Mais ça a toujours été un problème, moi. C'est l'image que les gens se font d'Usul et de ce qu'ils attendent de toi. Non, mais après, débile. Moi, j'ai commencé les vidéos politiques en 2015. On était encore sous Hollande. J'ai participé à la création d'On vaut mieux que ça. Oui, oui, t'es de la génération... Je suis de la génération qui a manifesté contre Hollande, qui a gueulé contre Hollande. Et là, on se dit, ah bah tiens, lui... Voilà, il va avoir Hollande, ça va chier. Et puis bon, bah, là, je suis en tant que... Je ne suis pas représentant syndical, je ne suis pas le porte-parole d'une génération, etc. Donc, non, mais je comprends. J'étais là pour poser les questions, essayer de les formuler pour que ce ne soit pas je lui saute à la gorge. Bon, c'était un exercice contraint. Il y en a qui se sont dit peut-être qu'il n'aurait pas dû l'accepter. Et c'est une question, en effet. Tu t'es posé la question, toi ? Rétrospectivement, est-ce que cet exercice n'était peut-être pas trop contraint, en fait, Ok. Pour moi, pour même ce que j'ai envie de faire. C'est une question qui est légitime. Non, c'est une question qui est légitime. Moi, je continue à te défendre en disant aux gens, Usul n'est pas un combattant de plateau, c'est pas un clasheur de plateau. Il a autre chose à vous offrir que ce petit shoot d'endorphine de « Ah ouais, vas-y, claque-lui bien la gueule !» Non, en fait, Usul a mieux à vous offrir que ça. C'est mon point de vue. c'est la raison pour laquelle je veux que tu sois sur le plateau de Baxit, parce que je trouve que t'as mieux à offrir justement que ça. Autre chose, Malek, après, on a Adèle qui est en ligne avec nous. Hein. Ok. Yeah. Wow. Je veux trop qu'on ait Adèle en plus. Pour ouvrir au-delà de l'émission Hollande, on nous a aussi beaucoup, peu en réalité, moins que je ne le pensais au début, reproché de faire de l'opinion pure et dure. Et je trouve qu'en réalité, sur le contenu de nos émissions, alors là c'est autosatisfaction et vous pouvez me baffer, vous avez vraiment raison, c'est vrai qu'on a donné notre avis, mais on a toujours essayé d'ouvrir en posant les questions à nos invités pour leur laisser la place et la parole. Et après, on fait le constat qu'on n'est pas d'accord et puis c'est la vie. Mais ça a toujours été dans un but de faire apprendre quelque chose à nos viewers, à notre chat extraordinaire, qui va faire des dons, et
ou alors pour laisser la parole à l'invité, quoi. On a Adèle, je vous le disais, qui est en ligne avec nous, qui ne pouvait pas être avec nous à Paris ce soir, mais qui tenait quand même à vous faire un petit coucou. Adèle, est-ce que tu m'entends ? Incroyable. Oui. Ouais. Ouais. Wow. Très content de te retrouver, Adèle. Première question, parce la qu'on reine. Est, on est une émission d'actualité hautement politique. Qu'est-ce que c'est que ce papier peint ? Écoute, je suis en déplacement professionnel à la Baule. Oh là là, oh là là là. Est-ce qu'on peut faire plus de droite ? J'allais dire la même chose. Oui, si c'est pour les Napoléons, oui, c'est encore plus de droite. C'est pourquoi t'es d'accord, ok. Non, bah, donc t'es en déplacement, ok. Comment voilà. va ta main, Adèle ? Ah oui. Oh. Ah, encore yes. immobilisée. Ah. Mais ma main ira bien la semaine prochaine. D'accord, ok. Je serai libérée, délivrée. On est content que tu sois là avec nous, Adèle, pour cette dernière de la saison. On voulait te remercier, d'ailleurs, wow. pour l'avis d'Adèle, qui était, encore une fois, un rendez-vous immanquable de chaque épisode de Backseat. Qu'est-ce que t'en as retenu, toi ? Est-ce que t'as envie de nous en parler ? Ouais, avec grand plaisir. Mais surtout, j'ai très envie qu'on continue. Je sais pas, il continue de nous faire des trucs en permanence. Tu vois, là, j'étais hyper frustrée de ne pas être avec vous ce soir. Marlène Schiappa. Non, sérieux, vous avez vu le prix de l'humour politique 2022 ? Vous vous souvenez, c'était Fabien Roussel qui l'avait eu. Ouais. Est-ce que je vous rappelle la petite phrase ? Ouais, vas-y. La station d'essence est le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est celui qui se fait braquer. J'ai pas raison, les gens. Ouais. Hein. Oui, c'est vrai. Et donc, mais la plus grosse vanne dans tout ça, c'est que ce prix lui a été remis par Marlène Schiappa, accompagné d'un chèque de 300 000 euros. Quoi ? Ah non, pas du tout. Non. Pardon. Le fonds Marianne. Je suis trompée. Désolée, pardon. Voilà. Non, mais c'était chouette, Adèle, de t'avoir encore une fois pendant toute cette saison, cette saison qui aura aussi été la saison de la naissance de Los Republicanos. Oui. Oh oui, ouais. Ça c'est une série qu'on a suivie de très très près, qui nous est réclamée très régulièrement. D'ailleurs, vous c'était très chouette parce que c'était vraiment une vanne. Enfin, vous le savez, vous étiez là et quand je l'ai créé pour ce formidable Aureliano. Mais c'était incroyable la façon dont les viewers s'en sont saisis et c'est devenu du coup un projet co-construit. Je trouve ça trop bien. Ouais, carrément. On espère que ça continuera aussi Los Republicanos et qu'on pourra continuer à en parler. Écoute, merci à toi, Adèle. Cette saison, c'était aussi un changement pour toi parce que je rappelle que dans la première saison, tu étais une chroniqueuse. Comme les autres autour du plateau pour débriefer l'actualité politique et que comme tes cartes blanches, parce que ça existait dans la première saison, étaient particulièrement drôles, on avait décidé ensemble, toi et moi, pour cette saison, de se dire, et si on te donnait une chronique justement faite pour ça. Toi, c'était un exercice, c'est la première fois que tu le faisais en plateau comme ça, chronique un Absolument. Peu la France Inter. C'était complètement une découverte et c'était génial et j'ai kiffé et je trouve ça beaucoup plus sympa de faire des blagues que le job hyper dur de ceux qui sont en plateau ce soir là, qui sont là pendant des heures, qui doivent, enfin tu vois, on leur reproche parfois d'être un petit peu brutal, parfois de se perdre dans des tunnels, au contraire être trop complaisant, c'est hyper dur. Donc moi je suis très contente. Eh ben merci beaucoup Adèle. Est-ce qu'on peut te retrouver en stand-up dans les semaines qui viennent ? Est-ce que les gens peuvent te retrouver quelque part ? Ouais, là tout le mois de juillet, je vais jouer quasiment tous les jours au Paname Comedy Club à Paris. Wow, let's go. Vraiment, je serais ravie de vous y retrouver et vous trouver toutes les dates et les heures parce que les heures sont très précises. C'est des créneaux de 5 minutes, mais vous retrouvez tout sur mon Instagram Adèle Barbers avec un S parce qu'on est plusieurs dans ma tête. Eh ben merci beaucoup Adèle et on te souhaite un très bel été Adèle. Des gros bisous à toi. Je vous embrasse tous, Adèle. J'ai hâte de vous retrouver. Ouais, nous aussi. Salut Adèle. Bisous Adèle, bisous. Ciao. Et merci d'être passé dans cette émission. Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat, elle est en déplacement en 1963. Mais c'est le meilleur commentaire de la saison. Oui, c'est très drôle. Meilleur commentaire de la saison. Les commentaires sont toujours aussi drôles. Merci le chat de nous avoir accompagnés tout au long de la saison. Je sais que c'est aussi frustrant pour le chat parce qu'on ne peut pas, sur un plateau où il y a 5 personnes, dialoguer avec le chat comme je le fais quand je suis seul chez moi. C'est toujours la grande difficulté. On ne peut pas intégrer un chat dans une émission avec autant d'intensité que quand on est seul à la maison. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans Backseat ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent, de mieux ? Les salaires. Les congés payés. Les tickets resto.
Non, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans Backseat? Moi, j'ai plein d'idées. Hein. Tu vois, par exemple, alors, j'ai des questions qui sont ouvertes. Si on refait une saison 3, ce que j'aimerais beaucoup faire, est-ce qu'on n'assumerait pas, alors qu'on a toujours refusé de le faire, d'avoir deux politiques en plateau de bords différents qui se battent? Des débats? Moi, c'est que je n'ai pas envie de faire des débats. Ah, mais là, on sert à quoi, nous? C'est ça. Mais alors justement, ce serait probablement un format différent. C'est une idée que j'aime et que j'ai, en fait, j'ai pas la... T'es en train de nous virer, en fait. Ouais. Ah, ça parlait. Franchement, si je me fais remplacer par Naïma Moutchou, je l'éviterais mal. Moi, j'ai pas envie de faire des débats parce que la notion de débat a beaucoup perdu dans les médias, notamment audiovisuels, que c'est souvent de la polémique, de la pique et de la petite phrase, etc. Et c'est pas ce que j'ai envie d'avoir sur Backseat. Ceci étant, si on peut réussir à créer les conditions pour un échange intéressant, tu vois, par exemple, au cours de la saison, on a beaucoup parlé de union pas union de la gauche. Bon, et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas invité des gens de différents partis de gauche autour du plateau, un ou deux, voire trois, pour avoir un échange? Voilà, sur ces moments-là, je me suis dit, tiens, est-ce que cette règle que j'ai fixée dès le début de dire non, je veux pas qu'il y ait de débat sur Backseat, est-ce qu'il n'y a pas des moments où ça justifierait qu'on lui fasse une entorse? Donc ça, c'est une question, par exemple, que j'ouvre. J'ai pas la réponse. Et, en même temps, et comment on fait pour que ça se transforme pas en télé? Eh ben ça, j'en sais rien. Moi, ça, je sais pas. Parce que Carole Delga, Sandrine Rousseau, si tu veux faire ça comme débat, ça va être compliqué, quoi. Mais c'est pas intéressant, surtout Carole. Ben non, mais si tu prends l'Union de la gauche, tu sais, l'Axe Cazeneuve, machin. En fait, oui, tu vas avoir aussi des gens qui font de la politique, c'est-à-dire ils sont un peu langue de bois, ils sont un peu là, ils reviennent. Et ça, ils le seront toujours quand on les interviewe, oui, c'est pareil. Particulièrement quand on les met l'un en face de l'autre. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vraiment... plus compliqué de vérifier ce que dit l'un, ce que dit l'autre, qui a raison sur des choses très factuelles, parce que si t'es pas, on peut pas être. Ils abordent tellement une palette de sujets différents. Que c'est compliqué de dire ah ouais non là c'est lui qui est enfin ouais qui mais sur un sujet précis alors sur un point quand tu resserres sur un point précis, mais après les gens ils vont avoir chacun va avoir sa position et bah ah mais alors ça encore une fois on n'est pas d'accord, un débat n'a pas vocation à ce que les gens à la fin du débat soient d'accord les uns avec les autres. Ouais, mais ça, finalement c'est quand c'est précis après on se dit bon bah je savais que lui pensait ça, tu penses toujours ça? Oui je pense toujours ça. En revanche, il y a une fois cette saison, on a reçu deux personnalités politiques, une pour l'actu de la semaine et une pour l'interview. Et ça, c'était super intéressant et ça a été une super émission. C'était Manon Aubry qu'on a eu en deuxième, non? On a eu Gage Aubry. Oui, c'était Manon Aubry. Ouais, Aubry. Et vraiment, Gage, on était au cœur de l'actu parce qu'il venait de déposer la saisine. Il venait de déposer la saisine du Conseil d'État. Conseil constitutionnel. Sur le un conseil en tout cas sur un des conseils sur la bref, sur un truc en tout cas oui, on était oui, au cœur de l'actu la on est très content de l'avoir retraite. Oui c'est vrai ça c'était bien, ça peut être sympa. Après alors donc j'ai vu dans le chat hein, vous étiez nombreux à dire a priori débat vous êtes pas chaud, vous voyez bien le problème et je suis assez d'accord avec vous, donc c'est pour ça que c'est une réflexion ouverte mais je veux pas la fermer. Effectivement tu as raison, alors c'est aussi un parti pris qu'on avait cette saison, c'était de ne pas avoir, enfin au début on est parti dans l'idée qu'on aurait des invités actu en première partie d'émission. Le problème c'est que quand on avait des invités actu en fait ça raccourcissait considérablement la partie de l'émission que vous préfériez, parce que vous nous le disiez dans les commentaires, c'était les sujets de la semaine. Le moment où, juste avec les chroniqueurs, sans personne d'autre que nous, on parle des sujets de la semaine. Et du coup, on a pris la décision en cours de saison de dire, bon, bah, tu sais quoi, on va arrêter les invités actus, sauf grosse actu qui le justifie, et on va simplement rester avec nos chroniqueurs. Et ça, j'ai eu l'impression que ça plaisait beaucoup plus à tout le monde. Pour nous, c'était plus simple à organiser. Pour les chroniqueurs, vous aviez plus de temps pour parler. Vous, on passait plus de temps sur les sujets de la semaine. Et moi, je passais moins de temps à vous presser d'accélérer, parce que là, on a un invité qui a actu qui va arriver, etc. Donc ça, par exemple, voilà, ça c'est un choix. Mais donc, ce que ça veut dire, et ce que je vous explique, c'est qu'on est dans un environnement de contrainte où on peut pas tout avoir. On peut pas avoir des invités actuels intéressants et en même temps du temps pour discuter avec les chroniqueurs sur les sujets de la semaine. Donc, après, on l'a montré cette saison, c'est qu'on est ultra malléable. C'est-à-dire qu'il y a une émission, on peut avoir deux invités politiques. Il y a une émission, on peut avoir un invité d'actu. La semaine d'après, on n'a pas d'invité d'actu. On peut s'adapter en fonction de l'actualité aussi. Elle risque d'être riche. Ouais. Moi, j'ai un regret. Ah, oui, Jules. Parce qu'on l'avait un peu évoqué avant, puis en fait, on ne l'a pas vraiment fait. C'est de ne pas avoir eu plus de chercheurs. Des experts, ouais, c'est vrai, tu as raison. Pas experts, vraiment chercheurs intellectuels. Quoi, des gens qui font des contributions au débat public qui parfois ne sont pas faciles à comprendre, mais qu'on pourrait aider à vulgariser si on les avait sur le plateau. Ça peut être, la semaine dernière, il y a quelqu'un dans le chat qui parlait d'Emilien Roirvial, qui est un chercheur politiste spécialiste de la droite. De la droite, ouais. Et parfois, en fait, pour... il aurait été chouette sur Les Républicains. Ouais, et oui, pour bien comprendre ce qui se passe à droite, c'est parfois plus intéressant d'avoir un spécialiste de la droite que de recevoir, je sais pas, Aurélien Pradier ou je sais pas quoi. Même ça, c'est son intérêt aussi. C'est différent. Mais à la limite, un débat où il y a Aurélien Pradier et quelqu'un,
et Emilien Warvial, ça c'est intéressant. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais, c'est bien. Et parfois même avec une question, des fois ça, même si c'est limite une question plus précise et plus ciblée, te dire bon bah là on va répondre, on va essayer de répondre à cette question-là, on attend. Et t'as un politique ou un chercheur, ou même si c'est entre nous, mais de se dire ouais voilà t'as un moment, une question, si elle est dans l'actualité ou non, mais en tout cas qui est dans l'air du temps, qu'elle est à la politique, à des questions sociales et à laquelle on essaie de répondre et donner des éléments aux gens. On aurait pu mettre Olivier Dussopt face à Michaël Zemmour, par exemple, pendant la réforme. Voilà, ça c'est très sympathique. J'en connais un des deux qui n'aurait pas accepté. Ouais, moi aussi. ça se fait pas tant que ça, mine de rien. Et personne ne le fait. Non, alors je suis assez d'accord avec toi. Je note, je trouve ça intéressant, effectivement. Pas toujours facile de les convaincre de venir aussi, les chercheurs, on va pas se mentir. Oui, puis des fois, ils sont chiants comme la mort aussi. Là aussi, il va falloir accepter le fait que Baxit, avec son côté très punk, rigolo, on se tutoie, on rigole, etc. Il y a des chercheurs qui sont pas du tout habitués à ça, qui ne font que des colloques toute la journée à base de je écrit tout à fait à ce que vient de dire mon prédécesseur. J'ajouterai néanmoins une nuance. Non mais tu vois, regarde, là le Bifor cette semaine, on a parlé des libertés publiques, on a tenu à avoir Thibault Mullier, qui est un maître de conférence en droit constitutionnel, qui est venu sur le plateau. Mais il a fait des blagues. Il a fait des blagues. Il a aussi fait du maître de conférence bien chiant. Hein, c'est-à-dire qu'il nous a dit en quatre phrases qu'il aurait pu nous dire en une phrase. Hein. Tu m'as pas dit accélère. Non, je lui ai pas dit ça. Je lui ai dit ouais, non, pour dire plus simplement, Thibault, le gouvernement fait de la merde. Enfin, tu vois, non mais c'est, il faut pas leur en vouloir aux chercheurs. Hein, c'est aussi important qu'ils s'expriment comme ça. Donc. Ok, je note. Pourquoi pas recevoir des chercheurs, des intellectuels qui viennent éclairer nos discussions. Ou des gens qui ont les mains dans le cambouis sur certaines thématiques, vraiment. Je note. Je m'engage pas, je fais pas de promesses parce que. Juste pas Olivier Babeau, pitié. Il est pas chercheur, lui c'est un lobbyiste. Il est expert en rien. Il fait de la gestion. Il est expert en tout. C'est pas une science, ça. En tout et n'importe quoi. On avait Claire et Antoine, le chat le dit très justement. Oui. Alors à propos de Claire, devinez qui est-ce qui est en visio avec nous. Salut Claire, est-ce que tu nous entends Claire? Oui, je vous entends, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, ça fait plaisir de t'avoir Claire. La semaine dernière de la saison de Baxit. Toi non plus, tu ne pouvais pas être avec nous ce soir. On est très content de t'avoir avec nous. Donc, Claire, voilà, tu es chercheuse toi-même. Qu'est-ce que tu en penses de la discussion qu'on avait là? Oui, j'arrive juste au moment où ça critique les chercheurs. Oui. Parfait. En vrai, la proposition, là, je me l'étais notée, en fait, en préparant ce petit moment. Et je m'étais dit ça, notamment parce que les deux fois où on a reçu Thibault Mullier, j'ai trouvé que ça apportait pas mal au débat. Et surtout, en fait, je pense que l'intérêt de Baxit, c'est aussi d'apporter un peu de clarté et de sérénité à des débats qui, de plus en plus, partent en vrille complètement, que ce soit sur les plateaux télé ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Et en fait, les sciences sociales, ça aide pas mal à ça, parce que ça replace un peu dans un contexte global, dans une histoire plus longue. Du coup, moi, je plussois cette idée, vraiment. Okay, et Emilien Warvial, il est dans mon labo, donc je peux le convaincre de venir. T'as son 06 Je travaille dans le bureau en face de lui, et tous les lundis après-midi, il apporte des gâteaux. Donc, ça, c'est pas un argument. Personne n'a jamais apporté de gâteau à Baxit. Non, c'est vrai. Donc, ce sera le premier. S'il peut faire ça le jeudi soir, on est partant. Voilà. Non, mais écoute. Ça peut faire partie du deal. Je note, toi aussi, Claire, c'était ta première saison. C'était la première fois que tu étais avec nous. Toi aussi, un exercice particulier pour toi. On l'a dit, tu es chercheuse. Tu es aussi militante pour le climat. Tu as été candidate aux élections législatives sous l'étiquette de la NUPES. Tu vois, j'avais toujours dit que je ne voulais pas avoir de politique en chroniqueur et en chroniqueuse. Et en réalité. Politique, ça ne veut pas dire grand-chose, ça dépend beaucoup de la personne. Et voilà, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cet exercice? Alors, moi, c'était déjà un grand, grand bonheur. Vraiment, j'ai découvert un peu tout ça, le chat. J'ai fait ma première émission, c'était Philippe Martinez. Ouais. Ma dernière émission, c'était Sophie Binet. Et juste la danse. Oui, j'ai fait le tour CGT, c'est bon. Ouais. D'ailleurs, ça mériterait une casquette CGT à paillettes. Non, je l'ai gardée. C'est moi qui l'ai. Hein. Non, elle me l'a offert à moi, Sophie Binet, c'est ma mienne. Hein. Non, vous la touchez pas, celle-là. D'accord. mais en fait, bon, moi j'avais une double inquiétude du fait des multiples casquettes que je peux avoir dans différentes dimensions de ma vie, et du coup, j'ai vraiment essayé de faire attention à garder un rôle vraiment de chroniqueuse. Et je pense que le moment où ça a été peut-être le plus difficile, c'était l'émission avec Olivia Grégoire. Oui.
Elle t'est rentrée dedans, je me suis pris un peu plein la tête, mais j'ai l'impression qu'en fait, elle s'adressait vraiment à moi comme une adversaire politique. Oui. Alors que moi, en fait, j'étais là en tant que chroniqueuse et du coup, j'ai essayé de garder un peu le rôle de justement la laisser parler, la laisser dérouler. Oui, oui, alors qu'elle te rentrait dedans comme si tu étais. Ouais, voilà. Donc, c'est un des moments où j'ai senti un peu ce malaise-là. Mais à part ça, j'espère que j'ai pu apporter quelque chose et que j'ai vraiment beaucoup apprécié d'être là. Et je pense que, le côté chercheuse, ça s'est vu, notamment lorsque je fais des tunnels. Oui, mais je note, Claire, que tu as progressé, Claire. J'ai noté la petite dédicace. Ceux qui font des tunnels. Tu as progressé, Claire, et tu poses des questions de plus en plus courtes. Et c'est aussi un exercice pas facile. Je le sais très bien. Et merci à toi aussi pour ça. Donc merci du fond du cœur, Claire. Bon courage pour ta thèse aussi. Oui. J'espère que ça avance. Je me suis exilée chez mes parents avec ma pile de bouquins. Voilà. Courage à toi, Claire. Merci encore du fond du cœur d'avoir été avec nous ce soir aussi pour nous dire un petit mot pour cette dernière de la saison. Des gros bisous, Claire. Salut, Claire, bisous. Salut, Claire. Bisous à tout le monde. Donc voilà, Backstreet, c'était aussi donc une émission où nous tenons et nous continuons à tenir à inviter les personnalités politiques qui font l'actualité politique parce que ça nous intéresse, parce qu'on a des questions sincères à leur poser. On en a eu beaucoup cette année, des divers et des variés. C'est vrai qu'on a commencé très fort avec Philippe Martinez le jour de la première mobilisation contre la réforme des retraites et qu'on a continué tout au long de la saison à recevoir des députés, des ministres, des chefs de parti, un ancien président de la République. C'était assez chouette. Je me rappelle quand même qu'on a vachement galéré pendant toute la séquence retraite, quand même pendant 3 mois, à avoir des représentants de Renaissance. Clairement, ils se planquaient. Ils ne voulaient pas défendre cette réforme, ils ne voulaient pas s'en prendre plein la gueule sur les plateaux, pas que les nôtres, mais mes confrères et consoeurs. Vous avez demandé du SOPT dans les autres rédactions, oui, du SOPT, mais tout le monde veut l'avoir. Du SOPT. Tout le monde a voulu l'avoir, du SOPT, mais lui, il s'en prenait déjà suffisamment dans la gueule au Parlement, il ne voulait pas en rajouter sur les plateaux radio, télé et encore. Mais il n'avait pas l'air bien, de toute façon. Ah non, mais voilà, un ministre en pleine réforme avec un mouvement social, c'est évidemment un ministre qui a peu de temps déjà et qui réserve son temps, comme en plus il est très demandé. Dans l'offre et dans la demande des intérêts politiques, il était très demandé, donc ça m'étonne pas un quart de seconde qu'il soit pas venu sur Backseat. Mais par contre, une fois que le 49-3 était enclenché, alors là, tous ils étaient dispo, ils voulaient bien venir, ils avaient plein de trucs à dire, parce que c'était aussi les 100 jours. C'était aussi le moment où le gouvernement avait fait passer Matignon avait fait passer la consigne à tous les ministres. Là, il faut parler d'autre chose. Donc, vous allez dans tous les plateaux télé, vous parlez d'autre chose, de transport, de machin, de trucs et tout. Parlez pas des retraites, c'est bon, on essaye de clore le dossier, quoi. Donc, ça aussi, il faut le garder en tête. On est, nous aussi, otages de stratégie, de positionnement ou pas politique. On a Jean-Luc Mélenchon qui a refusé de venir débattre avec François Hollande parce qu'il a estimé que ça n'était pas dans son intérêt politique à lui. On dépend aussi de ça. Et donc, on fait notre maximum pour avoir des gens différents dans ces émissions. Comment vous les avez trouvés, vous, nos invités politiques, cette année, Jules? Bon, moi, par rapport à ceux de l'année d'avant... Fidèle eux-mêmes. C'est rigolo parce que Claire a dit, moi, une fois, je me suis fait target. J'ai eu Olivia Grégoire qui s'est acharné sur Claire à un moment. Et moi, j'ai un peu l'habitude que d'habitude, ce soit moi. Donc, vous qui êtes marxiste, machin. Alors là, la semaine dernière, c'était vous aimez pas la police. Guérini, un peu, ouais. Pour la petite anecdote, en plus, t'étais prévu sur cette émission-là, mais t'étais malade et je t'ai remplacé au pied levé en arrivant 2 minutes avant Olivia le direct. Grégoire, ouais. Et donc, à la base, Olivia Grégoire, je pense qu'elle t'avait comme target. Et que malheureusement, Claire n'a été que le choix de repli. Mais je tiens à rappeler qu'on n'attaque pas les copains ici, que Claire a été vengée et qu'Olivia Grégoire s'en souvient encore. Non, mais souvenir de Normandie. Ce qui est marrant, c'est par rapport au débat qu'on avait juste avant sur justement le fait de faire des débats entre des politiques, c'est de voir qu'en fait, ils retrouvent aussi ces réflexes-là de dire bon, alors c'est qui l'adversaire, c'est qui que je vais. Et parce que ça les rassure aussi. Y compris avec de l'ad hominem. Recréer une conflictualité ou en tout cas la régler de manière interpersonnelle presque. Donc c'est marrant. Parce que c'est la manière dont ils savent communiquer. Ils savent tellement pas s'adresser aux jeunes qui sont nous notre cible et la manière dont nous on communique avec eux, je pense que c'est pas du tout dans leur logiciel pour le coup. On voit ça, attends, juste dernier point, on voit ça aujourd'hui avec le traitement de ce qui s'est passé à Nanterre. C'est-à-dire, il y a des questions qui se posent, des questions politiques, des questions sociales, et leur obsession c'est de dire les insoumis, regardez, ils n'ont pas appelé à la violence. C'est-à-dire, dès que
que dès qu'il y a, il y a des trucs où on leur dit vous êtes au pouvoir, c'est vous qui êtes au pouvoir, vous pourriez nous rendre des comptes, enfin on aimerait bien des explications. Oui mais les insoumis, ils ont fait obstruction. Oui mais machin, la gauche a fait ceci. Donc ils conflictualisent. Si, bon. Bah, c'est que plutôt que de répondre de leur truc, ils préfèrent attaquer ceux qui posent les questions ou ceux qui posent les problèmes. Oh, demeurons pas les seuls. Et oui, non mais c'est mais quand t'es au pouvoir, c'est normal d'être attaqué. Tu rends des comptes. Mais attaquer quelqu'un qui soit pose des questions ou est dans l'opposition, c'est-à-dire qui a assez peu de pouvoir, et de dire c'est eux qui, c'est de leur faute, tout est de leur faute. On a vu ça quand même, ce grand bal de voilà, pendant quand même assez des mois et des mois, quoi. Tout est de la faute de la France Insoumise, notamment. Et quelqu'un qui a l'impression que LFI est au pouvoir depuis 6 ans. Voilà. Dès qu'il y a un problème, c'est la faute à Jean-Luc. Il y a eu un autre commentaire qui m'a fait rire, je suis désolé. Tout le monde l'a eu, hein. C'est le commentaire qui se demandait si Sacha se gauchisait de plus en plus cette saison. Alors, on peut poser la question de manière très vulgaire, est-ce que Backseat est une émission de gauche ? Alors, moi, je me gauchise pas. Ouais. D'accord. C'est pas grave, t'as le droit de pas te gauchiser. Est-ce que Backseat est une émission de gauche ? Alors, est-ce que la pluralité... C'est à Sacha de répondre à cette question. Des points de vue de... Pourquoi c'est à Sacha d'y répondre ? Est-ce que tu te sens en terrain hostile ? Sacha. Non, je me sens pas en terrain hostile parce que je pense qu'on arrive à débattre entre nous de manière assez posée, assez calme, et qu'on arrive tous à s'écouter les uns les autres, même si on n'est parfois pas d'accord. Est-ce que ça fait de cette émission une émission de gauche, le fait de réussir à débattre sans qu'on s'engueule tous les uns aux autres? Je suis pas sûre. Après, le fait est que encore une fois, en invité. On subit un peu la situation parce que les gens de droite ne veulent pas venir. Aurélien Pradier avait accepté l'exercice et ça s'était très bien passé. Ah ouais, c'était vachement intéressant. Il y a aussi des membres du gouvernement qui sont venus. Bon, ça s'est plus ou moins bien passé, mais par exemple, Stanislas Guérini, moi j'ai trouvé ça super intéressant la semaine dernière. Oui, il était chouette. Il était chouette. Il a accepté l'exercice, c'est-à-dire qu'il est rentré dans la discussion. Voilà, c'est ça. Et en fait, je pense qu'on paye un peu ça aussi. On paye cette image-là parce qu'on a des invités qui, parce que les gens de gauche sont ultra chauds pour venir, en fait. Oui, mais bien sûr. Et les gens qui sont. Non, mais c'est même un autre problème, c'est que en fait, tu peux aller plus loin que ça. C'est-à-dire que Backseat. Moi, j'ai toujours posé le principe que la haine, la discrimination, le rejet de l'autre était un cordon indépassable et que ce n'était pas accepté sur un plateau, donc il n'y aurait pas d'invité politique d'extrême droite et évidemment encore moins de chroniqueur. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est vrai qu'on peut légitimement trouver que les expressions qui s'expriment le plus dans cette émission sont plutôt penchées vers la gauche que vers la droite ou vers le macronisme, si vous ne le mettez pas à droite comme vous voulez, peu importe. Le fait est que de la même manière que c'est très difficile de faire venir des gens de droite en invité politique sur Internet parce que, pour un milliard de raisons, en fait, ils n'ont pas trop envie de s'adresser aux jeunes, en tout cas ceux qui ne sont pas d'extrême droite, parce que c'est très différent avec l'extrême droite qui veut une vraie stratégie jeunesse, on l'a bien vu avec la campagne de Zemmour, c'est difficile de trouver des chroniqueurs pas de gauche. Parce que la gauche, c'est vrai, depuis le début du populisme de gauche des années 2010, a vraiment marqué des points sur Internet, dans la culture web. Il y a, c'est vrai, une surreprésentation de la gauche par rapport à la droite bon teint, par rapport au macronisme. Le macronisme qui est au pouvoir depuis 6 ans n'a pas réussi à créer un seul YouTuber macroniste. Il n'existe pas de chaîne YouTube d'un mec ou d'une nana qui prend la parole pour défendre le gouvernement. Ça n'existe pas. Ils ont tenté avec Max Payet. Il y en a pas mal qui font des partenariats, etc. Mais le truc, c'est qu'ils ont appelé à voter Mélenchon. Enfin, Carlito a appelé à voter Mélenchon la veille du premier tour. Oui, Carlito. Voilà. Non, mais tu vois, c'est aussi, il faut reconnaître, on évolue dans un environnement qui est la culture web francophone des années 2020. Et que le fait est que, je suis désolé, des jeunes sur Internet qui ont une culture web qui soit de droite sans être raciste, ça n'existe pas. Ou alors ils veulent pas se mouiller, c'est-à-dire ils sont de droite normale. Ils parlent pas de politique. J'ai YouTubeur en tête, voilà. J'en connais plein, voilà. Mais bien sûr, mais ils veulent pas parler de politique parce que c'est clivant. Et quand on est de droite, on pense d'abord à son business. c'est normal, hein. Voilà, on en connaît plein des YouTubeurs comme c'est ça. C'est vrai, c'est faux, parce que encore une fois, la droite a connu des grands moments de jeunesse. Hein. 93-95, 2006-2007. Jeunesse sarkozyste, les jeunes pop et tout. Il y a eu une époque où. C'est qui il faut faire venir ? Qui ça ? Nikki Shay. Oui. Non, mais Nikki, tu sais le nombre de fois que je lui ai proposé de venir et que voilà, elle veut pas. Donc, qu'on aime. On lui passera le message. Et voilà, donc voilà. Moi, je suis le premier à trouver que parfois, Backseat penche trop à gauche
non pas que j'ai un problème avec la gauche, mais que, en tout cas, ce n'est pas l'ambition éditoriale que j'ai pour Baxit, et ça, je l'ai toujours positionné. Mmh. Baxit n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais un safe space de gauche qui s'adresse à des gens de gauche pour leur dire des trucs de gauche avec des gens de gauche pour leur dire qu'ils ont bien raison d'avoir raison d'être de gauche. Ça, ce n'est pas Baxit. Ça ne sera jamais Baxit, et je n'ai pas envie que ça le devienne. De l'extérieur, moi, je n'avais pas, pas cette perception-là. Ah ouais ? Je suis trop à gauche. Mais... Peut-être. Peut-être, mais je n'avais pas, ouais, pas, pas du tout cette image-là. Ok, ok. D'accord. Ça fait partie des critiques que je reçois le plus. Baxit, c'est clairement une émission de gauche, c'est trop à gauche, etc. Bah toi, je ressentais que tu faisais bien attention à doser, tu vois, à ajouter des éléments parfois factuels quand ça allait trop dans l'opinion. À part quand il y a trois personnes de gauche autour du plateau, je suis obligé d'être l'avocat du diable, ouais. Mais de l'extérieur, moi, j'ai pas. Ouais, mais après. Les biais, quoi. Ouais, les biais, ouais, sans doute les biais. J'ai jamais fait d'émission avec un invité de gauche. Il y a eu François Hollande. Voilà. Le débat est ouvert. Mais sinon, je n'ai été qu'avec des élus de la majorité ou des élus de droite. Du coup, l'émission La gauche entre soi, je ne l'ai pas sentie, quoi. Ok, ok. Elle m'est beaucoup reprochée à Baxit. C'est un traquenard de gauche, c'est encore une émission de gauchiste, etc. Bon, bah écoute, pas grave, c'est comme ça. Nous, on continue à faire ce qu'on fait et on sait pourquoi on le fait. Petite anecdote aussi. Après, on va enchaîner, mais vas-y. En une minute, ce qui me fait aussi beaucoup trop rire, c'est quand on reçoit des invités et qu'ils font leurs collaborateurs, leurs conseillers, leur font à chaque fois des petites fiches pour leur expliquer ce que c'est Baxit, avec qui, etc. Et moi, quand je suis à côté des invités, mon gros kiff, c'est de regarder. C'est de regarder, d'essayer de jeter un petit coup d'œil et tout. Et alors ? Il y a nos noms, il y a un peu nos bios. Ouais. Il y a un peu l'émission, il y a le nombre de viewers et vous êtes archi nombreux et vous allez tous faire des noms. Mais voilà, je sais pas, je sais peut-être qu'il y a un ordre, le plus dangereux au moins dangereux, je sais pas. Pour ça qu'ils me disent toujours être marxiste, c'est juste en fait ils ont ma bio Twitter. Ouais, c'est ça. Voilà. Désolé là, Chifa. Exactement, ils connaissent pas. On va faire un tout petit point avant d'enchaîner. Vous avez été 250 nouveaux et nouvelles donateurs et donatrices depuis le début de cette émission. Merci beaucoup à vous pour vos dons. On approche des 90% de la barre de dons pour boucler cette saison arrivée dans nos frais. N'hésitez pas à faire des dons, même 1 euro, 2 euros, toutes les personnes qui regardent cette émission en direct et vous aussi qui nous regardez en replay sur YouTube. Allez-y, faites des dons. On va réussir, grâce à vous, à arriver à l'équilibre financier sur cette saison Baxit. Merci notamment à Benoît qui a fait un don de 123 euros. 1, 2, 3, c'est rigolo. Merci Benoît, du fond du cœur. Où est passé votre pognon ? Et ça aussi, c'est un truc, une fois n'est pas coutume, hein, parce que personne ne fait ça dans les médias, mais on va vous dire où est passé votre pognon. C'est vous qui avez financé cette émission. On a préparé des petits graphes pour vous montrer comment s'est passé Baxit. Je vous rappelle que Baxit, cette saison, voilà, ça a été une campagne de financement participatif en grande partie. Les sources de financement de Baxit, vous le voyez, ça a été 60%, presque 59,3% de Utip. Je vous rappelle que Utip a fermé en cours de saison. KissKissBankBank est venu rattraper juste derrière avec 12,7% du budget. Alors là, vous l'avez mis entre petits, j'arrive plus à lire du coup. Le CNC, avec ses 30 000 balles qui a rapporté plus de 20% du financement. Okay. Le Wiz Event, ça c'est les places. C'est vous, le public, qui venez ici dans les studios de tournage à Paris pour suivre l'émission. 13% du budget. Et enfin, Redbubble. Redbubble, c'est les ventes de t-shirts. C'est le shop, les t-shirts, les coques de téléphone, les gourdes, etc. Ça, ce n'est que 1,1%. Attention, parce que dans Utip, il y avait aussi l'ancien shop qui était dans Utip. Et en plus, With Event, il n'y avait pas non plus. Et tout. Donc désolé, hein, la fermeture de Utip, ça fout le bordel. Mais vous avez compris. Donc voilà, pour vous rendre des comptes, voilà d'où viennent nos sources de financement. Et je vous rappelle que ça sert à financer quoi ? Baxit, c'est 16 000 euros de budget par émission pour produire. Ça paye l'ensemble des équipes techniques, des équipes éditoriales et des équipes logistiques diverses et variées et de production. Voilà les dépenses par émission. Voilà comment ont été répartis ces 16 000 euros par émission. Les équipes, alors équipe ça veut rien dire, hein, ça veut dire éditorial, production, journaliste, assistant plateau, chef opérateur, ingé son, réalisateur, technicien, vidéo, ça ce sont toutes les équipes, toutes les personnes qui travaillent sur chacune des émissions. En dessous il y a écrit émission, c'est ça qui veut dire éditorial, pardon, chroniqueur, présentation, quiz, montage, réseaux sociaux, excusez-moi, j'aurais dû revoir mieux. Le matos, c'est le matos, caméra, micro, lumière, je vous rappelle que c'est monté et démonté par les équipes de Gozulting chaque jeudi, avant et après les émissions. Plateau régie, ça c'est la location du lieu.
C'est ce qu'on dépense pour juste louer la salle ici qui s'appelle l'Arena, là où on a ce grand écran derrière moi, les gradins, etc. et la régie équipée. Et le reste, autre, donc c'est la billetterie, le catering, les frais de production, etc., la logistique. Donc voilà la répartition. Il y a un peu du fonds Marianne aussi, mais on l'a pas dit. Absolument pas. On a fait plus de 20 émissions grâce à vous. Peut-on espérer une baisse du budget matos à l'avenir si les investissements sont réutilisés ? Non, on n'a pas acheté le matériel, on loue le matériel. Enfin, ça fait partie du package de Gozulting, donc qui est la boîte de production exécutive, puisqu'ils apportent leur matériel et leur équipe technique qui utilise leur matériel chaque semaine. Donc on paye le matériel plus les équipes techniques dans chacune des émissions. Pourquoi ne pas se séparer le CNC et les partenariats ? Parce que c'est de l'argent hors financement participatif. C'est pour ça qu'on l'a rejoint. Donc voilà. C'est la réunion d'actionnaires, là, ils donnent tous leur avis. En même temps, c'est les donateurs, hein. c'est grâce à vous. Parce qu'à tout moment, voilà. Elise Lucet peut se lever, c'est voilà. Exactement. Elle est dans le public. C'est quoi le catering ? Le catering dans le jargon, c'est la bouffe, donc c'est les nems. Les nems. C'est les nems et les bières. J'ai plus le droit. Donc voilà, pourquoi ne pas se séparer de l'argent ? Pourquoi ne pas arrêter de payer les salariés ? C'est une très bonne question, je n'y répondrai pas. Donc voilà, merci à vous pour vos dons, merci pour votre financement. Je sais ce que c'est, je sais que c'est pas facile de demander de l'argent, déjà à des jeunes qui n'en ont pas beaucoup, vu que c'est la galère pour tout le monde, on en a parlé, inflation, tout ça, tout ça. Je sais que c'est dur de vous demander de l'argent pour une émission politique qui n'est pas le sujet le plus fun, qui n'est pas le sujet le plus facile, et je sais que vous êtes très sollicités sur Internet par tous les créateurs de contenu qui vous demandent de les aider à financer ce qu'ils font. Donc merci beaucoup d'avoir donné à Baxit, et je sais d'autant plus que c'est pas facile de vous demander de l'argent pour une émission qui n'a pas toujours vocation à vous plaire, c'est-à-dire aller dans le sens de vos idées, aller dans le sens, pour vous caresser dans le sens du poil et tout. Baxit, c'est aussi une émission qui n'est pas toujours facile à financer, parce que je vous demande de l'argent pour financer une émission qui parfois va un peu vous irriter. Vous plaît pas. Qui va un peu vous irriter, mais voilà, payez votre poil à gratter, il est important en démocratie. Donc merci à vous du fond du cœur, merci à tous les partenaires. Je vous propose qu'avant de faire les remerciements les plus formels, on enchaîne avec le moment que vous attendez tous. C'est parti pour le quiz à la con. Alors, pour commencer ce quiz à la con, très important, on est à la dernière émission de Baxit et de la saison, et sachez qu'on a tenu les comptes tout au long de la saison sur les scores au quiz à la con. Nous avons donc un visuel pour vous montrer où vous êtes placé, et nous avons un ex-écho entre Barbara Pompili et Sophie Binet pour les invités politiques qui ont fait le quiz à la con. Oui. Est-ce que vous l'avez en régie, le visuel, ou pas ? Voilà, il est là. Donc on a un top 1 ex-écho. Bravo. 4 bonnes réponses sur 5. Sophie Binet et Barbara Pompili sont les deux seuls invités politiques cette année à avoir eu 4 bonnes réponses sur 5 au quiz à la con. Bravo à L2. Félicitations. Et pour les chroniqueurs, alors, hein, on a un champion pour l'instant. Regardez, on a un champion, c'est Antoine Bristiel. Antoine Bristiel, il est le seul à avoir fait un perfect sur une émission. Oh là. Et il a 60% de bonnes réponses. Ensuite, on a Feu Chloé Ridel avec 55,5% de bonnes réponses. Latifa, tu es à 50%. Usul, tu es à 50%. Sacha, tu es à 46,5%. Malek, tu es à 41%. Claire, tu es à 37%. Adèle est à 38% parce qu'elle a fait deux quiz à la con avec nous. Et Léa, fidèle à elle-même, évidemment, toujours en clôture de plateau, comme la saison 1. Ben, comme la saison 1, voilà, Léa, c'est Léa. Non, mais elle répond pour le fun, des trucs. Oh, personne n'a répondu ça, je vous réponds de ça. Et la nonchalance de Léa. La nonchalance la plus. La désinvolture, j'ai envie de dire. Donc voilà où on en est. J'en profite pour faire un gros tonnerre d'applaudissements à Antoine Bristiel, donc, qui pour l'instant est notre champion de l'année. Tonnerre d'applaudissements pour Antoine. Bravo Antoine. Antoine, qui, sachez-le, Antoine, qui a tenu à nous envoyer une petite vidéo lui aussi pour parler de ça justement. Antoine, c'est à toi. Salut les amis, alors je peux pas être avec vous ce soir, mais je voulais quand même vous faire un petit coucou, surtout juste avant ce grand moment de l'émission et de vie qu'est le quiz à la con. Alors on m'a dit que jusqu'à ce soir j'étais en tête, et ce qui montre bien finalement qu'à rebours de tous les discours sur la méritocratie, le fait de juste copier les réponses sur Sophie Binet et le chat, bah, ça marche bien. Et j'espère aussi que Usul et Latifa vont pas faire trop de points ce soir, mais je pense que je leur ai transmis suffisamment de valises d'argent là pour qu'ils se foirent bien comme il faut et que je puisse remporter ce beau quiz. Et voilà, je vous fais des bisous et à bientôt, on se revoit vite. Merci beaucoup Antoine pour ce petit mot. Et effectivement, comme l'a dit Antoine, ce soir, il est possible qu'il soit détrôné par Latifa ou Usul, si et seulement si
vous faites un perfect. Oh, waouh. On n'a pas été foutus de le faire de l'année. Et là, on y arriverait comme par magie. Ce serait un beau moment. Ça va être dur. Mais j'y crois peu. Le mental. Ouais. Le mental. Première question de ce quiz à la con. Si le palais de l'Élysée était un appart avec jardin. Allez. Et que combien vous décidiez de le louer. Une bouteille de lait dans. Ouais, c'est encore des questions à la con. T'étais pas content. Ouais, j'ai envie de râler direct. Non, mais râle. Ouais, voilà. Si le palais de l'Élysée était un appart avec jardin, évidemment, et que vous décidiez de le louer, ça vous reviendrait à combien par mois? Question de bourgeois, là. Réponse. Se pose des questions que nous, on se poserait jamais, nous qui venons des classes populaires. Mais c'est pour rigoler. Arrête, t'es chiant, c'est pour rigoler. Réponse A, 50 000 euros, franchement, c'est donné, mais le proprio est un peu con. Ah. Réponse B, 200 000 euros et le quartier est hyper sympa. Réponse C, 400 000 euros, la tranquillité, ça n'a pas de prix. Réponse D, 1 million d'euros pour les étudiants en galère. Je vais faire comme Antoine, je vais regarder le chat. Non, maintenant. Le chat, il est là. Pourquoi tu regardes sur ton téléphone? Parce que, oui, je sais pas, je verrai mieux. Donc voilà, on a calculé à partir du prix au mètre carré dans le quartier. Wow, avec l'encadrement des loyers, évidemment. Ah ben non, ils l'ont supprimé. Ah bah oui, c'est vrai. Ah bah oui, du coup. Du coup. Ah non, mais je m'appelle Stéphane Plaza. Il y a Sacha qui est en train de faire des calculs dans sa tête. Non. Meublé ou pas, on demande dans le chat. Oui, l'Elysée, c'est meublé, oui. Mais du coup, c'est un peu moins cher. Non, c'est pas moins cher. Avec le personnel de service, non, on n'a pas comptabilisé le personnel de service. Tu as raison, c'est uniquement le Nemo. Meublé, mais ouais, sans Macron. Alors, tu peux le prendre en coloc si tu veux avoir quelqu'un qui t'aide à payer le loyer. Pour diviser les frais un peu. Alors, vos réponses. Ouais, 400 000 euros, la tranquillité. C'est ultra tranquille comme quartier, il n'y a pas à dire. Ah, on se fait chier maintenant, tu peux le dire. Ouais, exactement. Alors après, t'as la place Beauvau au bout de la rue. Hein. C'était vraiment avoir envie d'habiter à côté de Darmanin. J'ai un copain qui vient d'emménager. Tu veux encore plus te faire chier. Sérieux? J'ai un copain qui vient d'emménager juste derrière, donc je vais pas donner son adresse. Il a un 06 ou pas? C'est. Oui. Non, mais... Je rigole. Et c'est un plaisir de se balader dans son quartier, puisque. Il n'y a pas un chat, quoi. Mais d'où t'as des potes qui habitent dans ces quartiers-là, toi? C'est... Bon, la vie. Non, mais écoute, tant mieux. La vie, et pour le coup, il vient... C'est... Ok. Voilà, il y est depuis 2 mois, alors qu'il vient d'un endroit un peu plus compliqué. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je vais répondre C. Toi, tu réponds C, 40 000... 400 000 euros par mois. Ouais. Toi aussi, Sacha, ouais. 400 000 euros par mois, d'accord. Latifa et Usul. Deux seuls qui comptent vraiment. Ouais. Non, mais non. Nous, attendez, j'ai envahi par la pression là. J'ai 3,5% avec vous, c'est pas rattrapable genre ce soir. Non, même toi, même si tu fais un perfect, tu dépasseras pas Antoine. Non, mais tu peux rattraper Usul et Latifa et finir deuxième. Ah oui, ça par contre, je pense que oui. Ça c'est faisable. Ouais. Ah ça oui. Ah, donc on peut tomber plus bas quand même. Ah oui, exactement. Si vous faites un. Oui. Il faut quand même donner des réponses aux questions. Hein. Ben, moi je réponds C comme réponse. Ah ouais, moi aussi. Et ben vous pouvez tous répondre C si vous voulez. Une blague. Parce que si je réponds tout comme Sacha. Je sécurise ma place devant Sacha. Ça, c'est vrai. Et ouais. Et donc, tout le monde a répondu réponse C, 400 000 euros. Le chat aussi a répondu réponse C. Bravo à tous, c'est la bonne réponse. Yes. Unanime, félicitations. Le palais de l'Élysée a une superficie de très exactement 11 179 mètres carrés. Le palais compte 365 pièces, dont 90 en sous-sol. Et le parc mesure 1,5 hectare. Voilà, sachant que le prix au mètre carré dans l'arrondissement, c'est 33 euros du mètre carré, ça nous donne 396 000 euros, soit pratiquement 400 000 balles par mois. Et vous n'avez pas de vis-à-vis. Deuxième question de ce quiz à la con. Comment Jacques Chirac surnommait-il sa femme Bernadette? Réponse A, Biquette. Réponse B, Bourriquette. Trentenette. Réponse C, Bichette. Réponse D, Magotte. Évidemment. Ah... Je le vois trop dire Biquette. Mais ouais, j'avoue, Biquette, ça... Hein non, mais... C'est horrible, on est d'accord. Déjà, je les ai déjà rencontrés tous les deux et ils se vous voient. Alors, c'est bizarre qu'ils l'appellent... Mais quand elle est pas là... Biquette, vous? Pour info, je donnerai ma réponse après Usul et Latifa. Ouais. Ça peut durer longtemps. Non, on est déjà en retard en plus d'être chiant. Non. Okay. Premier deck. Moi, j'ai rien de prévu après. Si. Malek. Biquette, hein, je reste dessus. Toi, tu restes sur Biquette, réponse A. Okay. Vouvoiement plus Biquette. Vouvoiement. Plus Biquette. Ok. Sacha. Attends. Moi, je vais dire Biquette aussi. Moi, toi, je vais dire Bourriquette. A. Toi, tu dis Latifa, tu dis Bourriquette, réponse B. Sacha. Moi, je dirais Bourriquette aussi. Bourriquette, réponse B. Là, tout va se jouer maintenant, là. Wow. J'ai l'impression que c'est des tirs au but. Je suis là, genre, en pression. C'est le maillon. Attends, je vais checker le chat.
Bon, faut pas que je me mette la pression. Bourriquette, c'est tellement Jacques Chirac. Ouais, j'ai le chat, pour l'instant, il est sur la réponse A en majorité. Ouais. On va accélérer un petit peu. Donc, Biquette également. Eh bien, la bonne réponse, chers amis, c'est la réponse B, Bourriquette. Merde. Wow. Ouais. J'arrive. Donc voilà, la source. Il l'appelait la tortue. La source scientifique, c'est Closer Mag. Les sources importantes. C'est important. Vous vous rendez compte quand même le boulot que c'est pour Max de préparer ça. Il doit lire des documents et tout. Voilà. Troisième question de ce quiz à la con. Une seule de ces citations est d'Emmanuel Macron. Toutes les autres sont des montages que j'ai trouvés sur le mur Facebook de ma tante. À vous de la trouver. Et ce sera donc en image. La régie, vous pouvez envoyer la première image. Quoi qu'il arrive, croyez en la vie, croyez en demain, croyez en ce que vous faites, wow. Et surtout croyez en vous. C'est tellement Macron, purée. Ouais. Réponse B. Oh, ça, c'est joli. Restons unis, bienveillants, solidaires, restons du côté de la vie. Mais ça l'est aussi, quoi. C'est... Réponse C. Pourquoi... Lorsqu'on regarde dans la bonne direction, il ne reste plus qu'à avancer. Ou réponse C. C'est le fait de rester simple qui vous rend exceptionnel. Une seule de ces elles citations toutes, est vraiment de Macron. Elles sont tellement citations Facebook, toutes. Absolument. Et c'est vraiment Max qui a retrouvé les autres sur le mur Facebook de sa tante. De sa tante. Voilà. On l'embrasse. Les inspirational quotes, laquelle est de Macron ? Tiens, je le vois tellement dire ça en interview 13h avec Gilles Boulot. C'est... Non, ou tu sais, dans un hommage national un peu pourrave. Aussi. Ouais, parce qu'il a dit de ces trucs, c'est comme. Il dit faire printemps. Ouais. Pensez printemps, voilà. Et mais tu sais, en plus, c'est une manière de dire des choses très inspirées. Quand tu fais des discours comme ça, regarde vers le lointain. Ce comédien. Bon, la B et la C sont assez crédibles. Hein, ouais. Pour, des réformes, là, lorsqu'on regarde dans la bonne direction, il ne reste plus qu'à avancer, mais tu sais, il pense réforme, tu vois. Par contre, Emmanuel Macron dire rester simple, ça me paraît pas. Ça colle pas au personnage. Oh. Allez, moi je dis. Tu sais, les choses très concrètes. Le croyant, le fromage, vie. Le jambon. Voilà, elle me paraît quand même crédible. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai, croyant en la vie. Vous voyez Emmanuel Macron dire croyant en la vie. Écoute, cette phrase A fait très entrepreneur de TikTok, Yomi Denzel ou Samahama. Oui. C'est très cliché, mais c'est très Emmanuel Macron. Ouais. Ah non. En fin de meeting, je le vois tellement. Mais il est pas niais comme ça. Mais si. Si, quand il s'y met, si. Non, parce que la B, c'est trop nier quand même. Ouais. De rester du côté de la vie, bah oui, enfin, qui. Sinon, bah, croyant du côté de la mort. T'es pas du côté de la vie, toi, peut-être. Croyant, c'est ce que vous faites. Et surtout, croyant en vous. Bon, alors, vos réponses. J'aurais pu dire ça. Réponse A pour moi. Réponse A pour Malek. Également, réponse A. Réponse A aussi pour Latifa. B. Réponse B pour Sacha. Et la D pour moi. Réponse D pour Usul. Rester simple. Je suis sûr qu'il est persuadé qu'il est resté simple. Ah non. Et le chat répond réponse C à 41%. Ah ouais. La bonne réponse, chers amis, c'est la réponse B. Putain. Wow. Qu'est-ce qu'il a donné ? C'était qui déjà ? C'est toi, Sacha. Bravo, Sacha. Okay, okay. C'est une phrase qu'il a prononcée lors de ses vœux en 2022. Vous ne regardez pas les vœux du président de la République le 31 décembre. Bah, on est sur autre chose. En 2022. Non, mais ouais. Quatrième coupe de champagne. Bon. Restons du côté de la vie, ouais, j'avoue. Fin... Donc, c'était bien ça. Restons unis, bienveillants, solidaires, restons du côté de la vie. À part pour sauver quelqu'un d'un. La vie, la vraie. Jeter d'un haut d'un immeuble, ouais, je. Non, mais reste. Reste du côté de la vie. Saute pas. France que j'aime. Voilà, Covid. Non, 2022. Non, 2022. C'était déjà fini, non ? Aucune excuse. Quatrième question de ce quiz à la con. Qu'est-ce que George Washington et Thomas Jefferson avaient en commun avec Snoop Dogg et Dr. Dre ? Waouh. Réponse A. Ils ont habité à Camptown. Réponse B. Ils faisaient pousser du cannabis. Réponse C, ils ont chanté à la Maison Blanche. Réponse D, ils ont tous les quatre un gros thug life tatoué dans le torse. Pardon. Wow. Only God can judge me. Only God can judge me, oui. Qu'est-ce que George Washington et Thomas Jefferson avaient en commun avec Snoop Dogg et Dr. Dre ? C'est où Compton ? C'est Straight Outta Compton qui était un titre... Grand Ouest ?
C'était pas le titre d'un des premiers albums de rap les plus ouf des États-Unis, Straight Outta Compton, qui vient de Compton, qui est un quartier en fait, qui est un quartier reconnu. Alors de Los Angeles. C'est un quartier. Ouais, c'est ça. C'est à LA, ouais, ça, c'est un quartier de LA, Compton. D'accord. Et c'est un peu voilà, la naissance. Bon, moi, je vais faire la réponse de Stoner. Moi. Il faisait pousser du cannabis. Ouais. Et on a passé les 90% sur la barre de dons. Merci à tous. Merci, merci, merci pour vos dons. Merci pour vos dons. Vous pouvez encore donner un euro. Et si vous donnez tous un euro, on va y arriver. Merci du fond du cœur. Excusez-moi. Aurore Berger, oui, à qui tu écriras une lettre d'amour. Je rappelle, promis. Si on arrive à 100% à la fin de, fin de l'émission. Latifa. La B. Toi, tu dis réponse B, ils faisaient tous pousser du cannabis. Usul. Ouais, moi aussi. Toi aussi, réponse B, ils faisaient tous pousser du cannabis. Pareil, légalisons. Réponse ouais, B aussi pour Malek. Bah, c'est la seule anecdote que je connais sur Snoop Dogg et Dr. Dre des quatre propositions. Donc, Tu connais pas d'anecdote sur George Washington et Thomas Jefferson ? Non. D'accord. Pas de ces quatre-là. Quoi. Donc tu donnes réponse B aussi. Ouais. Le chat aussi donne la réponse B. C'est unanime et c'est probablement parce que c'est la bonne réponse. Effectivement, oui. Oui, le chanvre était utilisé à l'époque pour la fabrication de vêtements, de cordes ou de toiles. Ils avaient tous les deux une femme qui en produisait. On peut par exemple lire dans le journal de George Washington, prenez le plus possible de graines de chanvre indien et semez-en partout. Citation, George Washington qui vous disait ça à vous. Voilà, donc oui, effectivement, ils ont bien tous fait pousser du cannabis. Excellent. Cinquième et dernière question de ce quiz à la con. Qui a utilisé quoi? Ouf. Réponse A, Franklin Roosevelt a roulé dans la Cadillac d'Al Capone. Réponse B, César Gaviria a hérité de la Porsche de Pablo Escobar. C'était le président colombien. Absolument. Réponse C, Valéry Giscard d'Estaing a fait repeindre la BMW de Jacques Mérine. Je pense qu'il y avait des trous dedans. Réponse D, quelque part. Je me suis dit exactement la même chose en lisant la réponse. Réponse D, George W. Bush a hérité de l'avion de Ben Laden, mais la livraison s'est mal passée. Oh, c'est pas bien, ça. Quoi, tout soon ? Ah, celle-là ? Ah, ça vous choque ? Oh, bah, bravo. Ah non, moi, j'aime bien, moi. Il y a des gens dans le chat qu'on fait... Oh, ouais, oh, non, mais voilà. Mais je pense que c'est la blague la plus limite de l'année. Ah, on a fait bien pire. Tu vois, le truc 11 septembre, machin ? Il y a des blagues sur les juifs la semaine dernière. Même Guérini, il était gêné. Il a fait, bon, bah, je vais y aller. On a fait ça ? Ouais. Ah, il y avait une blague sur le mec d'extrême droite là qui a découvert qu'il était juif. Ah, oui, c'est marié en Israël. Ah, bah, justement, j'ai dit, ouais, c'est chaud les blagues sur les juifs, tu vois. Non, tu l'as pas dit. Je l'ai pensé. Bon, eh ben, on s'en fout, on l'assume, celle-là. Elle est valide, voilà. Le chat dit qu'elle est valide, c'est bon, elle est valide. Alors, parmi ces quatre propositions, il y en a une qui est vraie. Est-ce que c'est Franklin Roosevelt qui a roulé dans la Cadillac d'Al Capone ? Est-ce que c'est César Gaviria qui a hérité de la Porsche de Pablo Escobar ? Est-ce que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a fait repeindre la BMW de Jacques Mérine ? Ou est-ce que c'est George W. Bush, qui a hérité de l'avion de Ben Laden ? Moi, je votais pour... Vas-y. Moi, je vote pour la A. Ouais, moi aussi. Franklin Roosevelt qui a roulé dans la Cadillac d'Al Capone, carrément. Bah parce grand qu'on se dit Al Capone, ils lui ont saisi des trucs, quoi. Ouais. D'accord. Ouais. Sacha, moi, je Malek. Suis entre la A et la B. Moi, je vais dire la B. Toi, tu dis la B. Moi, je me dis, ouais, c'est la A, parce que c'est vrai que pour la B, il a un peu galère. Il s'est dit, je vais reprendre un peu le modèle que la A, changer, hériter d'une voiture. C'était-il le président en Colombie ? Il est allé vérifier. Tiens, Gaviria, un bandit, alors. Pablo Escobar, le président, ça Vous marche. Vous pensez que Max n'a pas assez de culture ? Non, et mais... que du coup, il trouve des trucs qu'aux États-Unis parce qu'on est dans un monde mondial. Non, mais pour trouver une fausse, il faut imaginer une fausse, tu vois, c'est pas simple. C'est vrai. Non, parce que ça sent que c'est un décalque, parce que sinon, ça aurait été le président de la Colombie à hériter de la Porsche de Pablo Escobar. Parce que là, on sent qu'il a voulu faire un décalque et donc du coup, il allait chercher. C'était qui le président de la Max, t'es cramé. Sacha, t'en penses quoi, toi? Non, la A. Toi, tu dis la A. Il est où, Max? Il est là, hein? Il est là ce soir, Max? Bah, il est passé. Oh, le gros, il est là. Ah, il est là-bas. Ça fait plaisir de te voir, mon vieux. Tu pourras nous expliquer le raisonnement de la réponse B, s'il te plaît. Tu nous expliqueras. Le chat a voté réponse B. Ah, merde. Mais Gaviria, le chat a plus confiance en Max que toi. Ah ouais. Et ça me chagrine beaucoup. Ah merde. De te dire que c'est bien la réponse A, la bonne réponse. Ah ! J'ai raison que t'as regardé le nom du président ou pas ? Il dit oui, oui, évidemment. Voilà. Personne connaît le nom du président colombien à l'époque de... J'ai une théorie sur Max. Et donc, effectivement, Al Capone avait acheté une Cadillac en 1928. C'est les impôts, quoi. Il a demandé à avoir les mêmes couleurs que la police de Chicago de l'époque, c'est-à-dire en noir, évidemment, Al Capone. Blague à part, à l'époque, les gangsters avaient des bagnoles qui roulaient plus vite que ceux des policiers. Ce n'est pas une blague, hein, vraiment. Donc, vraiment, il n'y avait pas de course-poursuite parce que les mecs les traçaient. Et le truc, c'est que la Cadillac de Al Capone était entièrement blindée.
parce que c'était dangereux d'être Al Capone à l'époque. Sauf ça l'est toujours. Il y avait même la lunette arrière de la Cadillac qui était basculante pour pouvoir arroser à la... Ah. Non, mais vraiment. Incroyable. Sauf que, pour une raison que j'ai oubliée, donc elle a été confisquée effectivement après son arrestation en 1931, et dans les années qui ont suivi, il y a eu un moment où Franklin Roosevelt était en danger d'assassinat, machin, et en fait, le gouvernement américain n'avait pas de bagnole blindée. Et il se trouve qu'on en a une à la réserve là, c'est celle d'Al Capone. Effectivement, il y a eu un déplacement une fois dans la seule bagnole blindée qu'ils avaient à Washington ou dans le coin, c'était celle d'Al Capone. Et donc le président s'est retrouvé dans la bagnole d'Al Capone. C'est pas vrai. Kennedy, lui, il a dit non, je prends pas la bagnole d'Al Capone. Too soon. Too soon. Chers amis, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer qu'il y a un ex-écho. Wow. En première place de ce Quiz à la con saison 2, c'est Latifa et Antoine Bristiel. Félicitations, bravo! Merci. Bravo, bravo, bravo. Usul qui rate le second tour et qui s'effondre à la cinquième place derrière Chloé et Sacha. C'est terrible. Je crois que t'avais fait la même l'année dernière. La dernière émission, t'avais de choc. Ouais. Je me vautre à la fin. Donc voilà. Donc voilà. Et ensuite, donc Sacha, Usul, Malek, Claire, Adèle et Léa qu'on embrasse très fort en dernière position. La remontada incroyable. Bravo Sacha en quatrième position. Bravo à Chloé aussi qui maintient sa troisième position. Par contre, je gagne rien là. Il n'y a rien, je gagne non, rien. Non, tu gagnes absolument rien. Par contre, il y en a quelqu'un qui a gagné quelque chose parce qu'on vous avait dit qu'on ferait un tirage au sort parmi les donateurs de Backseat et pour gagner les 10 t-shirts dédicacés qui sont sur ce plateau, voilà, dédicacés par les chroniqueurs. Et nous avons un visuel à vous montrer pour les gagnants de ce tirage au sort. Félicitations. Bravo. Et merci du fond du cœur à vous qui avez reçu... vous voyez votre nom s'afficher sur l'écran. Bravo, vous remportez un t-shirt dédicacé. Nous allons vous contacter par mail, puisqu'on a vos mails, vous avez été donateur et donatrice de Backseat. Merci du fond du cœur à vous pour votre soutien. Et le gagnant ou la gagnante de la Backseat Box sera annoncé à la rentrée, à l'occasion de la troisième saison de Backseat. Puisque, alors, c'est pas à moi de vous annoncer qu'il y aura une troisième saison. Est-ce que vous voulez qu'il y ait une troisième saison ? Voilà, on est à 95% de la cagnotte sur le financement de la saison 2. Nous, il y a un commentaire qui dit « Usul, il est vraiment de gauche, il se vote juste avant les résultats. » Ah, 600 000 voix près, les amis. Mais t'avais fait la même blague l'année dernière. Et voilà. Et bah, faites mieux. Donc voilà. Nous aussi, évidemment, vous en doutez, on a très très envie qu'une troisième saison de Backseat voit le jour dès la rentrée de septembre. Ça demande beaucoup d'argent de faire une saison de Backseat. Donc sachez-le, on va faire tout ce qu'a notre pouvoir pour que cette saison naisse en septembre 2023. Donc je peux d'ores et déjà vous dire que je vous donne rendez-vous en septembre 2023. En revanche, je ne peux pas m'engager à ce stade pour que ce soit une saison sur l'année complète. Chaque semaine, ça dépendra de vous, ça dépendra de nos partenaires, de notre capacité à trouver de l'argent. De l'aide publique, non je déconne, il n'y en a pas à part le CNC pour financer la vulgarisation politique. Donc merci à tous pour votre mobilisation. J'en profite puisque c'est la dernière émission de cette saison pour remercier du fond du cœur les chroniqueurs et les chroniqueuses qui ont fait vivre cette émission. Merci Sacha Beckerman, merci Malek Délégué, merci Vincent Manilev, merci Latifa Oulkouir, merci Usul, merci Adèle Barber, merci Antoine Bristiel, merci Léa Chamboncel, merci Claire Lejeune, merci Raphaël Lorca et merci Chloé Ridel, vous pouvez les applaudir. C'était nos chroniqueurs et nos chroniqueuses autour de cette saison. Merci à vous du fond du cœur. Merci à l'artisan de tous ces quiz à la con extraordinaires, Max Chabat. Merci du fond du cœur à toi, Max, pour tous ces quiz à la con. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux équipes de prod et aux équipes édito. C'était Laurent, Thomas, Pemph, Armance et Vinza. Merci beaucoup à vous pour l'édito autour de cette saison. Merci à Andrea qui m'accompagne tout au long de l'année pour cette émission sur un plan juridique. Merci à Gozulting qui est l'entreprise de production exécutive. Merci à Fred et Valentin qui sont les patrons de cette boîte avec qui on a dealé ça pour cette saison. Merci du fond du cœur au réalisateur de Feu qui a fait cette émission toute cette année. C'était Cardel, mesdames et messieurs. Merci Cardel pour ces belles images. Merci pour cette réale. C'était extraordinaire. Merci à toi, Nicolas Cardel.
Merci à toute ton équipe, Nicolas. Merci à toute l'équipe qui t'accompagne. Thomas, Liam, Florian, Baïdi, Adrien, Clémentine, Guillaume, Julien et Arthur. Vous les avez jamais vus. C'est eux qui s'occupaient de la lumière, du son, du cadrage, des micros, etc. Merci à vous. Vous avez été extraordinaires. Merci à Nio qui a fait la direction artistique de l'émission, le générique notamment. Merci Toxic Avenger qui a fait la musique du générique pendant cette saison. Merci à Bertrand Perrin et Ophélie Alasseur de Paris & Co qui nous accueillent ici dans leurs locaux. Merci à mes coproducteurs chez Equal Prod, Quentin et François, avec qui on fabrique cette émission. Merci à vous les gars du conducteur. Merci beaucoup à toute la team des modos. Et en plus, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à être là ce soir. Merci les modos d'avoir tenu le chat pendant toutes ces émissions backseat. Merci à vous du fond du cœur. Merci aux donateurs. Merci à vous les donateurs, petits et grands, occasionnels ou réguliers. C'est grâce à vous que cette émission elle existe et qu'elle perdure. Merci à vous tous qui avez regardé cette émission chaque semaine. Merci à vous qui l'avez commenté. Merci à vous qui l'avez partagé. J'ai été très heureux de produire cette émission pour vous avec Equal cette saison. Merci Malek. Tu veux merci dire un truc? Merci à toi Jean-Massier. Oh, de rien, mais de rien. Quel plaisir. C'est la fin de cette émission Backseat, c'est la fin de cette deuxième saison. Ciao, bye bye, merci.